Les jours de classique, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc sur la classique des Alpes Juniors, quatrième manche de la Coupe de France et l'une des courses les plus relevées du calendrier français et international dans cette catégorie des U19, nouvelle appellation de la catégorie junior, avec Jean-Claude Noyer, notre consultant que nous allons retrouver dans quelques instants. Nous regardions le palmarès des 27 dernières éditions, 56 coureurs qui étaient sur les podiums sont passés professionnels. C'est quasiment une moyenne de 2 coureurs sur 3 qui passent professionnels après donc avoir connu le podium sur cette classique des Alpes. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, les premières images, mais également le parcours qui est proposé aux 23 formations, 12 formations des comités régionaux, 11 formations étrangères et équipes invitées. Voilà donc le parcours. Nous partons de Ruy-Monceau en Isère et nous allons prendre la direction donc de la Savoie. Nous arriverons à la Bridoire après un peu plus de 130 km de course. Et comme vous le voyez, les principales difficultés seront dans la deuxième partie du parcours, puisque le col du Mont-Tournier sera la première difficulté majeure. Ce sera à mi-parcours, kilomètre 66, donc à 64 km de l'arrivée, le sommet de cette première difficulté classée en deuxième catégorie. Il y aura ensuite la côte de Saint-Genis-les-Villages classée en troisième catégorie. Nous serons alors à 49 km de l'arrivée. Il faudra ensuite franchir le col de Cruzille, dont le sommet sera situé à 40 km de l'arrivée. Il va y avoir l'enchaînement entre la côte de Saint-Genis, le col de Cruzille et puis ensuite le Mont du Chat, juge de paix de cette classique des Alpes, sommet situé à 24 km de l'arrivée. Et si jamais il fallait départager encore quelques coureurs, il restera le col du Bonchet, dont le sommet sera situé à 9 km de l'arrivée à la Bridoire, après donc un peu plus de 130 km de course. Voilà le programme qui est prévu aujourd'hui. Vous avez la ligne d'arrivée sous le soleil de la Savoie. Et on va se retrouver dans quelques instants en plateau avec Jean-Claude Noyer qui va prendre le relais dans quelques instants pour les premières images de cette classique des Alpes. Nous avons également, alors que nous avons les premiers attaquants, le départ a été donné il y a quelques instants. Et je vous propose de retrouver Jean-Claude dans quelques secondes. Jean-Claude, bonjour. Bienvenue sur la classique des Alpes. Bienvenue course que tu connais bien. Oui, bienvenue à toi Nicolas. Donc nous allons vivre et ensemble partager cette 28e édition de la classique des Alpes sous un chaud soleil, effectivement un temps relativement lourd, j'allais dire presque orageux sur la ligne d'arrivée ici à la Bridoire où nous nous trouvons pour commenter en direct donc cette édition de la classique des Alpes organisée par le comité d'organisation du Tour Nord-Isère, le COTNI, qui a organisé... Qui a eu une grosse semaine. Oui, c'est une grosse semaine après avoir organisé l'Alpes-Isère Tour et la Grésy-Vaudan classique demain réservée aux féminines. Eh bien, le deuxième volet de ce triptyque, c'est la classique des Alpes. Et quand on dit classique, effectivement, le parcours proposé aux coureurs est véritablement devenu, Nicolas, un vrai parcours classique. Oui, oui, avec ce Mont du Chat donc, qui avait vu l'année dernière un Néerlandais qui s'était imposé alors qu'il était issu d'une échappée partie très tôt, puisque c'était quasiment dès le départ que cette échappée à 29 coureurs était sortie de ce peloton. Et Max van der Meulen, dernier escapé, avait résisté au retour de Léo Bisio pour s'imposer devant Léo Bisio donc, et Paul Magnier. On parlait, Jean-Claude, des palmarès. On sait que les juniors passent de plus en plus tôt professionnels hein, dès la sortie de cette catégorie 19. C'est le cas de Sjaan Uijtenbroek qui avait gagné en 2021. D'ailleurs, les trois du podium sont désormais dans les rangs professionnels. Uijtenbroek qui avait gagné, Luis-José Luhr deuxième, Elini Martinez troisième. Et puis l'année dernière, Max van der Meulen donc, s'était imposé. Il est désormais dans la formation DSM. Nous avions Léo Bisio qui était deuxième, coureur première année qui depuis est devenu champion du monde de cyclocross chez les U19. Et puis Paul Magnier, quatrième d'un championnat du monde de VTT qui portait ce jour-là le maillot du comité de Savoie, a terminé troisième et a rejoint à l'intersaison la formation professionnelle Trinity Racing. Donc un passage chez les professionnels alors que nous avons quelques soucis d'image en ce début de retransmission. Je le disais donc, coureur qui passe très tôt chez les professionnels. Oui, un garçon qui va avoir la pancarte, c'est Léo Bisio, un deuxième l'année dernière de cette classique des Alpes. Léo Bisio, donc, qui défend les couleurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération française de cyclisme, bien sûr, qui est le leader de la formation et qui portera donc aujourd'hui le dossard numéro 11, formation dirigée par Frédéric Macaudière. Léo Bisio, c'est sûr que c'est un garçon
Nicolas, qui va avoir effectivement, comme on dit dans le jargon cycliste, la pancarte. C'est ouais. quelqu'un qui va être suivi de près par ses coureurs. Ils sont, je crois, 156 à avoir pris le départ donc, de Ruy Monceau, départ fictif, bien sûr, de cette classique des Alpes. 13 équipes françaises, 10 équipes étrangères, ça prouve qu'effectivement, on a un peloton qui est très cosmopolite aujourd'hui, avec des formations venues de la plupart des pays européens, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et même une équipe colombienne, donc pour l'Amérique du Sud. C'est vrai que c'est un peloton, Nicolas, qui s'internationalise, j'allais dire, de plus en plus. Oui, oui, je regardais la première échappée. Alors, on a eu Antoine Lhote, le champion de France U19 en personne, qui a lancé la course. On rappelle qu'il s'était imposé la saison dernière sur le championnat devant Mathis Grisel, qui est tout simplement le leader de la Coupe de France, et Lénaïck Langella, qui a rejoint la formation professionnelle Ecoflow, alors qu'une première échappée est en train de reprendre corps. Tu parlais de Léo Bisio, le collectif Auvergne-Rhône-Alpes est impressionnant. Hein, Léo Bisio, on a Tom Lambert-Wetzel qui est bien placé à la Coupe de France, Jean-Loup Fayol qui était rentré dans les 5 premiers l'année dernière, on a encore Paul Sexas, ancien champion de France des U17, nouvelle appellation de la catégorie cadet, qui est également dans cette formation. Louis Chalaye, qui a gagné des manches de Coupe de France, était à Montpinchon. Donc voilà, c'est un très fort collectif qu'a l'Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Macaudière à domicile en plus. Donc on a une grosse pression du côté de cette formation, alors que l'on voit cette échappée qui est en train de prendre corps. 6 coureurs, je pense avoir reconnu également un maillot de Otto Eder. Il semble avoir un maillot de l'Occitanie également, avec là aussi un fort collectif. Vincent Baudet, Hugo Fabrias, ce sont des garçons qui ont déjà fait parler d'eux sur la classique des Alpes ou ailleurs, hein, puisque Fabriès avait terminé 4e l'année dernière de la classique. Vincent Baudet, l'un des meilleurs coureurs U19 de sa génération. Voilà, donc là aussi un fort collectif. Tu parlais de course internationale. On a aussi la formation d'Itim Otto Eder, formation allemande, qui avait Emil Herzog dans son équipe la saison dernière, et qui a un certain Martin Barta, fils de Yann, que tu as vu la semaine dernière sur l'Alpizer Tour. Là aussi, c'est un fort collectif. Donc, j'ai envie de dire France contre reste du monde, parce qu'on est venu des quatre coins du monde pour cette classique des Alpes. Preuve que c'est un passage obligé pour les U19. Oui, et cette formation allemande, là, donc la Otto Eder, a la particularité d'être composée de 5 coureurs aujourd'hui, et il n'y a pas un seul coureur allemand. Donc il y a deux Tchèques, Barta et Kral, il y a un Hongrois, un Estonien, un Belge. Pas un seul coureur allemand, mais cette formation, en tout cas, elle a fait merveille l'année dernière et elle sera certainement très dangereuse. Une formation, là aussi, à surveiller. Voilà, donc on aperçoit effectivement cette échappée. Et derrière, bien sûr, le peloton. Peloton donc qui doit se situer, à mon avis, à peu près à 300 mètres, 400 mètres peut-être. Une quinzaine de secondes, entre les 6. On rappelle que l'année dernière, la physionomie avait été totalement particulière, un groupe de 29 qui était sorti très tôt, qui avait pris, je crois, jusqu'à 6-7 minutes. Et puis, alors que nous avons la composition, on parlait de composition internationale, nous avons un coureur hollandais avec Jürgen Zomenman, donc pour la formation Willenbrouw, garçon qui s'est illustré sur le Tour de l'Heure ou sur l'Aiguillon, et qui a brillé également sur Liège-Bastogne-Liège Junior. On a Axel Bouquet, donc pour la Normandie. Nous avons Jules Simon pour l'Île-de-France. Duarte Marivouet-Choliers pour le team Otto Eder dont nous parlions, qui avait terminé 4e d'un championnat d'Europe. Nous avons Antoine Lhote, le champion de France, donc il porte le maillot des Hauts-de-France. Et Victor Van Écoute, c'est le Belge coureur de 17 ans qui a terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège Espoir Junior. Je vais y arriver. C'est pour le team Wallonie Junior, dirigé par Ludovic Drault. Là aussi, c'est une très belle formation avec notamment Yargo Vidar. Alors que nous avons la startiste Yargo Vidar, qui est tout simplement le tout nouveau champion de Belgique et qui avait gagné le Tour des Flandres des U19. Alors startiste, je pense que vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube tout au long de la journée. Vous allez pouvoir aller la chercher également sur tous les réseaux sociaux pour avoir la liste complète des engagés. Donc comme le disait Jean-Claude il y a quelques instants, 12 formations françaises, ce sont tout simplement les comités régionaux de la Fédération française de cyclisme, donc Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, le Grand Est, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, les Centres-Val-de-Loire, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Occitanie
et Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur du côté des équipes étrangères. Donc le Team Wallonie Junior pour la Belgique, Cycling Vanderen également pour la Belgique, Willenbro pour la Hollande, le Team Autoeder, l'équipe allemande, le Talon Romandie, ça c'est pour la Suisse. Vous avez l'équipe du Piémont pour l'Italie, Catalania pour l'Espagne, Zappi Junior, deux équipes régionales italiennes, Piémont et Toscane. Et puis nous rajoutons deux équipes invitées. Alors l'Isère Savoie qui a une équipe mixte et puis le Team Inca, petite particularité Jean-Claude, donc on a parlé de Colombie. C'est, le Team Inca est basé dans la région du Cantal. Ce sont des échanges qui sont faits avec notamment l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, avec des garçons qui viennent donc en Europe et en France pour se frotter au plus haut niveau, qui ont aussi une filière études qui les attend au lycée de d'Auriac. Et puis cette année, bien, le Team Incas a été renforcé avec un Danois et un Britannique. On a ouvert donc cette filiation qui était 100% sud-américaine les dernières saisons avec un Anglais et un Danois. Daniel Nielsen, c'est le Danois. Et Rhys Edwards, qui est lui britannique. Voilà cette belle formation. On va saluer Paul Sauvage, le directeur sportif de cette équipe basée, je le disais, dans le Cantal. Le peloton, on voyait, était en train, Jean-Claude, de revenir à quelques secondes des échappés. Les six qui n'arrivent pas à creuser l'écart en ce début d'épreuve. Oui, cette 28e édition, à mon avis, elle va être difficile. Parce qu'il y a d'une part 5 cols à franchir. Oui, on va entendre Monsieur Berthier, le maire de Rouy-Monceau. Oui, tout de suite, l'interview donc du maire de la localité qui a accueilli le départ. Nous sommes extrêmement touchés par la marque de confiance que Cotny et son directeur général Michel Beaup nous accordent, car cette épreuve est vraiment un marqueur de la commune dans le cadre de ces animations, des animations qu'on souhaite développer pour l'ensemble des habitants de Rouy-Monceau. L'évolution de la couverture médiatique de la classique des Alpes juniors permet bien évidemment de donner une exposition plus importante à la commune et à ses activités. Cela permet de montrer l'intérêt que nous portons à ces activités et à ces épreuves qui, au niveau des jeunes coureurs, permettent de lancer leur carrière. On ne peut que se réjouir de l'internationalisation de cette épreuve et il est tout à fait normal que les équipes étrangères qui viennent participer à cette classique des Alpes juniors mettent tous les efforts et mettent vraiment une grande ambition pour essayer de gagner cette course. Donc on ne peut que s'en réjouir et cela permet aussi d'augmenter le niveau technique de cette course et d'amener nos équipes locales, régionales, nationales à se confronter au meilleur, ce qui est important pour la suite de leur carrière. En termes de cyclisme et de mode doux, nous cherchons bien entendu sur la commune et en liaison avec la CAPI à développer les voies de mode doux, les voies cyclables. Mon premier souvenir véritablement de cyclisme, c'est lorsque, en fait c'est grand, lorsque j'avais 16 ans, et ça c'est vraiment un souvenir extraordinaire car j'ai gardé ce vélo jusqu'à peu, mais maintenant je me suis mis à l'assistance électrique. Alors, en fait, l'année 2023 est une année effectivement de reprise et de développement des activités, des animations sur la commune. Je tiens vraiment à dire que ce départ de la classique des Alpes juniors est un peu le couronnement des activités d'animation de la commune et permettent aux différentes associations de se retrouver, de se réunir autour de cette épreuve. Et en cela, je remercie vraiment l'organisation de la course. Voilà le maire de Rouy-Monceau donc, qui accueillait le départ. Alors pour situer la commune, on est dans la banlieue ouest de Bourgoin-Jallieu. C'est bien ça, Jean-Claude, hein ? On est juste à l'est de Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu qui est elle-même une réunion de deux communes, Bourgoin et Jallieu, il y a plus d'un siècle, qui ont fusionné pour faire cette belle commune.
connu pour le rugby, bien entendu, mais connu également pour le vélo, puisque c'est le siège du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes Bourgoin-Jallieu. Et on va en profiter pour saluer la présidente, qui est également la présidente du comité d'organisation de cette classique des Alpes juniors, Christelle Rey. On va saluer également Michel Beau, donc, qui lui œuvrait pour le Cotny sur l'Alpe-Isère Tour et qui œuvre encore sur cette classique des Alpes. Voilà, ce sont la doublette un petit peu d'organisation. Donc Michel Beau en compagnie de Christelle Rey, alors que nous avons toujours nos échappées qui ferraillent pour essayer de creuser l'écart. Mais Jean-Claude, j'ai l'impression que la leçon a été retenue par rapport à il y a 12 mois. On avait laissé partir cette échappée très loin de l'arrivée et on n'était jamais rentré à l'avant. Et la différence peut-être cette année, c'est qu'il y a un grand favori, Léo Bizio, qui, lui, son objectif, ce sera d'arriver au pied du Mont du Chat dans les meilleures positions possibles afin de pouvoir porter son attaque. C'est sans doute la tactique, j'ai envie de dire, hyper simple, mais le parcours, Jean-Claude, est tellement exigeant. On va peut-être revoir d'ailleurs le profil de l'épreuve du jour, le parcours étant tellement exigeant que le but vraiment pour les favoris, c'est d'avoir une explication sur le Mont du Chat. On voit les pourcentages d'ailleurs de cette principale difficulté. Si l'on regarde Col du Mont-Tournier, donc c'est 10 km 300 à 5,5% de moyenne, donc c'est très long, mais ce n'est pas très pentu. Il y a ensuite la côte de Saint-Genis, les villages, 3 km 200 à 5,9%. Le Col des Cruzilles, 3 km 500 à 5%. Le Mont du Chat, c'est 9 km à 7,8% de moyenne avec des passages à 12 et 13%. Et puis nous terminons avec le col du Bancher, 5 km 300 à 4,4%. Alors le col du Bancher, Jean-Claude, n'est pas très difficile, sauf qu'il arrive au bout de 115 km et que les forces peuvent manquer à ce moment-là. Oui, et puis qu'il est qu'à 9 km ouais. De l'arrivée, et en plus, hein, moins de 10 km. Donc quand on sait qu'il y a une bonne partie de descente, je dirais que si le coureur donc, qui est passé en tête au col du Bancher a la lucidité suffisante pour rejoindre l'arrivée, il suffit de basculer au sommet du col du Bancher avec, à mon avis, 40 secondes. Ça suffit pour rallier donc, la ligne d'arrivée ici donc, à la Bridoire, l'avant-pays savoyard qui accueille donc une nouvelle édition de cette belle classique des Alpes. Indécise, parce que c'est vrai que pour avoir rencontré pas mal de directeurs sportifs ce matin, la plupart me disaient cette année c'est une course qui va être indécise. Et il est clair que Nicolas Caille le disait tout à l'heure et à juste titre, je dirais qu'il y a effectivement deux grandes portions dans cette classique si on en fait l'analyse. Il y a les 60 premiers kilomètres qui sont relativement faciles et plats. Ouais. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et là, c'est vrai que ça ne débranche plus. Il n'y a pas 31 km, je crois, d'ascension cumulée sur ces 5... Sur les 60 derniers kilomètres. C'est ça, ouais. Sur les 60 derniers kilomètres, sur les 5 cols et côtes donc, qu'ils ont à franchir, et plus de 2400 mètres de dénivelé positif. C'est dire que en 60 km, effectivement, il va y avoir du sport. Et ça promet donc une belle bataille. Sous un chaud soleil, Nicolas, hein, c'est une chaleur un peu écrasante. Oui, un petit peu comme l'année dernière. Alors, et puis la chose qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont les premières chaleurs. Les coureurs ont eu un printemps assez catastrophique pour la météo, avec beaucoup de froid, beaucoup de pluie également tout au long de ce printemps. Et on va dire que ça fait seulement deux week-ends. Je crois que vous avez eu le soleil sur l'Alpe-Isère Tour la semaine dernière. On va dire que c'est la deuxième semaine où ils retrouvent des chaleurs. Alors, il fait bien plus chaud puisque là, on est quasiment à 30 degrés, comme le disait Jean-Claude. Mmh. Alors qu'on a la composition d'un nouveau groupe qui s'est constitué avec Mathis Guérinel pour l'Île-de-France, très entreprenante. Duart Marivouette Chollier donc pour le team Auto-Eder. Là aussi, c'est une formation qu'on a déjà vue à l'avant tout à l'heure. Et puis, nous avons Mylène Denis, donc un jeune coureur belge, et Niels Driessen, deux coureurs de la formation des cycles Vlaanderen. L'un a brillé sur Liège-Bastogne-Liège des U19. L'autre avait brillé sur Paris-Roubaix Junior et est vice-champion de Belgique. Donc, nos amis belges qui ont décidé d'anticiper peut-être et d'avoir un coup d'avance. Je pense qu'ils ont dû voir les images de l'année dernière pour voir le relief de la deuxième partie de l'épreuve et ont vu cette échappée partir de très loin, alors que vous avez toujours la ligne d'arrivée qui est en train de se préparer ici à la Bridoire. Ce qui est important de souligner, Nicolas, c'est que Duart et Marivotte, le Globe 266 du team Auto-Eder, était déjà dans la première échappée. Oui. Donc il a des fourmis dans les jambes. Ouais, il remet ça, il veut absolument prendre un coup d'avance. Et sans doute pour ses leaders, il est important d'avoir un homme à l'avant. L'écart est en train de grimper, même si nous n'avons pas les images.
Nous avons les Radio Tours qui nous annoncent 25 secondes d'avance pour le trio avec un coureur qui est peut-être ressorti en contre. C'est bien ça, oui, puisqu'on a l'avant-garde du peloton. Alors, image qui est un petit peu défaillante aujourd'hui pour venir sur la ligne. La chaleur fait que les réseaux également, qui ne sont pas très nombreux à la Bridoire, sont un petit peu surchargés et nous allons retrouver le plus tôt possible, bien entendu, nos images. Alors, je ne sais pas si la régie... Voilà, notre échappée avec, à l'image, le maillot donc à la fleur de lys du comité de l'Île-de-France. C'est Mathis Guérinel avec le dossard 75, maillot et cuissard bleu du Francilien, donc dans le groupe de tête. Quatuor qui tente sa chance, qui part de très loin, 25 secondes d'avance au dernier pointage. Jean-Claude, on revient quelques instants sur ce qu'on disait en ouverture. 27 éditions, deux coureurs sur trois qui sont sur le podium, qui passent professionnels si l'on regarde les trois derniers vainqueurs. Valentin Paré-Peintre, qu'on a vu sur le Tour d'Italie. Sian Hyntenbroek, qui était la terreur dans ses années juniors. Max van der Meulen, où la formation du team DSM a tout de suite mis le grappin, entre guillemets, sur ce prodige néerlandais. Et puis l'on voit d'autres grands noms, Aurélien Paré-Peintre, Rémi Rocha, qui ont gagné. Nicolas Mal, lui, n'est pas passé professionnel, mais a été champion d'Europe quelques semaines après son titre sur la classique des Alpes. On a, Jean-Claude, c'est un gage de sécurité. On a deux chances sur trois, lorsqu'on est sur le podium de la classique, de se retrouver chez les professionnels. Exactement, oui. Avec une particularité, j'allais dire une originalité dans ce palmarès donc, de la classique des Alpes, celle de retrouver donc, sur la première marche du podium deux frères, les frères Paré-Peintre, donc Aurélien et Valentin. Aurélien, c'était en 2013 et Valentin en 2019, si ma mémoire est bonne. Avec la particularité, là aussi, que Valentin avait terminé deuxième la saison précédente et qu'il gagne la classique là, en 2019. C'est le seul coureur, à mon avis, qui ait fait donc Pour le moment. Pour le moment. Voilà, tout à fait. On ne va pas effectivement vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est vrai que c'est une originalité de ce palmarès, comme je dirais, chaque palmarès de grande épreuve cycliste. Et c'est vrai que c'est sympa de le rappeler. Ces deux coureurs, les deux frères Paré-Peintre, ce sont des régionaux de cette classique, d'une part, et d'autre part, comme Nicolas le disait tout à l'heure, des coureurs qui se sont illustrés sur les routes du Tour d'Italie, du récent Tour d'Italie. Et je vais en oublier, bien entendu, mais parmi les coureurs qui sont passés, qui sont montés sur le podium, il y a des noms qui sonnent fort lorsqu'on parle de vélo. Mathieu Perger était monté sur le podium en 2001. 2002, année exceptionnelle quand on regarde le palmarès. Florian Vachon, l'Auvergnat qui s'impose. Janie Mersman, le Belge, deuxième. Lars Boom, troisième. On regarde l'année suivante, Julien Loubet qui s'impose devant Lars Boom et devant un certain Andy Schleck. 2004, Maxime Bouet sur le podium. 2005, Ben Gastauer est sur le podium. On va regarder 2008, Johan Lebon qui s'impose. Et 2009, un certain Warren Barguil qui termine deuxième. Petit clin d'œil à Warren Barguil et à la fratrie de Bretagne, puisque le petit frère Brian Barguil est au départ. Il porte le dossard 52. On continue notre revue d'effectifs. Pierre Latour s'impose en 2011. Pierre-Henri Lecuisinier est troisième. Il sera champion d'Europe et champion du monde quelques semaines plus tard. Tu le disais tout à l'heure, Aurélien Paré-Peintre avait gagné en 2013. Mais en 2012, un certain Nance Peeters, terminé deuxième de la classique des Alpes. Il a connu le titre, il a connu la joie de gagner une étape sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France depuis. 2014, Rémi Rocha s'impose devant un jeune qui monte, un certain David Gaudu qui termine deuxième. Et puis si l'on regarde encore un petit peu plus près de nous, on avait Valentin Paré-Peintre en 2019, Lars Boven qui est lui aussi passé professionnel depuis. Aloïs Charin était également monté sur le podium. Et puis sur les deux dernières années, on en parlait tout à l'heure, Paul Magnier, Max van der Meulen, mais surtout Sian Hyntenbroek 2021 et un certain Lili Martinez qui avait terminé troisième. Voyez, donc si l'on regarde les palmarès comme cela depuis 1995, on a l'essentiel des coureurs qui sont ensuite passés professionnels, qui sont passés donc par cette classique des Alpes. Le quatuor de tête avec Mathis Guérinel qui emmène, les deux coureurs de la formation des Cycling Van der Ren avec Milan Donnier et Niels Driessen, et Duart Marie-Vette Chollier, tu le disais, Jean-Claude, qui avait des fourmis dans les jambes, échappé, qui est en train de prendre corps et qui compte 35 secondes d'avance sur le peloton. Alors, c'est peut-être pas la bonne échappée, mais peut-être l'échappée du jour qui est en train de prendre forme.
En tout cas, c'est une belle échappée. Elle fait forte impression, ça c'est clair. Ça roule vite. Ouais. Ça roule vite en tête et les relais tombent assez régulièrement. Hein. On voit effectivement tous les 300-400 mètres les prises de relais qui s'effectuent. On n'a pas parlé du vent, Nicolas, donc dans cette classique des Alpes. A priori, il n'y a pas trop de vent. Oui, on pense qu'on sera tranquille de ce côté-là. On regarde... Le vent qui peut avoir un rôle dans les 60 premiers kilomètres. Hein. Oui. On regardait les images, les deux coureurs du team Landeren qui font l'essentiel du travail dans cette échappée. On a délégué deux coureurs dans cette formation et pas des moindres. Donc Mylène Donnier, donc on le disait, qui a brillé sur Liège-Bastogne-Liège Junior, qui avait brillé sur une belle classique qui a lieu au mois d'avril. Et toute l'équipe d'organisation de cette belle classique pour les U19, troisième de la route d'Éole. La météo n'était pas du tout la même ce jour-là lorsqu'il avait pris la troisième place. Niels Driessen, donc c'est le deuxième du championnat de Belgique, le troisième de la PBL Classique, première manche de Coupe de France et qui s'est illustré également sur Paris-Roubaix U19 en prenant la cinquième place. Voilà en ce qui concerne nos deux Flandriens. Et puis côté du team Auto-Eder, donc autre Belge avec Duart Marivoet qui s'est distingué sur les championnats d'Europe la saison dernière. Et puis nous avons notre francilien Mathis Guérinel qui s'était illustré. C'est un bon grimpeur. Attention à Mathis. Mon cher Jean-Claude, il avait gagné la classique des Pyrénées. Tout à fait. Qui essaye de, non pas concurrencer, mais de copier un petit peu ce qui se fait sur la classique des Alpes, classique des Pyrénées-Atlantiques, dont c'était la deuxième édition au mois de mai. Mathis Guérinel s'était imposé devant Clément Sanchez et Lucas Rondel. Le coureur formé à Étampes et qui porte désormais donc pour cette classique des Alpes le maillot à la fleur de lys du comité d'Île-de-France. Voilà le quatuor que l'on retrouve en image et le peloton surtout qu'on retrouve en image. Un peloton désormais à plus de 40 secondes. On a l'impression, Jean-Claude, qu'on laisse faire. Quatre coureurs, c'est pas comme l'année dernière, les 29, on a de quoi laisser quand même un petit peu de marge. Oui, on ne s'affole pas trop hein, au sein du peloton qui tient toute la largeur de la route actuellement. C'est vrai que les coureurs belges s'illustrent hein, sur cette classique des Alpes, les hommes du plat pays, comme l'on dit, hein, les Flamands. Rappelons-nous que... Trois Belges dans les cinq derniers vainqueurs. Exactement. Hein, donc, notamment Max van der Molen, donc passé chez la formation DSM, Sian Uytebroijs, donc qui avait gagné avec plus de 5 minutes d'avance en 2021, sachant qu'en 2020, il n'y avait pas eu d'organisation pour des raisons sanitaires bien évidentes, hélas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit là encore que les coureurs belges sont là, sont bien présents. Encore trois là, parmi les quatre hommes de tête, c'est cela. Trois coureurs belges. Un Français donc avec eux, c'est Mathis Guérinel qui les accompagne. Et c'est vrai que ces coureurs belges y viennent avec grand plaisir sur cette classique des Alpes. Je discutais ce matin d'ailleurs avec leur directeur sportif Serge Pauwels qui me disait que c'était une course remarquablement organisée et que bien entendu chez eux ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer sur ce type de parcours. Donc ils venaient avec un très très grand plaisir disputer cette classique des Alpes pour d'une part s'aguerrir et puis d'autre part faire le point avec les autres formations européennes présentes au départ de cette classique. Oui, parce que la prochaine grosse levée du côté des U19, ce sera l'Imbugé-Valremetour qui aura lieu au mois de juillet, qui est une autre course internationale incontournable qui va passer sur 6 jours en plus. Ce sera l'un des grands rendez-vous. Tiens, à propos de grands rendez-vous, puisque nous sommes sur la chaîne Black Hole Live, on salue toute l'équipe qui retransmet et qui diffuse donc ces images. Vous retrouverez la semaine prochaine, on sera du côté de l'Eure-et-Loire et vous allez devoir me supporter 3 jours puisque ce sera vendredi, samedi, dimanche avec les professionnels donc de ce tour d'Eure-et-Loire. Nous enchaînerons ensuite avec d'autres belles épreuves puisque nous serons du côté de l'Imbugé-Valremetour. On va tout de suite vous donner les dates de ce rendez-vous. Nous serons dès le mardi 11 juillet sur l'Imbugé-Valremetour jusqu'au 16 juillet. Voilà en ce qui concerne le programme. Et puis on vous... donne d'ores et déjà rendez-vous en ce qui concerne les professionnels sur une manche de Coupe de France. Ce sera la Polynormande le 13 août prochain. Vous êtes plus de 4400 à nous suivre désormais sur les chaînes Black Hole Live. Alors c'est sur YouTube que vous pouvez vous inscrire. Inscrivez également vos amis.
On est à 4004. On a promis, on va promettre une surprise, une belle surprise pour le 5000e abonné à notre chaîne Black Hole Live. Et on rappelle que c'est entièrement gratuit, que vous n'avez rien à payer. Si vous avez des liens d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui vous proposent de venir voir les images moyennant finance, vous fuyez tout cela. C'est entièrement gratuit, cette diffusion avec la chaîne Black Hole Live et toute l'équipe du COTNI et du comité d'organisation de cette classique des Alpes. Peloton annoncé, Jean-Claude, à 55 secondes. On voit que le peloton est en train de prendre la poursuite quand même en main. Et je pense que du côté du circuit, nous avons dû sortir de la chapelle de la Tour. C'était au kilomètre 20. Nous sommes à 110 km de l'arrivée. Nous rentrerons dans une quinzaine de kilomètres dans le département de la Savoie. Ce sera au pont sur le Gier. Et puis ensuite, nous irons chercher le col du Mont Tournier qui sera la première difficulté de la journée. Notre quatuor, écart confirmé, 55 secondes. Ouais, effectivement, donc l'écart a grandi assez rapidement hein, sur cette échappée, donc la deuxième échappée de la journée. Et il est clair que actuellement, donc ces quatre coureurs peuvent effectivement voir leur écart grimper au-delà de la minute, pourquoi pas. Il est clair que là aussi, les grosses formations telles que Auvergne-Rhône-Alpes peuvent gérer un écart d'une minute. Le directeur sportif de la formation me disait, c'est vrai que si on a une minute au pied du Mont du Chat, qui est la principale difficulté de la journée, il me disait donc que ce n'était pas très inquiétant et que ça pouvait effectivement se gérer. Ne pas avoir 5 minutes comme l'année dernière. Là, c'est rédhibitoire, effectivement. Hein. Quand on a vu Ancien Utrebroche donc passer effectivement le pied du col avec 5 minutes. Ou Van der Meulen qui était passé avec 5 minutes aussi au pied. Van der Meulen, ouais, c'est vrai. Hein. C'est deux garçons qui sont véritablement étonnants. Tout à l'heure, tu parlais d'ailleurs de Lenny Martinez. Lenny Martinez, il s'est illustré récemment dans la Mercantour Classique en prenant la quatrième place. Il avait terminé, Lenny, troisième de la Classique en 2021. C'est dire que tout le niveau qui est proposé dans cette épreuve réservée au U19. Ça s'agite à l'avant-garde du peloton, bien sûr. Et c'est le Team Inca. Alors, j'ai cité le directeur sportif, on salue le manager général Jean-Jacques Gouilleux. Donc, on rappelle un petit peu donc cette origine Team Inca. Alors, il y a eu du changement hein, depuis que je regardais qui était à l'avant. On voit un coureur du Team Inca en quatrième position. Cette formation du Cantal, donc, qui faisait venir donc des coureurs sud-américains, colombiens, argentins. On a eu des Mexicains, des Péruviens. Ils avaient fait appel également à Esteban Chavez et à sa fondation pour avoir des informations sur les coureurs qu'ils recrutaient. Et puis donc, ils ont élargi la palette donc, cette année avec des recrutements danois et britanniques. On retrouve les quatre hommes de tête. Oui, Jean-Claude, tu disais le peloton qui pour l'instant gère. Il y a pas mal de formations intéressées pour la poursuite. On a vu Auvergne-Rhône-Alpes, on a vu l'Occitanie, on a vu le Team Inca. Il y a plusieurs coureurs qui sont déjà à la manette pour relancer la bagarre derrière le quatuor de tête. Et nos deux Belges de la formation du Team Vlaanderen, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Claude, qui font forte impression. On a l'impression qu'ils sont déjà à fond alors que nous sommes à plus de 100 km de l'arrivée. Oui, tout à fait. Et qu'on est toujours sur le plat. Hein. Donc, le plat pays leur convient bien. Est-ce que ça roule fort. Hein. Est-ce que l'ascension du col du Mont Tournier va leur convenir? Ben, ça, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est vrai que c'est difficile hein, de faire 60 km comme ça à bloc et d'attaquer des premières difficultés, même si le Mont Tournier n'est pas très raide, il est long, hein, il y a plus de 10 km d'ascension. C'est difficile, effectivement, de changer de statut et de stature. Et là, on va voir, effectivement, le comportement du peloton. Peloton qui réagit, ouais. Nicolas. Hein. Tu parlais du vent, donc la confirmation, quasiment pas de vent pour les coureurs. Peloton qui réagit. Tu le disais, première difficulté, en principe, la course est simple. Il y a deux courses dans la course, 60 km à fond. Et puis lorsqu'on arrive dans le Mont Tournier, c'est quasiment du chacun pour soi. Certains tapent la tête contre la pente, comme on dit dans le jargon, dès les premiers kilomètres. Et en principe, on a un peloton qui vole en éclats dès les premières pentes de cette difficulté située à mi-course. Voilà la tête de course. On nous annonce toujours 55 secondes sous le soleil de l'Isère pour l'instant, puisque tu vas nous le confirmer, Jean-Claude, toi qui es le régional de l'étape également. Nous sommes toujours dans ce beau département de l'Isère que vous avez sillonné tout au long de la semaine dernière avec l'Alpes Isère Tour, qui a connu un beau succès populaire, un beau vainqueur également.
Voilà donc les quatre coureurs sur les routes de l'Isère. Oui, tout à fait. Je suis le régional de l'étape encore pour quelques kilomètres, Nicolas. Oui, oui. On va changer de registre dès les premiers hectomètres de la Savoie. C'est vrai que si on parle jargon cycliste, on s'aperçoit que c'est des coureurs qui ont aujourd'hui et actuellement tout à droite et ils vont être obligés de mettre tout à gauche. Oui. Donc là, la donne va changer et à mon avis, on sera plus sur le même registre. Hein. Mais c'est vrai que les coureurs de Vlaanderen, donc les coureurs belges, font effectivement une très très belle impression. Et bon, il faut savoir aussi qu'ils sont deux hein, dans cette échappée, 2 sur 4. Ça peut expliquer aussi cela. Ils ont tout intérêt effectivement à faire vivre, en tout cas, cette belle échappée. La plus longue depuis le départ de cette épreuve pour l'instant, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des intérêts, j'allais dire, des intérêts communs, bien sûr, à ce que cette échappée se déroule sous les meilleures conditions possibles, en tout cas, que l'entente soit bonne au sein de cette échappée. C'est vrai que ça roule très, très vite. Hein. Je serais très intéressé d'avoir les vitesses des motos, mais là, à mon avis, on est au-delà des 50 km/h. Oui, et puis ce qui est le souci pour l'échappée, c'est que plus on va s'approcher de la difficulté, le peloton ne va pas s'arrêter de rouler, donc ça sera dur quand même pour creuser des écarts. Hein. On voit que les hommes ont dû s'employer pour prendre une minute. Ce sera sans doute beaucoup plus compliqué d'aller chercher une deuxième minute d'avance avant les premières difficultés, parce que comme je le disais, Jean-Claude, plus on va se rapprocher du pied de la première difficulté, plus le peloton risque d'accélérer pour ramener les leaders au plus près de l'échappée. Je vous rappelle que vous nous suivez donc sur la chaîne Black Hole Live. Si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez pas. Vous avez le top chat qui vous attend pour nous poser des questions sur cette classique des Alpes ou sur nos différentes retransmissions. Et puis n'hésitez pas également à saluer vos équipes préférées. On a d'ailleurs les supporters du Team Inca ou les supporters également de la Bretagne. Petite particularité, tiens, pour les Bretons, Jean-Claude, il va falloir qu'on s'y fasse. Ils étaient en maillot noir. Mm-hmm. Ils sont passés en maillot blanc pour cette deuxième partie de saison. Maillot noir, c'est quand il fait une chaleur comme cela écrasante, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux pour le vélo. Il vaut mieux avoir du blanc. Oui, c'est vrai. Cela étant, les couleurs bretonnes sont les couleurs bretonnes. Oui, alors ils ont échangé. Ils ont échangé le noir et le blanc, mais ils ont vraiment blanchi le maillot. Je pense qu'on verra la formation bretonne à un moment ou un autre de cette retransmission. On va saluer les sept coureurs. Antoine Basset, Brian Barguil. On va faire attention à ne pas se tromper du côté du prénom. Maxime Vézier, Thomas Roussel, Paul Thierry, Malo, Trottel et Jules Vaugrenard. Voilà en ce qui concerne la sélection de Bretagne qui a toujours pesé sur les épreuves de la Coupe de France. On va d'ailleurs rappeler les manches de cette Coupe de France 2023 réservées donc au U19. Nous avions débuté le dimanche 2 avril par la Pével. C'était sur les Hauts-de-France, épreuve en ligne avec secteur pavé. Il y avait le 15 et 16 avril dernier la Côte d'Or classique, épreuve par étape avec un contre-la-montre individuel. Le 30 avril, les juniors se sont retrouvés en Nouvelle-Aquitaine pour le chrono 47, un contre-la-montre par équipe. Aujourd'hui, c'est la classique des Alpes. Et le dimanche 19 et samedi 20 août, ce sera les boucles de l'Oise, trophée Arnaud Coyot, épreuve par étape avec contre-la-montre individuelle. Et c'est Mathis Grisel qui est le leader de cette Coupe de France. Alors là aussi, Jean-Claude, il y a plusieurs courses dans la course. Il y a la Coupe de France, il y a une victoire de prestige sur la classique des Alpes. Et puis, c'est une course internationale, ce qui permet également de s'étalonner par rapport à ce qui se fait de mieux en Europe. Nous l'avons dit, 10 formations étrangères qui sont présentes. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que ça prouve le niveau qui est proposé, alors que là, on découvre l'avant-garde du peloton. Et là, effectivement, la bagarre est en train de commencer. Les écarts, donc en tout cas, l'écart entre l'échappée et le peloton se réduit. Plus que 45 ouais. secondes. Ils ont perdu 10 secondes là, en quelques hectomètres. C'est-à-dire que derrière, effectivement, on a enclenché la vitesse supérieure au sein du peloton. Peloton donc, qui commence à s'étirer dangereusement. Et traverser d'Aoste, nous sommes au kilomètre 34 après seulement 46 minutes de course. Alors à Aoste, on est bien en Isère, on précise, et on va rentrer dans quelques instants en Savoie, puisque à la sortie d'Aoste sur le Gier, donc, nous allons avoir le pont qui signifie donc
le passage en Isère, alors que de nouvelles attaques désormais ont lieu. Je pense que c'est le maillot de l'Occitanie. On dirait de la oui. Nouvelle, peut-être de la Nouvelle-Aquitaine plutôt, qui est en train d'essayer de relancer. Oui, c'est bien la Nouvelle-Aquitaine qui est en train d'essayer de relancer derrière les hommes de tête. Alors, est-ce qu'on veut essayer de faire le jump et venir compléter cette échappée? C'est Jean-Claude, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être pas forcément le moment de s'infliger une longue poursuite pour revenir devant. Oui, en tout cas, donc, il nous reste 20 km de plat avant d'attaquer les premiers hectomètres du col du Mont Tournier. Je rappelle qu'il y a plus de 10 km d'ascension pour ce col classé en deuxième catégorie, dont le sommet sera au 66e kilomètre. Hein, il est placé donc à mi-course. Pile à mi-course. Mi-course, exactement. Classé en deuxième catégorie, altitude 810 mètres donc pour le col du Mont Tournier. Ça n'est pas un col extrêmement difficile, mais c'est le premier de la journée. Les coureurs vont le passer autour de 13h15, 13h30, donc avec une chaleur extrême hein, sur les sommets de ce col. Ça peut aussi jouer le goudron, on le voit, commence à fondre. Et il est clair que dans ces ascensions, donc, il risque d'y avoir quelques difficultés supplémentaires liées à la chaleur. Et c'est là qu'on va vraiment voir, lorsqu'on est coureur, si on est dans une belle journée ou si la journée va être longue. Voilà, on vient de rentrer en Savoie du côté du peloton. Tu nous le confirmes, Jean-Claude, tu n'es plus le régional de l'étape. Ça y est, nous avons quitté ton beau département de l'Isère. Exactement, voilà. Donc, on attaque la Savoie et dans quelques kilomètres, bien sûr, les premières difficultés du jour, cette ascension du col du Mont Tournier, donc la première des 5 ascensions répertoriées au programme. C'est un programme qui est, comme le nom de l'épreuve le signale, qui est devenu donc classique, mais que beaucoup de coureurs découvrent, hein, puisqu'il n'y a que les coureurs en deuxième année qui sont présents, notamment des garçons comme Léo Bizio qui avait terminé deuxième l'année dernière. Il a effectivement, lui, bien connu ce circuit. Il n'a pas besoin de C'est l'avantage lorsqu'on est deuxième année. On a toujours ce petit coup d'avance, sachant où on pose ses roues. Alors certains sont venus repérer, hein, malgré tout. C'est de plus en plus le cas. Il y a aussi les moyens Internet qui permettent de regarder donc les pourcentages, de voir les différentes ascensions. Et puis, il y a la retransmission de l'année dernière qui permet également d'avoir une belle idée sur la physionomie de la course, sur les passages délicats, comme l'on disait. Et puis, le final également. On l'avait vu l'année dernière, Léo Bizio qui était sorti dans le Mont du Chat, qui était revenu buter à un petit peu plus de 2 minutes de Max van der Meulen, qui, ce jour-là, avait écrasé la concurrence, un petit peu comme Sian Uytvanberghe quelques 12 mois plus tôt. Donc, les deux derniers vainqueurs, les deux Belges, qui avait fait une véritable démonstration. Comme tu le disais, Jean-Claude, ce sera beaucoup plus serré cette année. Il y a beaucoup de prétendants. Alors certes, il y a un ou deux favoris qui reviennent très régulièrement, mais ils sont encore nombreux à pouvoir inscrire leur nom au palmarès de cette classique des Alpes. En tout cas, l'échappée ne prendra pas 5 minutes ou 7 minutes comme l'année dernière. On est pour l'instant, on laisse bien maîtrisé par le peloton. Oui, il y a un écart qui semble se stabiliser à 45 secondes, donc entre les 4 hommes de tête et le peloton, sur de belles routes, hein, des routes savoyardes qui semblent être en parfait état. Et c'est vrai qu'on a des conditions, de belles conditions pour faire du vélo et pour que cette classique donc se déroule sous les meilleurs auspices. C'est vrai qu'on approche donc petit à petit, alors que la course dont le départ a été donné à midi de Ruy-Monceau, à 12h15, je crois, du départ réel, puisqu'à Ruy, c'était un départ fictif, bien sûr. Départ réel donné donc à 12h15 de la localité de Bourgoin-Jallieu, la capitale du Nord-Isère, on va l'appeler comme ça. Toute proche, d'ailleurs, du siège du comité d'organisation du Tour Nord-Isère, qui se trouve à Sainte-Blandine. C'est à quelques kilomètres de Bourgoin, de la Tour du Pin, sous-préfecture de l'Isère. Voilà le peloton et l'échappée que nous retrouvons. Tiens, on va saluer les Normands. On a les supporters. Notre réalisateur est en Normand. Je suis obligé d'essayer de parler de la Normandie. On a les supporters d'Axel Bouquet qui lui font un petit coucou durant cela. Il y a Axel qui s'était révélé cette saison sur le tour de l'heure junior Normandie, où nous serons, on l'a dit tout à l'heure,
à Saint-Martin-de-Landelles le 13 août prochain. Pour la troisième année, nous aurons la chance de vous faire vivre la Polynormande, l'une des manches de la Coupe de France qui propose. Alors, si vous êtes en vacances à cette époque-là et que vous avez l'occasion d'aller à Saint-Martin-de-Landelles, c'est un lieu incontournable. C'est un circuit en 8. Vous avez la possibilité de voir à deux fois sur le circuit final les coureurs. Il y a une ambiance de dingue. On est près de la Bretagne également. Donc, ceci explique cela. Bretons et Normands se retrouvent tous du côté de Saint-Martin-de-Landelles. Ce sera le week-end du 15 août et plus précisément le 13 août. Ce sera le théâtre d'une manche de Coupe de France et ce sera le théâtre l'année prochaine des championnats de France. On va saluer la voix du vélo, Daniel Mangias, qui est dans l'organisation de cette Polynormande. Oui, tout à fait. Et qui en est effectivement à l'origine aussi. Il faut le rappeler. Pro au départ. Voilà, tout à fait. D'un critérium, il en a fait une manche de Coupe de France et c'est tout à leur honneur, effectivement, sur un circuit magnifique, hein, comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, avec cette côte de la Pigeonnière, hein, qui est devenue maintenant célèbre, j'allais dire presque dans l'Europe entière, grâce à notre ami Daniel Mangias, on va le dire, hein, la voix du tour, quoi. C'est sûr que... Je te laisse deviner le jeu de mots qu'il fait lorsqu'il parle de moi et de la côte de la Pigeonnière. Ouais. Voilà, les quatre hommes de tête, 40 secondes, le peloton, donc c'est confirmé, nous sommes proches de l'heure de course désormais, et les quatre hommes de tête qui n'arrivent pas à creuser, l'écart un maximum monté à 55 secondes, redescendu à 40 secondes. On voit le coureur de l'Île-de-France qui passe son relais. On va vous redonner la composition complète de cette échappée. Donc, Mathis Guérinel, c'est celui qui est en tête avec le dossard 75 et le maillot de l'Île-de-France. Vous avez la présence également donc, dans cette échappée de Mylène Denier, dossard 92, qui était en train de prendre le relais et qui est en première position. Son coéquipier Duarte Marivoit Chollier, donc toujours du Team Moto Eder, et qui porte le dossard 166 et coéquipé de Mylène Denier, Niels Driessen, le deuxième coureur de Cycling Van Vlaanderen, avec le dossard 95 qui s'apprête à prendre lui aussi le relais. Écart Jean-Claude stabilisé à 40-45 secondes. Oui, on a l'impression qu'effectivement le peloton maîtrise bien la situation et laisse cet échappé, j'allais dire, faire son travail en tête de course sans leur permettre de prendre 2, 3, 4 minutes. On a vu un écart, je crois que l'écart maximum était monté à 55 secondes, c'est ça Nicolas. Donc c'est vrai que vous voyez que l'écart il oscille entre 40, 45, 50. Ça ne va pas trop au-delà. En tout cas, les quatre hommes de tête qui s'entendent parfaitement bien ont du mal à creuser et je dirais faire un écart substantiel pour leur permettre déjà de gravir les premiers kilomètres du col du Montourny en tête. À mon avis, ça va être difficile. Ouais. Petit coucou à la Belgique, la formation Vlaanderen et ses supporters. Alors, on nous demande le dossard d'Arthur Thierry. Je crois que la réponse a été donnée sur le live. C'est le dossard 97 pour le jeune coureur belge de cette formation de Serge Powels qui vient régulièrement hein, sur la classique. Tu le disais, les Belges qui sont depuis de nombreuses années, souvent les épouvantails de la classique, mais qui viennent se frotter donc, aux meilleurs Européens sur cette épreuve. On parlait tout à l'heure d'épreuves juniors. On rappelle que la prochaine course à étapes dans un gros mois maintenant, ce sera l'Imbugé Valremetour, donc sur 6 jours. Et nous retransmettrons, allez, quasiment en intégralité, puisqu'on aura les deux dernières heures de course de toutes les étapes de cet Imbugé Valremetour. Vous étiez très nombreux l'année dernière à nous avoir suivis, plus de 3000 sur chaque étape, alors qu'on voit toujours le peloton, Jean-Claude, secoué par quelques accélérations, quelques attaques. On veut surtout entretenir cette poursuite. On veut surtout pas que ça fasse rideau, que le peloton prenne toute la chaussée alors qu'on sort de la première localité de Savoie qui était sur le circuit. C'est Champagneux. Nous sommes au kilomètre 40, 90 km de l'arrivée, donc à 26 km du sommet du col du Montournier avec un nouveau duo qui est en train de se constituer en deuxième échelon de course, Jean-Claude. Oui, tout à fait. Après, effectivement, cette traversée de Champagneux, les coureurs vont traverser la Balme pour se diriger vers Yenne. À Yenne, on va effectivement prendre un virage à droite à 90 degrés pour se diriger donc vers les premières difficultés du jour, les premiers lacets du col du Mont Tournier, tout simplement. L'écart donc toujours 40 secondes, alors qu'il y a quand même quelques escarmouches en tête de peloton. Hein, deux coureurs qui viennent de sortir de ce peloton. C'est un peu présomptueux, à mon avis, hein, de sortir comme ça. Alors que... c'est pas forcément la meilleure position de se retrouver en chasse-patate comme ça, à deux.
même si l'on voit que ça ressort encore dans le peloton. Alors j'hésite à dire que soit c'est un coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes ou peut-être un maillot breton qui serait présent, peut-être également un maillot de la Villenbro, formation néerlandaise qui serait présent dans ce groupe de contre. Mais on voit, Jean-Claude, le peloton qui... alors donc c'est un Wallonie, et j'avais tout faux concernant les coureurs de l'échappée, puisqu'on nous annonce Finlay Tarling de la Villenbro, donc c'est ça, j'avais bien reconnu le maillot aussi. Et puis on a Victor Van Ecoot du team Wallonie Junior, belge qui court sur des Belges finalement. Pour l'instant, cette première partie, tu parlais de plat pays, eh bien c'est le championnat de Belgique sur les 65 premiers kilomètres. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que entre les Belges et les Hollandais, c'est vrai que c'est assez impressionnant hein, de voir que ces garçons sont vraiment présents et vraiment jouent leur va-tout, jouent leur carte dans cette classique. C'est sûr qu'ils ont peu d'épreuves de ce genre à leur disposition, soit sur la Belgique, soit sur la Hollande. Et c'est vrai qu'ils s'éclatent réellement ici, sur les routes de l'Isère et de la Savoie. Et franchement, chapeau pour ces jeunes et talentueux coureurs. Franchement, c'est assez étonnant hein, de voir ces garçons s'illustrer comme ils le font là, depuis plusieurs années ici en Savoie. Voilà, les quatre coureurs, le style est remarquable sur les quatre coureurs, notamment Nils Driessen qui est de Sar 95, très bien posé sur sa machine, mais en bas du guidon. On voit les coureurs très... alors c'est la nouvelle génération, mais on a vraiment l'impression que les quatre sont de très très bons rouleurs, très stylés. On voit que les relais passent bien donc entre les quatre, même si les deux Belges de la formation des Cycling Van der Rohe font le gros du travail. Alors que nous avons nos deux contre-attaquants qui se retournent, l'air de dire ce serait bien qu'on ait un petit peu de renfort quand même. Ça ressort hein, en tête de peloton. Ouais. Et l'écart était remonté à 50 secondes, donc preuve que le quatuor s'entend bien à l'avant. Et peut-être que les deux hommes en chasse-patate là, attendent du renfort. Ouais, c'est vraiment ce qu'on sent avec Finlay Tarling qui s'est retourné à un moment pour voir ce qu'il se passait derrière. Coureur néerlandais, donc coureur britannique pardon, de la formation néerlandaise qui est ressorti. Et dans cette formation là aussi, donc Wilward, il y a pas mal de coureurs venus de toute l'Europe, de Slovaquie, de Belgique, d'Angleterre et des Pays-Bas. Là aussi, une formation très cosmopolite, comme on l'évoquait donc tout à l'heure avec le team Otto Eder, avec Martin Bartha, le fils de Yann Bartha, donc qu'on a vu. Alors c'est étonnant parce qu'on a vu le père sur l'Alpizar Tour et on voit le fils sur la Classique des Alpes. C'est un beau clin d'œil hein, en fait à la famille Bartha. Je ne sais pas si vous l'a dit pendant l'Alpizar Tour. Moi j'ai eu la chance de croiser Yann sur le Tour du Loir-et-Cher il y a quelques semaines de cela, qui a annoncé que c'était son dernier Tour du Loir-et-Cher puisqu'il avait déjà gagné le classement général de cette épreuve du niveau de l'Alpizar Tour, mais que c'était sa dernière saison. Coureur, je crois, de, si je dis pas de bêtises, de 39 ans maintenant, 38-39 du côté de... Il nous a dit sur l'Alpizar Tour la même chose. Il a confirmé effectivement que c'était sa dernière saison. C'était sa dernière saison. Il nous a annoncé 38 ans. Bon. Oui, c'est ça. Il nous a annoncé 38 ans, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un coureur délicieux, hein, Yann Bartha. C'est vraiment une machine à rouler. Et c'est aujourd'hui le capitaine de route, on va dire, de la formation Alcoff. Ouais. Casper. C'est sûr qu'avoir un pilote comme ça, ça rassure hein, quand on est jeune coureur. Ouais. Et on l'a vu échapper il y a quelques jours de cela, également sur le Tour d'Italie. Alors que nous avons un trio qui est en train de venir en renfort. Alors, ce n'est pas Finlay Tarling, comme on nous l'a signalé sur... c'est le Dossard 5, c'est celui d'Ingar Van Den Bosch, coureur néerlandais, qui serait présent, qui vient de rentrer dans les 10 premiers des 3 jours d'Axel, qui est... le rendez-vous du début du mois de mai. Alors, on nous annoncerait 30 secondes pour Mathis De Klerk, le coureur de la formation du team Wallonie. Et Ingar Van Den Bosch, peloton annoncé à 40 secondes. Donc, 30 et 40 secondes. Peloton à 40 secondes, c'est annoncé alors que nous venons de franchir le cap de la première heure de course. Et 30 secondes pour ce duo qui est en contre. Attention, car il y a également 3 coureurs qui étaient sur le point de faire la jonction alors que nous retrouvons la ligne d'arrivée de cette classique et que nous retrouvons les images. Toujours nos deux coureurs de Cycling Van der Rohe qui font l'essentiel du travail dans cette échappée.
c'est un petit peu normal de voir les maillots au moins la moitié du temps, Jean-Claude, puisqu'ils sont deux de la même formation sur une échappée constituée de quatre coureurs. Voilà, ça va vite hein, dans cette première portion de course, plus de 43 km/h de moyenne. Donc par rapport au barème qui nous est proposé, nous sommes dans le haut du barème. Bien sûr qu'on va redescendre. Oui, on va baisser un petit peu la moyenne. On va baisser d'allure, hein, ça c'est évident. Il suffit que les coureurs puissent se rapprocher du col du Montournier pour voir effectivement cette moyenne se situer autour de 36, 37 peut-être km heure. Mais c'est vrai que c'est parti sur des chapeaux de roue, sans faire de jeu de mots, bien entendu. C'est parti très, très vite. Et on ne laisse pas rentrer hein, du côté du duo. On ne s'est pas du tout relevé. Hein. Ah, Nicolas, on s'entend bien, hein, franchement. Oui, ouais, on s'entend bien, mais on ne laisse pas rentrer le trio. Alors voilà, on vient de se retourner, on vient de voir qu'il y avait trois coureurs qui étaient sur le point de faire la jonction. Et je pense que du côté du coureur néerlandais, on se dit ouais, finalement, ça vaudrait peut-être le coup d'attendre quelques instants devant notre trio rentrer. Alors, on n'aperçoit pas le peloton. Peut-être que pour la première fois de la journée, le peloton a légèrement coupé son effort et on va peut-être reprendre du champ sur l'avant. Et cinq coureurs qui sont dans le compte. Donc, on vous rappelle, si vous nous rejoignez, quatre coureurs qui animent le début de cette classique des Alpes. Mathis Guérinel pour l'Île-de-France, Duart Marie-Wouette-Chollier pour le team Auto-Eder, Mylène Denier et Niels Driessen pour la Cycling Vanderen, Ilgar van den Bosch et Mathis De Clercq, hollandais et belge de nationalité, sont en deuxième échelon de course. Un trio pour l'instant que nous n'avons pas pu identifier est en train d'essayer de faire la jonction. On revient à 25 secondes. On a comblé, allez, on va dire, la moitié du chemin. La moitié du terrain a été reprise, 25 secondes d'écart pour nos deux hommes. Et notre trio en troisième rideau de course, troisième échelon, va pouvoir faire la jonction. Ils vont être 5 désormais en contre. 25 secondes. On est parti, j'ai envie de dire, pour peut-être rentrer au pied de la première difficulté de la journée. C'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire, mais bon, sait-on jamais. Et puis, ça peut être également intéressant d'avoir des pions à l'avant. Ça sort un petit peu de partout. Hein. Il y a des groupes qui sont en train de se constituer. Et on apercevait le peloton en fond d'image. En tout cas, il y a une belle passe d'armes actuellement avant les premiers hectomètres du Montournier. Hein. Oui, voilà. Chapelard est annoncé pour l'Île-de-France dans ce contre. On a l'équipe du Grand Est également qui pointe son nez. Avec Dorian de Sepp-Sodoyer qui serait là également. Voilà, ils sont désormais 5 dans ce groupe. Et puis nous avons Zomerman également, deuxième coureur de la Villenbro. Attention, là ça devient un petit peu plus sérieux, j'ai envie de dire, avec ce gabarit. Voilà, la jonction est faite. Ouais, voilà, le coureur du Grand Est dont nous parlions. Voilà, on est en train de discuter du côté des deux coureurs donc, qui viennent de rentrer et l'on retrouve la tête de course. Oui, dans l'échappée, donc, il y a deux coureurs de la même formation. Ouais, la formation Vlaanderen 92 et 95 sont leurs dossards. Et j'ai l'impression que dans la contre-attaque, il y a aussi deux coureurs d'une même équipe, donc une formation néerlandaise, la Wilward. Donc, deux coureurs qui sont là et vont effectivement faire vivre cette contre-attaque actuellement à 20 secondes. Hein. Ça peut-être se regrouper avant les premières difficultés du jour. Sait-on jamais, 20 secondes, effectivement, l'écart s'est réduit considérablement. Et vous voyez que le peloton, lui, n'est plus qu'à 35 secondes de la tête de course. C'est-à-dire que le peloton, lui aussi, a fait un beau rapproché. Lui qui, tout à l'heure, était à 55 secondes. Alors que nous longeons là les premières falaises qui indiquent les premières difficultés du jour, la Via Rona sur la gauche, la célèbre Via Rona qui va rejoindre Genève à la Méditerranée, plus de 500 km de voies cyclables, alors que les cyclistes, eux, sont sur la route tout proche de la ville de Yenne. Ce sera pratiquement donc la fin du plat, si j'ai dire, de la partie plane, en tout cas, de cette classique. Alors, il me semble qu'Antoine Lotte est là également, hein, avec le maillot de champion de France. Le coureur des Hauts-de-France qui serait rentré sur le groupe.
intéressant pour le champion de France d'avoir un coup d'avance comme ça. Oui, c'est bien Antoine Lotin, un dossard 174 qui est là. On a la présence donc Jürgen Zomermann, on l'a dit, donc deuxième coureur de la Villaine-Brault, et Dorian Deceb Saudoyer pour la région Grand Est, coureur de 18 ans qui se lance dans le grand bain, qui a le culot de venir donc sur cette échappée. Alors attention, parce qu'on a vu passer les voitures neutres Shimano, ce qui veut dire que le peloton est en train de se rapprocher de plus en plus des hommes de tête. Il y a, comme tu le disais Jean-Claude, une trentaine de secondes désormais, alors que Ingar van den Bosch, eh bien, ça ne va pas assez vite pour lui. Lui a décidé de faire le jump, de rentrer tout de suite sur la tête de course, et il repart seul, le coureur néerlandais, donc ressorti du groupe de contre il y a quelques instants. Oui, van den Bosch, c'est un nom connu dans le milieu du vélo. Ouais. On a connu Martin van den Bosch. Et est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Ingmar, donc actuellement dans ce groupe de tête, et Martin van den Bosch? Mais effectivement, je l'ignore pour l'instant. Mais c'est vrai que les coureurs, là, sont en train... Je me demande si la jonction n'est pas faite avec le groupe de devant. De faire la jonction, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on voit le maillot de champion de France d'Antoine Lotte qui est présent. Ça, ce sont les petits tunnels donc, qui précèdent l'entrée dans la ville de Yenne. Nous sommes donc tout près des berges du Rhône. Et on va être au pied du... Et au pied du col du Tournier, dans quelques kilomètres. Donc voilà la tête de course. Ils sont donc une dizaine, douzaine peut-être. Oui, et Martin Bartin, je crois bien que c'est lui qui est là pour la formation Auto-EDR. On va attendre confirmation, mais je me demande s'il ne serait pas le coureur de la formation allemande qui serait rentré aussi. Oui, c'est un groupe. On a eu plusieurs vagues qui ont fait la jonction avec le groupe de tête qui nous amènerait une quinzaine de coureurs aux avant-postes. Peloton avait parfaitement contrôlé jusque-là, mais là, on a laissé filer une bonne quinzaine de coureurs. Nicolas, c'est bien vu parce que j'ai essayé de compter. J'ai compté 15, effectivement. Donc, ça fait un beau groupe, franchement. Oui, c'est plus la même, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, quatre coureurs devant, ça se contrôlait. Là, maintenant, on aurait 15 coureurs avec un troisième coureur de Cycling Vlaanderen, puisqu'on aperçoit Alès de Bock qui ferme la marche. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait trois coureurs de la formation belge. Donc, 50% de l'effectif qui serait dans cette échappée. Oui, ouais, c'est vrai que c'est... là aussi, assez étonnant de les voir donc à ce niveau. Mais c'est vrai que... C'est bien Martin Bartha, je te coupe, qui est là. Oui, tout à fait, tout à fait. Le fils du père, donc le 261, Martin Bartha, du team, c'est le team Auto-EDR, dans lequel court le Tchèque Martin Bartha, de Sar, je le rappelle, 161. Et on a vraiment une belle échappée à 15, là. La difficulté, j'allais dire, Nicolas, c'est que 15, c'est déjà un chiffre conséquent. Il va falloir s'entendre. C'est presque un peloton. Et est-ce qu'on va pouvoir effectivement prendre la direction des opérations, alors que le peloton, on nous le signale, serait à 45 secondes donc, de cette échappée? Tout est la question, et on va voir dans les prochains hectomètres ou kilomètres, en tout cas, ce qui va se passer en tête de course. En tout cas, beau suspense pour les premiers lacets du col du Mont-Tournier. Oui, et on s'excuse de la perte des images, mais les coureurs sont dans les gorges de la Balme, ce qui explique donc ces sauts d'images, et coureurs qui vont entamer, donc, comme le disait Jean-Claude, le profil, j'ai envie de dire. Alors, on a bien fait les choses du côté de l'organisation, puisque la première partie avait été calculée à 40 km/h de moyenne. On devrait rentrer dans les premières pentes du Mont-Tournier à 13h35. Et pour la deuxième partie de l'épreuve, on a carrément changé la moyenne de course. Je ne sais pas si tu l'as vu sur ton guide de route. On est passé de 40 et 36 km/h à 32 et 34. Et faut dire que le profil change. Oui, voilà. Et ça prévoit, on va prévoir une arrivée, plus ou moins 10 minutes vers 16h à la Bridoire, au terme de 130 km de course.
Voilà, Yenne est à 230 mètres d'altitude et le sommet donc, du col du Mont-Tourny à 810 mètres. Donc il y a 600 mètres de dénivelé. Voilà donc le fameux virage à droite dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes dans la traversée de la ville de Yenne. Et dans, on va dire, moins de 2 km maintenant, ce seront les premiers lacets donc, du col du Mont-Tournier. Sous un chaud soleil. C'est vrai que nos amis belges, en tout cas, font vraiment merveille hein, dans ce début, j'allais dire d'étape, mais de classique des Alpes, parce qu'on les retrouve en nombre dans cette échappée. En tout cas, ils semblent vraiment à l'aise, pratiquement, j'allais dire, sur leur terrain. En Belgique, il n'y a pratiquement que les monts Ardennais hein, qui sont réputés, notamment, et on les voit dans les grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège, bien sûr. Mais là, on n'est pas dans les Ardennes, mais dans des cols déjà beaucoup plus hauts, même si on n'atteint pas donc, des sommets à 2000 mètres comme le sont la plupart des grands cols alpins. Voilà, on ne va pas vous faire la composition exacte du groupe de 15 parce que, justement, comme le disait Jean-Claude, on va avoir les premières rampes à la sortie de Yenne. Voilà, on vient de sortir de la localité, les premières rampes du Mont-Tournier et on peut penser que cette échappée va, bien entendu, perdre des éléments. Voilà la voiture neutre qui vient ravitailler les coureurs puisqu'on rappelle 45 secondes, ça n'a pas permis au directeur sportif de passer à l'avant de la course. C'est Victor Van Écoute, le coureur du team Wallonie Junior, qui était présent. Son coéquipier Mathis De Clercq, lui aussi, a fait la jonction. 15 coureurs à l'avant. Jean-Claude, on peut penser qu'on va perdre pas mal d'éléments dans l'ascension. Peloton annoncé à 45 secondes, même si je pense que l'écart est légèrement supérieur. On a vu les coureurs de tête sortir de la localité et le peloton qui y est. On sent bien que le peloton est en train de prendre une grande bouffée d'oxygène avant la première explication sur le Mont-Tournier. On est peut-être en train de discuter avec les coéquipiers, savoir si on va tout de suite prendre les choses en main, si on va monter au train, si on va attaquer sans doute les dernières consignes également, peut-être en profiter pour descendre aux voitures et notre virage. Et cette fois-ci, Jean-Claude, ouais, on est vraiment au pied du Mont-Tournier. Voilà, tout à fait, oui. Première difficulté du jour. Et là, j'allais dire, c'est une autre course hein, qui commence avec cette ascension. Alors, j'allais dire non grimpeur s'abstenir, bien sûr, parce que c'est vrai que ce qui reste, c'est dantesque. Hein, c'est 5 côtes ou cols répertoriés, c'est 31 km d'ascension. 2000 mètres de dénivelé en 60 km. C'est fou, hein, franchement. Et là, peut-être qu'effectivement, dans cette échappée, on va découvrir des garçons qui n'étaient pas de véritables grimpeurs, mais qui ont préféré prendre, comme on dit dans le jargon cycliste, les filles de l'air ou un coup d'avance. Partir, hein, et partir, parce que c'est vrai que même avec 1 minute 10, donc, comme on nous l'indique actuellement, 1 minute, c'est quand même 1 minute. Donc, quand on n'est pas très, très grimpeur, peut-être qu'effectivement, on a intérêt à se joindre à une échappée dont on voit la composition. Donc, je rappelle, 15 coureurs en tête actuellement avec les coureurs de la Vlaanderen de Rennes, donc en nombre, trois coureurs également de Villenbro. Juste une erreur sur notre incruste. Ce n'est pas Tarling, ça doit être Ingmar Van Den Bosch d'Ossar 5 qui est présent. Martin Barta s'est bien confirmé. Donc beaucoup de coureurs belges et néerlandais qui... Guérinel s'est confirmé, Nessen, Van Den Bosch, Zomerman pour Villenbro, Barta, Marie-Wette Chollier sont là pour Auto Eder, Lotte pour les Hauts-de-France, Decep Soudoyer pour Grand Est, Donier, Debock, Dreysen pour Vlaanderen, Maxime Planche pour la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est bien le maillot orange que nous avions vu tout à l'heure. Maxime donc, qui a réussi donc, à faire la jonction, lui qui avait brillé sur le Tour de Gironde ou sur la Prime Vermontoise. On a Antoine Jamin, Mathis De Clercq et Victor Van Écoute pour le team Wallonie Junior. Alors, le Mont-Tournier débute et pour en revenir au Dossard 5, alors nous, on a la liste d'engagés officiels qui nous donne Van Der Bosch. Du côté d'autres réseaux sociaux et sites spécialisés, on nous donnerait Tarling. Mais je pense que c'est bien Van Den Bosch qui est devant. Voilà, les coureurs sont dans le col de Tournier, Jean-Claude. Les explications entre grimpeurs vont débuter et pour Dorian Decep Soudoyer,
ça semble déjà compliqué en dernière position du groupe. Oui, tout à fait. On ouvre les maillots et ça, c'est un signe, j'allais dire avant-coureur, sans faire de jeu de mots, bien sûr, parce qu'on va avoir besoin de pouvoir respirer dans cette ascension, parce que là, c'est vrai que ça va être une fournaise. Hein. L'ascension du col de Mourtonnier, alors qu'il est 13h30, ou aux environs de 13h30, c'est une grosse galère pour certains qui découvrent donc la montagne. Et c'est, il faut le rappeler, plus de 10 km d'ascension à une moyenne de mémoire de 5,5. Et première partie assez roulante. On le voit, on n'est pas sur les plus gros pourcentages. Ça monte très, très vite. Hein. On le voit, ce sont encore une fois la formation Cycling Vanderen qui est en train de donner le tempo dans ce groupe. Et Dorian, pour le Grand Est, a du mal à suivre. C'est le cas également de Maxime Planche. Nos deux Français, ils étaient trois devant et deux Français qui sont les deux premiers, je crois, à faire... à perdre le contact avec le groupe. On va essayer de retrouver les images dans un court instant de notre groupe, alors que on le voit, Jean-Claude, le peloton pour l'instant monte au train et on va dire que la poursuite ou la bagarre entre les favoris n'est pas engagée. Non, pas du tout. Effectivement, on voit les coureurs en tête de peloton, souvent en haut du guidon. C'est dire que effectivement, là, on va monter au train ce col du Mourtonnier, peut-être pour attendre donc, bien sûr, les principales difficultés du jour et notamment le Mont du Chat, hein, qui est quand même le plat de résistance aujourd'hui. C'est peut-être une stratégie d'équipe, ça aussi, hein, sait-on jamais. Peut-être qu'effectivement, les formations ont décidé d'attendre le pied du col du Mont du Chat. Je crois que c'est la troisième difficulté du jour après... Quatrième. Le col du Mourtonnier, la quatrième exactement, puisque j'avais oublié le col de la Cruzille. Voilà donc un coureur encore là qui est distancé, Maxime Planche, donc le Dossard 113, coureur de Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qu'on disait, hein, deux des trois Français qui étaient à l'avant ont été décrochés donc dans les premières rampes de ce Mourtonnier. Alors ça peut être aussi un premier passage délicat donc en début de col et on peut sur 10 km, hein, on a le temps entre guillemets de se refaire, mais en principe quand on est lâché comme cela dès la première accélération, c'est mauvais signe, alors que Jürgen Zimmermann a pris la place peu enviée de dernier du groupe. Et en principe comme cela, quand on recule dans un groupe, Jean-Claude, ça veut dire que on est le prochain logiquement à devoir disparaître de la tête de course. Oui, ça fait penser un peu à une course par élimination, ouais, sur ça, piste, ouais, hein, ouais, franchement. Ouais. Déjà au plan moral, c'est vrai que c'est dur psychologiquement de se sentir comme ça évincé d'un groupe de tête auquel on a appartenu et participé. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de difficile à supporter. L'avantage de ces garçons, même s'ils sont lâchés, je dirais qu'ils peuvent peut-être se refaire la monter, cerise. Monter à leur main la première ascension et basculer. Alors bien entendu, l'idée c'est de surtout ne pas perdre une minute 10 en quelques kilomètres, mais vraiment basculer juste devant le peloton peut-être pour avoir pu monter à sa main. Ouh, ça devient dur. Ça devient dur pour Mathis de Klerk. Lui aussi en dernière position. On voit nos Néerlandais avec Nessen et Zomermann, donc ils sont en deuxième partie de groupe. Ça monte très vite, Jean-Claude, dans ce groupe de tête. Ça monte très vite, oui, effectivement. Alors que on est dans la première partie, hein, de ce col du Mourtonnier, dans les prairies. On va retrouver donc dans deuxième partie, effectivement, la forêt. Et ça sera plus, je dirais, plus ombragé pour les coureurs. Alors que là, effectivement, oui, de Klerk en sursis. Ouais. Zomermann qui apparemment a été décroché. On voit également Martin Barta en queue de groupe et j'ai l'impression que c'est la formation Vlaanderen encore une fois, hein, qui est en train de durcir la course, de vraiment casser cette échappée. Pour l'instant, la formation belge qui fait très forte impression, alors que nous retrouvons la tête de peloton. Oui, Vlaanderen fait le ménage, hein, en tête de course. Il n'y a pas de laisser aller. Et c'est vrai qu'ils assurent vraiment le train, un train très soutenu en tête de course dans cette première difficulté. Hein. C'est ressorti à 3, c'est cela ? Oui, 3. Et je me demande s'il n'y a pas de Belges qui sont déjà dans ce groupe, 3 ou 4 coureurs qui viennent de sortir. Peloton qui a été annoncé à un moment en 1 minute et 25 secondes.
Voilà, Henri Naissen en dernière position du groupe. On va remonter. On voit le champion de France également, Antoine Lotte, qui a du mal à suivre le tempo imposé par sans doute les plus forts de l'échappée, ou peut-être attend-il son heure. Et c'est peut-être encore très loin de l'arrivée pour accélérer comme cela. Alors que nous retrouvons en tête de course, je pense que c'est le maillot de l'Occitanie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De superbes images, un peloton très compact. Et tu le disais, Jean-Claude, on ne va pas gagner la Classique des Alpes dans le Mont-Tournier, mais certains vont perdre plus que des illusions. On le voit à l'arrière du peloton, première sélection qui est en train de s'effectuer. Oui, tout à fait. Oui. L'essorage commence. Ouais, la lessiveuse est mise en route, et on voit que ce peloton perd des éléments, j'ai presque envie de dire, à chaque virage. Ça monte très vite aussi dans le peloton. On voit les coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes aux avant-postes. Nous avons la présence également du centre Val-de-Loire, la formation de Bretagne également qui est montée en tête de peloton. Il y a eu une nette accélération il y a quelques instants. Ça va sans doute faire des dégâts à l'arrière. La sélection va être impitoyable cet après-midi sur la Classique des Alpes, alors que nous retrouvons la tête de course. Et nous avions bien vu trois coureurs de la formation Cycling Vanderen qui sont présents. Donc la présence de Donnier, de Debock et la présence de Dreissen. Et nous retrouvons également le coureur belge Juart Maribot qui est là. Donc je pense que nous avons tout simplement quatre Belges aux avant-postes désormais. On parlait de championnat de Belgique, ça continue. On a quitté le plat pays pour la montagne. Un quatuor belge désormais qui ouvre la route. Et Jean-Claude, quoi qu'il arrive, la formation Cycling Vanderen qui aura pesé sur cette Classique des Alpes. La moitié de son effectif était dans l'échappée et la moitié de son effectif est encore dans ce quatuor de tête à 70 km de l'arrivée. Voilà, on n'est pas autour des Flandres, hein, on est dans la Classique des Alpes. Ça ressemble pour l'instant. Mais c'est vrai que ces coureurs belges, et en particulier ces coureurs belges de la formation de Serge Pauwels, Cycling Vanderen, font vraiment merveille pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Dans le peloton, on retrouve quand même des couleurs françaises. C'est tant mieux. Et c'est pour la première fois une équipe britannique. La formation Zappi Junior Team qui est en train d'emmener la tête de peloton, alors que nous retrouvons nos quatre coureurs qui nous faisaient forte impression tout à l'heure. J'ai envie de dire tous ceux qui sont rentrés, à part Alex Debock, qui est avec ses coéquipiers. Tous ceux qui sont rentrés au pied du col de Tournier ont payé l'addition dès les premières pentes. Oh, c'est dur pour le coureur du Grand Est qui était à l'avant il y a encore quelques minutes, Dorian de Zepsodoyer, qui voit déjà le peloton revenir sur lui. Oui, c'est vrai que ces coureurs sont en train de payer l'addition. Hein. Ils risquent de la payer très cher parce qu'il faut le rappeler, il reste encore donc à terminer cette ascension du col du Mont Tournier pour attaquer la côte donc de Saint-Genis, les villages, le col de la Cruzille, le Mont du Chat et pour terminer le col du Banchet. Vraiment un gros programme. Et là, effectivement, on s'aperçoit que les coureurs sont repris par l'avant-garde du peloton. Et, oui, formation britannique qui est en train d'accélérer. Hein. Team Zappi, équipe que nous découvrons aujourd'hui sur cette classique des Alpes. Paul Quaterman qui emmène cette formation avec quatre Britanniques, un Irlandais et un Allemand dans cette équipe. Ça aussi, Jean-Claude, on le voit déjà, des structures étrangères qui sont déjà, dès les juniors, qui sont très internationales avec des coureurs qui n'hésitent pas à quitter leur pays pour rejoindre donc ces formations européennes. Oui, tout à fait. Et puis, on va le dire très, très franchement, hein, dans ce genre d'épreuve, il y a pas mal de gens qui sont venus sur le bord de la route pour apercevoir des coureurs et procéder à d'éventuels recrutements. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le vélo, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas, mais j'ai l'impression que on est un peu comme dans le foot, on recrute de plus en plus jeunes. Alors, c'est peut-être. Je sais que François Lemarchand a fait un très beau papier et une très belle présentation. Le responsable sportif d'Amaury Sport Organisation qui soutient la Classique des Alpes, qui parlait de ces jeunes coureurs, qui disait que dès les juniors, désormais, dès la sortie des juniors, ils passent souvent professionnels dans des équipes réserves, équipes Conti, hein, qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, vous en avez eu sur le tour.
sur l'Alpizière Tour la semaine dernière, puisqu'il y avait la réserve de la Jumbo, la réserve de la DSM. Mmh. Souvent des coureurs qui sortent des juniors et qui passent en espoir, qui sont dans ces formations. Mais il y a aussi l'effet, finalement, Pogacar, Vingegaard ou Ayuso, ou encore Evenepoel, pour ne citer que les plus connus, ou Hulsebroek, c'est-à-dire des coureurs qui, à 19, 20, 21 ans, sont déjà sur le devant de la scène chez les professionnels. Donc, on n'attend pas, comme on le faisait il y a quelques années. On disait souvent qu'un coureur arrivait à maturité à 24 ou 25 ans. Eh bien, finalement, aujourd'hui, un coureur mature, c'est déjà à 19 ans. Oui, tout à fait, oui. La question moi, que je me pose, c'est de savoir si ces jeunes coureurs vont pouvoir faire une carrière longue de 10-12 ans, comme certains professionnels l'ont montré donc, ces dernières années. C'est vrai qu'on n'a pas, je dirais, le recul ouais. suffisant aujourd'hui pour pouvoir dire que c'est possible ou pas possible, alors qu'on est au panneau des 5 derniers kilomètres. Ça monte très vite. Hein. D'ascension donc, du col du Mont Tournier. Les 5 derniers kilomètres, ce ne sont pas les plus difficile, il faut le savoir. Le pied de col est plus difficile, mais c'est vrai que ça reste encore donc un bel effort à fournir. Encore 5 km, je rappelle, les coureurs vont rentrer dans la partie boisée, donc dans la forêt de ce col du Mont Tournier, et retrouver donc des conditions peut-être plus agréables pour la pratique du vélo. En tout cas, c'est vrai que les coureurs belges de la formation Vlaanderen font merveille pour l'instant. Ça, on peut pas le nier. Le peloton est à 1,35. Attention, ouais, ouais, ouais. L'écart grandit entre ce quatuor de tête et le peloton, alors que nous sommes à 70 km de l'arrivée. Je rappelle qu'au sommet du col du Mont Tournier, il restera 64 km. Oui, 64 km, d'après le roadbook. Hein, une descente hyper rapide, avec quelques parties techniques. Et puis on se souvient justement que c'était dans la partie descendante l'année dernière que le futur vainqueur, donc notre coureur néerlandais Max van der Meulen, avait décroché tout le monde. Il s'était séparé entre guillemets de son dernier compagnon d'échappée dès le pied de la côte de Saint-Genis-Village. C'est un moment important. Hein. On vient de faire un premier effort quasiment de 15-20 minutes dans ce col du Mont Tournier, descente hyper rapide. Et on a souvent du mal à retomber le petit plateau lorsqu'on revient sur les pentes de la deuxième difficulté du jour. Alors que là, nous reconnaissons la formation Auvergne-Rhône-Alpes qui est en train de prendre les choses en main. Ça devient très sérieux. Je crois bien que c'est Jean-Loup Fayol et son petit ouais. gabarit qui est aux premières loges. On a également Mathéo Moncoutier également aux avant-postes. Donc les coureurs de la formation Auvergne-Rhône-Alpes en train de mettre un gros tour de vis, sans doute pour Léo Bizio, Paul Sexas, pour la deuxième partie de l'épreuve. Donc tout de suite, la formation Auvergne-Rhône-Alpes de Fred Macaudière qui a pris ses responsabilités. Sans doute qu'on avait décidé que 90 secondes, 1 minute 30, 1 minute 35, ce serait l'écart maximum qu'on laisserait en haut du Mont Tournier. Et la formation Auvergne-Rhône-Alpes qui a haussé le ton très tôt dans cette classique des Alpes. Oui, et qui est en train donc de visser, hein, comme on dit dans le jargon cycliste, avec des garçons comme Paul Sexas, notamment Mathéo Moncoutier, le fils de David. De David, ouais. Moncoutier, qui fait était merveille à Villefranche. Un grimpeur de grand talent et hein, qui a fait toute sa carrière au sein de la Cofidis. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, hein, la formation Auvergne-Rhône-Alpes, elle a été donc dressée pour ce type d'épreuve avec des garçons comme Léo Bizio, avec Wenzel Lambert, avec Fayol. C'est vrai que c'est une très très belle formation. Maintenant, à elle de jouer, à elle de nous montrer qu'elle peut, je dirais, revenir, elle doit revenir, mais bien entendu, en y mettant les formes et les délais, elle peut revenir, bien sûr, sur ce quatuor assez impressionnant, emmené par les maillots noirs de Cycling Vlaanderen, donc la formation belge étonnante hein, ouais, quand même. Ouais. Et petite particularité pour en revenir à David Moncoutier, ça pourrait être une des surprises du palmarès de ne pas le retrouver sur la Classique des Alpes, mais c'est logique puisqu'il était déjà âgé de 21 ans lorsque la Classique avait été créée. Ce qui explique pourquoi l'un des meilleurs grimpeurs de sa génération n'était pas au palmarès de cette Classique, parce que si l'on regarde, et après ils y sont tous, hein, tous les grands noms du vélo sont passés par,
par cette classique. Voilà, le quatuor, tu le disais, les dernières rampes sont beaucoup moins difficiles, on le voit, hein, c'est plus roulant. Petit clin d'œil à notre coureur de la formation Auto Eder, donc Duart Marivouet, qui se retrouve avec trois coureurs, certes de la même nationalité que lui, trois Belges, mais qui se retrouve avec trois coureurs de Cycling Vanderen. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, même si finalement il va peut-être laisser travailler les trois coureurs de la même formation. Toujours la formation Auvergne-Rhône-Alpes aux avant-postes du peloton. Mais l'écart est toujours annoncé au-delà de la minute 30. On est encore loin de l'arrivée, certes. Alors qu'on nous annonce à une minute un groupe emmené par Mathis Guérinel et Antoine Lotte. L'un porte le maillot de l'Île de France, l'autre le maillot de champion de France. On a Martine Barta également dans ce groupe. Et peloton à 1:35. Donc les derniers écarts nous donneraient 1 minute et 1:45 même maintenant pour le peloton. Voilà, le quatuor dans les dernières rampes du Mont-Tournier. Voilà, tout à fait. Donc nous sommes, si le roadbook, c'est-à-dire l'itinéraire officiel est parfait, donc le sommet du col du Mont-Tournier se situe à 64 km de l'arrivée. On nous indique ici 67,8. Donc on est rentré dans les derniers kilomètres de cette ascension. Voilà donc la traditionnelle zone de ravitaillement d'ailleurs. Hein. Zone de ravitaillement qui se fait donc dans les hectomètres précédant l'entrée en forêt de l'ascension de ce col du Mont-Tournier. En tout cas, c'est un match un peu franco-belge. Je ne sais pas si c'est franco-belge, ça. Mais c'est un match franco-belge. Il y avait le circuit franco-belge. Exactement. Et bien là, nous avons un match franco-belge. Quatre Belges à l'avant. On rappelle qu'ils étaient trois parmi les cinq derniers vainqueurs. On voit les Français donc à l'avant. On a la formation de l'Occitanie qui a de belles ambitions également. On pense à Vincent Baudet notamment qui vient de briller sur le tour du Pays de Liergue, cher à Hélène Vial. On a la présence également dans cette formation d'Occitanie de Hugo Fabriès. Alors certes, le début de saison n'est pas très convaincant du côté d'Hugo, mais il retrouve des routes qu'il connaît bien puisqu'il avait terminé quatrième au pied du podium l'année dernière. Et puis nous avons donc la formation Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les deux équipes que l'on voit le plus souvent à l'avant. Équipe qu'on ne peut pas louper à l'avant, c'est Cycling Vanderen. Alors les supporters belges s'en donnent à cœur joie sur notre live. Il y a de quoi avec trois coureurs de la formation à l'avant, plus Marivette Chollier qui lui porte le maillot de la formation allemande du team Auto Eder. Ouais, c'est assez remarquable hein. Donc, ce que font ces quatre garçons dans cette ascension. On ne cherche pas, hein. On est donc junior sans oreillette finalement, sans information, ça il faut le rappeler aussi. Et je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a que les... L'instinct du coureur qui fait la différence. C'est peut-être également pour ça que l'année dernière, eh bien, le peloton s'était fait piéger par l'échappée. Alors certes, Vandenmeuren ce jour-là était intouchable, mais c'est sûr qu'en attaquant le Mont-Tournier, alors qu'on est à 2 km du sommet, en attaquant le Mont-Tournier avec près de 7 minutes de retard, on s'était vraiment mis une balle dans le pied, permettez-moi cette expression, du côté du peloton des favoris, alors que le peloton justement est dans la zone de ravitaillement et c'est la formation de Willenbro, formation néerlandaise, qui a repris les commandes du peloton. On a vraiment l'impression, Jean-Claude, que les équipes, notamment Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, certes, ont maintenu la pression, ont continué à entretenir la poursuite, mais l'écart est en train de grandir. 2 minutes 10, j'ai presque envie de dire que ça va être... on est proche de la cote d'alerte désormais, 2 minutes pour notre quatuor. Surtout que devant, l'avantage de nos amis belges, c'est qu'à 3, on pourra sacrifier deux éléments si c'est nécessaire. Les deux plus faibles de la bande pourront peut-être travailler pour le troisième. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est chaud au propre et au figuré. Hein. C'est vrai que je ne pensais pas, moi, personnellement, que l'écart puisse grandir autant entre l'échappée et le peloton, mais c'est le cas. Et ces quatre coureurs de tête, vraiment, font merveille depuis le pied du col.
Non seulement il résiste, mais il creuse l'écart alors qu'on aperçoit la tête du peloton toujours en zone de ravitaillement. Ces zones de ravitaillement, elles sont doublement importantes. D'une part, bien entendu, parce que la chaleur qui règne sur la Savoie incite et invite bien sûr à la prise de ravitaillement, notamment de boissons, mais aussi donc parce que ça permet d'avoir des informations. Et les coureurs donc en tête de peloton recherchent effectivement des informations précises sur les écarts qu'il y a entre le groupe de tête et eux-mêmes. C'est vrai qu'actuellement, donc, au dernier pointage, on nous signale 2 minutes 10 d'écart entre le quatuor de tête et le reste du peloton, alors que nous sommes à 66 km de l'arrivée. Il y a un petit écart, effectivement, en termes de kilomètres restants à effectuer. Petit écart donc entre ce qui nous est indiqué à l'écran et le roadbook, donc le livre qu'a réalisé le comité d'organisation, alors que ça s'active en tête. Ouais, Rhône-Alpes, encore une fois. En tête de peloton, ça s'active. Je pense qu'ils ont eu des consignes, à mon avis, donc au niveau ravitaillement pour essayer de réduire autant que faire se peut, bien sûr, l'écart qui les sépare, non pas du groupe, du deuxième groupe. Hein. Le deuxième groupe est peut-être moins dangereux, certainement même, parce que ce sont des garçons qui ont été décramponnés dans l'ascension du tournier. Mais donc, il faudrait effectivement revenir, à mon avis, sous la minute 30. Ou aux environs de la minute 30 si on veut Je me demande si c'est pas Léo Bizio en personne qui est en train de mettre en route alors que nous sommes à plus de 60 km de l'arrivée, le champion du monde donc de la catégorie U19 de cyclocross. On voit que la tête de peloton est en train d'avaler tout sur son passage, puisque là nous avons le deuxième groupe qui était à une minute, qui vient d'être repris. Oui, la sélection Auvergne-Rhône-Alpes, alors les écarts sans doute qui vont bouger dans les minutes qui viennent, mais Léo Bizio en personne est en train d'accélérer. Peloton donc, dont le leader de la formation Auvergne-Rhône-Alpes était situé à 2 minutes. Et Jean-Claude, tout de suite, le peloton a complètement explosé. Ils ne sont plus qu'une petite quinzaine à l'avant-garde de ce peloton, dont 3 coureurs Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que nous avons Paul Sexas, Léo Bizio. Je pense qu'il y a le petit gabarit de Jean-Loup Fayol également qui est présent. Mais là, il y a une grosse explication dans les derniers kilomètres du Mont-Tournier. Oui, ça bagarre. Hein. Franchement, c'est très, très chaud en tête de course. Et les coureurs Auvergnat et Rhône-Alpin donc, ont fait littéralement exploser ce peloton. Il le fallait, à mon avis, le fallait, parce que laisser donc 4 coureurs belges aux avant-postes avec plus de 2 minutes d'avance, à mon avis, Nicolas, c'est dangereux. Oui, on revoit l'accélération et nous retrouvons donc ce peloton. Et voilà, on revoit les images lorsque la formation Auvergne-Rhône-Alpes est revenue sur l'arrière de l'échappée. Hein. Ce sont tous les coureurs qui ont été décrochés alors que nous retrouvons les images de l'arrivée, quelques problèmes techniques sur le haut du Mont-Tournier, alors que nous rappelons qu'il y a 2400 mètres de dénivelé sur la journée et qu'on a à peine effacé, on veut dire, allez, en gros 700-800 mètres, il reste encore 2/3 des difficultés à franchir, alors que nous retrouvons donc l'avant-garde de ce peloton, du moins ce qu'il en reste, l'échappée que voici sur le haut du Mont-Tournier, alors que Lilian va venir à nos côtés. Lilian Couillet, donc le speaker aussi, donc avec Nicolas Caille, donc ouais, on, le speaker de cette tout, classique. Lilian prend un micro, on va essayer de t'en trouver un. Je pense qu'il y a un troisième micro qui est à disposition. Alors pourquoi Lilian Couillet ne parle pas, c'est étonnant, mais il était au départ, il a assuré la présentation de tous les coureurs. 156 coureurs, Lilian, c'est ça, ont pris le départ. On est en train de lui amener le micro qui m'a servi tout à l'heure à faire le plateau d'introduction, alors que, Jean-Claude, on voit la formation Auvergne-Rhône-Alpes en train de faire exploser la course à plus de 60 km de l'arrivée. Lilian, tu arrives au bon moment, puisque Léo Bizio a tout simplement décidé en personne de bouger. Lilian, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Rebonjour. Tu retrouves un live que tu as commenté avec brio durant 5 jours sur l'Alpizer Tour. Voilà. Oui, tout à fait. Et déjà, Léo Bizio en action à plus de 60 km de l'arrivée. C'est impressionnant. Il n'y a plus de peloton. Il n'y a plus de peloton et un final qui s'annonce tout aussi passionnant que ce qu'on a vécu justement la semaine dernière avec les professionnels. Sauf que cette fois, c'est chez les juniors. Et là, l'allure à laquelle on monte sur Mont-Tournier, c'est impressionnant sous l'impulsion des couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'on est sur l'une des montées les plus rapides. Ouais, est-ce que tu as pu suivre la course? Alors, nous avons 4 coureurs belges à l'avant, dont 3
de la formation Cycling Vlaanderen. Est-ce que tu as eu des garçons qui t'ont fait forte impression ce matin à la présentation, ou tu sentais des gars dans une bonne journée, déterminés au départ de cette classique? Alors, on va parler évidemment de celui qui remet le feu aux poudres maintenant, Léo Bizio, qui est apparu assez serein ce matin au départ, arrivé dans les dernières équipes, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, voilà. Alors, on ne s'est pas attardé non plus en interview, mais c'est vrai qu'il avait l'air bien. J'ai eu le plaisir d'avoir la réaction de Ben Sparfel, qui était également l'un des garçons, alors déjà l'un des plus affûtés du peloton, mais en plus l'un des plus souriants. C'est voilà, le prix de la matinée, mais ça démontre là aussi la confiance qu'on a du côté de ce jeune garçon. Mm-hmm. Et puis côté étranger, est-ce que tu avais repéré, avoir les Belges, on le sait depuis 5 ans, qui sont aux avant-postes de la classique. Est-ce que du côté italien, par exemple, tu avais pointé un ou deux coureurs? Alors moi, je vais plutôt regarder côté tchèque, chez un garçon comme Martin Barta pour la formation Auto-Eder. Qu'on avait, c'est une mauvaise nouvelle. Ça va pas fort pour Martin. Et ben Martin était devant dans le groupe de 15. Il a sauté dès le pied du Mont Tournier et je crois qu'il était en train de se faire reprendre par le groupe Bizio. Alors effectivement, c'est des courses où l'on manque de repères, hein, chez les juniors, parce qu'on a beaucoup de garçons. On s'est rendu compte à la présentation qu'on voit briller sur les classiques. Aujourd'hui, toutes ces grandes classiques ont leur épreuve junior, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, etc. Donc des punchers, mais dont on ne savait pas trop ce que ça allait donner dans la montagne. On a déjà une première réponse avec Martin Barthet, effectivement. Donc voilà, place aux grands grimpeurs. Et c'est vrai que les occasions de briller pour les grands grimpeurs sont rares, finalement, sur le calendrier junior. Il y en a un qui est en train de tout faire voler en éclats, tu le reconnais, c'est Léo Bizio. Non seulement impressionnant côté montant, mais ses talents de descendeur. Hein. On rappelle quand même qu'il est champion du monde de cyclocross, donc... Côté agilité, on a ce qui se fait de mieux, mais il est en train de faire une sacrée descente. Il fait une sacrée descente et il emmène surtout avec lui des coéquipiers. J'ai l'impression qu'on va avoir une poursuite entre Vlaanderen à l'avant et Auvergne-Rhône-Alpes derrière. C'est ça, ouais. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un match franco-belge ou franco-flamand. Et là c'est plutôt Auvergne-Rhône-Alpes contre le reste du monde, si ça continue, et contre Belgique pour le moment. Lilian, tu vas aller du côté commentateur, oui, speaker. Il va se passer un certain nombre de choses à la Bridoire cet après-midi, puisque les villages-étapes essaient de vivre au rythme du Cotny. Donc on aura quelques animations pour les enfants, un petit peu de musique, et puis surtout les images qui sont les mêmes que celles que vous êtes en train de regarder, et bien pour vivre sur écran géant le final de l'épreuve aujourd'hui. Donc effectivement, une belle après-midi qui s'annonce à la Bridoire, fidèle village d'arrivée de cette classique des Alpes. Très bien, et puis on te retrouve demain aussi, puisqu'on aura la chance tous les deux de partager le micro sur la Grésivaudan Classique. Mm-hmm. Deuxième édition de l'Alpe Grésivaudan Classique. Départ 10h30 demain. Nous, on prendra un attention, on nous annonce chute de Léo Bizio dans la descente. Ah bah voilà. Juste à l'instant, on va attendre confirmation. Ouais, on va attendre confirmation. On a eu dans nos retours l'annonce de la chute de Léo Bizio. On voudrait vraiment avoir la confirmation. Ah, ce serait bien un coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes qui met Léo Bizio, était en première position. Donc on va attendre vraiment avant d'inquiéter qui que ce soit et de savoir exactement ce qui s'est passé dans cette descente du Mont Tournier. Descente qui est moins dangereuse que celle du Mont du Chat, il faut le rappeler quand même. La route est relativement large, les virages se prennent quand même bien. Mais bon, c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, hein, il faut beaucoup de lucidité quand on est au sommet d'un col dans lequel on a fourni un effort très intense, parce que les coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes ont fait un effort terrible dans cette ascension. Peut-être que la lucidité leur manque maintenant dans la descente. Et on a vu du Hart-Marie Vaudet qui a loupé l'entrée d'un virage. Alors, on est en fin de printemps. Léo n'est plus devant. Hein. C'est plus lui qui emmène, mais... J'allais dire attention à l'excès de confiance, hein, chez Vernon Nab qui a repéré l'épreuve, doublement repéré. Léo en plus connaît parfaitement le parcours vu qu'il a déjà terminé deuxième l'année dernière. Et bien finalement, autant le repérage permet de connaître ses trajectoires, mais attention à ne pas arriver trop en confiance. Et on voit qu'il y a peut-être une petite hésitation chez les coureurs de Vernon Nab, même si on continue de bien négocier les trajectoires. J'ai l'impression qu'il y a, ce ne serait pas Léo qui sera en deuxième position. On va essayer d'avoir. Des nouvelles. Non, c'est pas lui, hein, qui est là. On a Paul Sexas là en première position. Ouais. C'est Paul qui est devant, ce qui voudrait bien confirmer que Léo aurait été victime d'une chute dans cette descente du Mont Tournier. Tout ce qu'on vous dit est sous réserve, bien entendu. On n'a pas encore l'info. On voit que c'est tendu. Les trajectoires, Jean-Claude, sont hyper, hyper tendues. On est en fin de printemps.
Ouais, Lilian va aller du côté du podium. Merci d'être passé, Lilian. Fin de printemps, on sort de la période où l'école était enneigée. Alors même si on n'est pas monté très haut, mais on a salé les routes, on a souvent du gravillon, ce qui explique peut-être également ces chutes. Et puis c'était la première descente finalement de la saison, hein, du côté de la montagne. Oui, puis la première grande descente de l'épreuve. Ouais, hein. Ouais. Il est clair que les coureurs dans les 70 premiers kilomètres n'ont pas eu ce genre de descente. Hein. On était dans le plat, puis dans la montée. Là maintenant on découvre un autre terrain. Et c'est vrai qu'on change, je dirais, on mute hein, petit à petit au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Et on trouve donc des terrains qui ne sont pas toujours à la convenance de certains, notamment on voit des coureurs belges plus à l'aise et d'autres qui sont effectivement en difficulté, qui se font peur, même parfois on en a vu un qui a failli sortir. Mais c'est vrai que la descente, c'est un exercice. Hein. Franchement, c'est un exercice qui se travaille. Et on voit des coureurs professionnels de grands talents et de grands niveaux, Thibaut Pinot par exemple, un Pierre Latour aussi, qui sont pas très à l'aise dans ce genre d'exercice, qui se font peur et qui perdent du temps d'ailleurs, hein, malheureusement, dans une échappée. Voilà donc la situation. En tout cas, les trois coureurs de Vlaanderen s'entendent toujours très très bien en tête, très très bien. Et ils ont peut-être tout intérêt à le faire, alors que l'écart avec est tombé à 1 minute et 15 secondes. Je rappelle que dans l'ascension à 4 km du sommet du Tournier, il y avait 2 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire que l'écart s'est réduit d'une minute finalement. Ouais, c'est énorme. Ce serait un quatuor qui serait en chasse. On va attendre, je pense qu'on va attendre le pied de la prochaine difficulté pour faire un point complet sur les positions. On va arriver en bas de la descente donc du Mont Tournier et tout de suite donc enchaîner avec cette deuxième difficulté, la côte de Saint-Genis, les villages. Alors comme tu le disais, c'est pas la difficulté la plus compliquée pour les coureurs, mais elle intervient après une très longue ascension, une très longue descente. Et c'est toujours un moment délicat. Tous ceux qui ont fait du vélo le savent. Lorsque vous êtes grand plateau, petit pignon, donc tout à droite dans la descente, que vous avez des relances et que vous vous retrouvez au pied d'une ascension, il y a certains coureurs et certains physiologies qui ont beaucoup de mal à changer. Donc ce coup de pédale, de changer de rythme comme ça, passer de tout à droite quasiment à tout à gauche en l'espace de quelques secondes. Oui, tout à fait. D'autant que, et on le découvrira dans quelques instants, le pied de la côte de Saint-Genis est assez difficile. C'est vrai qu'on a donc une première partie de côte qui est très très dure. À la sortie de Saint-Genis, les coureurs vont virer sur la gauche, un virage à 90 degrés. Et là, ils vont pratiquement se trouver avec un petit mur à 14-15%. Ça va en surprendre plus d'un. Et notamment, donc, comme tu le disais, Nicolas, l'échange de braquets sont quelquefois difficiles à gérer. On nous indique donc au compteur de la moto, ouais, donc 62 ouais. km/h. Donc nous sommes dans un faux plat descendant là maintenant. Balle de la descente du Mont Tournier. Alors 4 devant et il me semble qu'ils sont 4 également derrière. C'était Paul Sexas qui emmenait, l'ancien champion de France des U17 qui avait été titré sur sa première année cadet. Qui a fait une entrée fracassante du côté des juniors en gagnant déjà le Tour du Pays d'Auliergue notamment. On sait que c'est un garçon en devenir qui est déjà parmi les meilleurs juniors alors qu'il n'est que première année. Et qui est membre du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, ouais. Même si aujourd'hui, bien sûr, il ne porte pas le maillot rouge de ce club de la Calade, mais il porte effectivement le maillot d'Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Il est l'un des leaders de cette sélection Auvergne-Rhône-Alpes, dont on disait le plus grand bien tout à l'heure. L'écart donc serait tombé à 30 secondes, Nicolas. Ça descend très vite. 30 secondes. On est en train d'essayer d'identifier les coureurs. Donc, on a bien Léo Bizio donc dans ce groupe de contre. 30 secondes. Vous aviez sur l'image de gauche les hommes de tête. Là, vous avez le groupe de contre. On a vu les voitures neutres passer à l'avant, ce qui veut dire que l'écart n'est pas très important. Tout à fait. On fait remonter donc les voitures d'épanage neutres. Ça veut dire qu'effectivement, l'écart se réduit. Oh, qu'il y a du beau monde. Réduit. Oh là, Widar, qu'il y a du beau Sexas, monde. Darmini, voilà, les favoris sont là. Widar, le champion de Belgique. Paul Sexas, Tom Darmini pour la Bourgogne-Franche-Comté et Alex Parfel. Pour la formation du Grand Est, ce sont les noms qui revenaient le plus souvent. Il en manque un, c'est Léo Bizio qui manque à l'appel. Donc, ce qui voudrait bien confirmer
que Léo a été victime d'une chute dans la descente. Alors on va essayer d'avoir des informations sur le jeune champion natif d'Auvergne et qui est dans ce collectif Auvergne-Rhône-Alpes, qui jusque-là faisait une saison absolument parfaite, que ce soit sur la saison de cyclocross ou que ce soit sur la saison routière. Il a gagné sur les trois jours d'Axel il y a quelques jours de cela. Léo Bigiot, c'est quand même le coureur qui était en forme, hein, ouais. Texas aussi d'ailleurs. Et on savait que Léo avait bien entendu préparé, pointé cette classique des Alpes où il avait pris la deuxième place l'année dernière. Voilà le quatuor qui est en train de chasser avec sur la droite de l'image Yarno Vidar, le vainqueur du Tour des Flandres et champion de Belgique des U19. Et le quatuor de tête que nous revoyons à l'image, descente terminée. Et là, donc, on va avoir ce fameux enchaînement dont nous parlions avec la deuxième difficulté de la journée, la côte de Saint-Genis-les-Villages. Voilà, nous sommes dans la traversée d'ailleurs de Saint-Genis sur Guiers. Redénommé donc Saint-Genis-les-Villages. Saint-Genis-sur-Guiers, c'est la capitale de la Pogne, hein, faut le savoir. Très bien. On dit, je croyais que c'était plus la Drôme. Alors, Pogne de Romans est connue, mais celle de Saint-Genis est peut-être, et là je vais m'attirer donc les foudres des Romanais, peut-être meilleure parce qu'effectivement. Tu sais que j'ai des attaches dromoises, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, donc la Pogne de Saint-Genis, elle est fabriquée dans cette localité de Saint-Genis-sur-Guiers, que nous traversons actuellement à très vive allure, et on risque de retrouver, si la jonction se fait, on risque de retrouver 5 Belges en tête de course. 5 Belges, 3 Français. Le duel continue. Alors, il y en a un dont on aimerait beaucoup avoir des nouvelles, et pourquoi pas le voir à l'image, notre leader de la formation Auvergne-Rhône-Alpes, Léo Bigiot, mais pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle du jeune coureur français qui était donc dans ce groupe de compte, qui avait fait le ménage dans le peloton. Alors, ce qui est impressionnant, on parlait les dernières années, le cyclisme moderne, où ça se faisait tout dans les 3 derniers kilomètres lorsqu'on avait une arrivée au sommet. On voit que chez les professionnels, désormais, on n'hésite pas à s'attaquer à 80 ou 100 kilomètres de l'arrivée. C'est un petit peu la même chose chez les juniors. On n'a pas hésité à déclencher la bagarre dès les premières rampes du Mont Tournier. Oui, tout à fait. Voilà donc la deuxième... Est-ce que l'on retrouverait le vélo d'antan ? Oui, tout à fait, tout à fait. La deuxième difficulté du jour qui entame donc la contre-attaque actuellement, donc c'est la côte de Saint-Genis-les-Villages. Elle est classée en troisième catégorie. Elle se situe à 420 mètres d'altitude. Mais surtout, donc, cette côte de Saint-Genis, effectivement, est la deuxième difficulté de la journée avant l'ascension du col de la Creusille et l'ascension du col du Mont du Chat. Au sommet, donc, de la côte de Saint-Genis, il restera 49 km. Ils sont là. Ouais. Regardez, quelques secondes d'écart entre notre quatuor de tête et le quatuor qui est en train de chasser. Et Aubin Sparfel qui est en train de prendre le relais après le long relais de Tom Darmini, le coureur de Bourgogne-Franche-Comté. Ils vont bientôt être 8. Jean-Claude en tête de course. Tout à fait, tout à fait. 5 Belges, 3 Français. Donc, tout ça grâce à des garçons comme Léo Bigiot. Il ne faut pas l'ignorer parce que c'est lui qui a fait le ménage dans l'ascension du col du Mont Tournier. Et je pense qu'il a donné le tempo à cette contre-attaque et lui a permis de réduire l'écart de façon assez nette et donc de revenir sur les 4 coureurs de tête. Oui, et puis ce n'est pas le plus mauvais des Belges qui est en train de rentrer. Hein. Attention à celui qui était annoncé parmi les grands favoris, Yarno Vidar, donc le coureur du Team Wallonie Junior, qui va retomber sur 4 de ses compatriotes alors que nous sommes dans la montée de la côte de Saint-Genis-les-Villages. 3 km 200 à 5,9% de moyenne. On nous demande des nouvelles de Léo Bigiot sur le live. Pour l'instant, nous n'avons aucune information. On nous a annoncé, on a entendu rapidement dans notre casque qu'il y avait une chute de Léo Bigiot qui était annoncée, tout cela sous réserve, mais cela malheureusement serait en train de se confirmer puisque Léo n'est pas dans ce groupe de 4, toujours Paul Sexas. Et Jean-Claude, si Paul Sexas roule dans le groupe, ça veut dire peut-être que Léo n'est pas en mesure de faire la jonction, même s'il n'y a pas d'oreillette, sans doute des consignes qui ont été données par Frédéric Macaudière. Très certainement, effectivement, donc les coureurs
se font renseigner, j'allais dire, de façon régulière sur les bords de la route, sur, grâce aux véhicules, bien sûr, des directeurs sportifs, les véhicules d'assistance. Donc, je veux dire par là que cette contre-attaque donc, est parfaitement informée de ce qui s'est passé. Oui, confirmation à l'instant. Chute de Léo Bizio, donc, dans la descente du Mont Tournier qui vient de nous être confirmée. Aucune info complémentaire en ce qui concerne le degré de gravité de cette chute. Savoir si Léo a pu repartir et à quel échelon de course. Mais pour l'instant, donc, apparemment, donc, les informations qui nous arrivent petit à petit, alors que le quatuor est en train de revenir donc, sur l'autre quatuor, Léo serait reparti dans un deuxième voire troisième groupe. Il serait bien tombé, mais serait remonté sur son vélo. Mais pour l'instant, à l'arrière de la course, on n'a pas d'informations complémentaires. Le problème pour Léo, c'est qu'il va falloir chasser pendant de nombreux kilomètres s'il veut revenir devant, récupérer de sa chute en espérant qu'il n'y a rien de grave. Et puis, il ne va plus avoir beaucoup de coéquipiers autour de lui puisqu'il a fait donner la garde dès le Mont Tournier en mettant en route avec toute son équipe. Alors, Paul Sexas, lui, va être à l'avant. Le jeune coureur de Villefranche-Beaujolais qui porte le maillot d'Auvergne-Rhône-Alpes est en train de revenir. Regardez, le quatuor belge s'est retourné. On a levé le pied pour laisser rentrer donc, cette contre-attaque. Trois Français et un Belge qui vont compléter le groupe de tête. C'est chose faite, Jean-Claude. Ils sont désormais 8 à ouvrir la route alors que nous sommes pratiquement au sommet de la côte de Saint-Genis. Pratiquement, oui. En tout cas, concernant Léo Bizio, donc l'information, elle est somme toute rassurante. Rassurante, bien sûr, pour lui et pour ses supporters, voire la famille qui l'accompagnait donc, au départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureurs en tête actuellement. Donc c'est vrai que Léo Bizio doit chasser derrière ce groupe de 8 coureurs. L'important, c'est qu'il soit quand même remonté sur le vélo et qu'il soit donc dans la course. On a vu, je te coupe juste une petite remarque, on a vu à l'image le dossard 85, celui d'Yarno Vidar. On parlait de chute, lui a été victime d'une chute hier à l'entraînement. Vous avez vu un bandage sur le coude droit du champion de Belgique qui lui donc a été victime de cette chute hier lorsqu'il reconnaissait cette classique, ce qui ne l'empêche pas d'être revenu à l'avant et de faire partie de ce groupe. Alors avec Léo, ça aurait été échappé royal. Hein. Ils auraient été 9 alors que Yarno Vidar est en train de dire à ses petits copains belges, dites-moi les gars, il va falloir venir nous donner un coup de main et continuer à rouler, même si les 4 de devant vont sans doute avoir besoin de souffler. Oui, tout à fait, oui. Et dans cette contre-attaque, donc il y avait, semble-t-il, Baptiste Grégoire, c'est cela ? Non, c'est Tom Darmilly, le deuxième coureur du collectif Bourgogne-Franche-Comté. Non, c'est pas le petit frère de Romain qui vient de s'illustrer sur, non pas la classique des Alpes, mais les 4 jours de Dunkerque. Ce n'est pas le petit frère du collectif Bourgogne-Franche-Comté, mais ce serait Tom Darmilly, coureur qui avait été formé du côté de l'SPTT Dijon et qui a brillé sur les boucles de la Seine-et-Marne, qui s'est illustré également sur le Tour du Pays d'Auliergue en terminant 5e, alors qu'on regarde le groupe, mais j'ai pas de Léo Bizio dans ce deuxième groupe. On a Jean-Loup Fayol qui est là. Ouais, Fayol est là, mais Léo Bizio n'est pas là. Je ne pense pas l'avoir vu. Alors Jean-Claude, je ne sais pas si tu as... Non, moi je pense qu'il lui a... À mon avis, il a fallu du temps donc pour repartir. Peut-être le vélo avait-il aussi subi quelques dommages, sait-on jamais. Alors qu'on les voit, ces coureurs donc passent à 1 km du sommet de cette côte de Saint-Genis-les-Villages. C'est bien Fayol qui est là. Ouais, Martin Barta ferme la marche. Alors là, c'est, j'ai envie de dire, ce qu'il restait de l'échappée du matin, plus les coureurs qui étaient dans la contre-attaque de Léo Bizio tout à l'heure. Finalement, c'est un mix des deux, coureurs qui ont été décrochés de l'avant et coureurs qui ont été décrochés du groupe de contre-attaque. Oui, en tout cas, Martin Barta fait une belle course, ouais, finalement, hein, parce qu'on le voit et c'est vrai qu'il paye de sa personne depuis pratiquement le départ de cette classique des Alpes. C'est vrai que c'est un garçon, disons, promis un bel avenir. En tout cas, il est le fils de Yann Barta et il est vraiment le fils du père, hein, franchement. Alors, peut-être rectification, puisque Tom Darmilly, dans un premier temps, a été annoncé dans le groupe de tête. Et tu avais raison, Jean-Claude, ce serait bien peut-être Baptiste Grégoire qui serait là pour la Bourgogne-Franche-Comté. Point d'interrogation, on a des informations un peu contradictoires.
Darmini dans un premier temps. Alors, il ne serait pas illogique que ce soit Baptiste Grégoire qui soit présent dans ce groupe. Alors, on le voit, il est en train de prendre le relais tout à l'avant du groupe. Donc, on va essayer d'identifier le coureur bourguignon. En tout cas, c'est vrai que s'il s'agit de Baptiste Grégoire, lui aussi, donc le frère de Romain serait promu, ouais, on vous confirme, le 63, donc c'est bien Baptiste Grégoire, effectivement. Erreur de casting de ma part, c'est pas Darmini, c'est Grégoire qui est là. Ce qui n'est pas illogique, encore une fois, quand on connaît le talent du jeune frère, qui lui aussi a brillé sur Olierg, même s'il était juste un petit peu en dessous par rapport au trio de tête. C'est bien lui, hein. C'est bien, ouais, c'est ça, on reconnaît le gabarit. On reconnaît la filiation de la famille Grégoire. Quelle famille ? Ouais, Longiligne, garçon qui a brillé tout au long de l'hiver en cyclocross et qui brille sur la Classique des Alpes. C'est bien Baptiste Grégoire qui est présent, lui aussi promis à un bel avenir, alors qu'on nous annonce deuxième groupe à 1 minute et 15 secondes. Oui, tout à fait. Et son frère, donc Romain, avait terminé deuxième l'année dernière de l'Alpizère Tour, oui, à 2 secondes du vainqueur Yanis Oizard. Et cette année, donc, il gagne les 4 jours de Dunkerque. C'est quand même un début de carrière pour exceptionnel. Pour son entrée dans le World Tour, c'est pas à 20 mal. Ans, ouais. C'est fabuleux. Avec la manière, puisqu'il a gagné une étape en plus de ces 4 jours de Dunkerque. Tout à fait. Alors que... Il faudra faire attention à lui pour le maillot de champion de France dans quelques semaines. Montcassel, ça peut être une arrivée qui va lui convenir. Oui, ouais, ça peut être effectivement un candidat sérieux au titre, effectivement. C'est bien vu. Ouais. Alors, Darmini n'était pas loin de la tête. Hein. Il est dans le deuxième groupe avec Sanchez, Decomble. Alors là, tous les... Non pas les seconds couteaux, mais des garçons qui étaient parmi les garçons qui avaient été notés, observés. On a Domas également pour l'Occitanie. On a l'autre, notre champion de France. Il en manque un, voilà. Baudet, Fabriasson, là également pour l'Occitanie. 3 coureurs de l'Occitanie. Un petit cran en dessous pour le moment par rapport aux 8 coureurs de tête, alors que le deuxième classement de la montagne a été franchi il y a quelques instants. Un petit cran en dessous par rapport aux 8 coureurs de tête, mais qui sont là donc à une petite minute. Et plus loin, on n'a pas de nouvelles, mais plus loin, nous retrouvons donc celui qui était grand favori, Léo Bizio. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, et sans surprise, j'allais dire, on retrouve des garçons qui s'illustrent, j'allais dire, pratiquement de façon hebdomadaire sur les courses. Notamment, donc, je regardais Vincent Baudet, là, il a fait 7 podiums en 2 mois, c'est étonnant. Ce n'est pas surprenant de le retrouver dans un groupe de contre-attaque, le jeune coureur donc, d'Occitanie qui doit porter de mémoire le dossard 34. C'est ça. Et les couleurs de l'Occitanie. C'est vrai qu'on a des garçons particulièrement aguerris, effectivement, en tête de course. Et cette sélection, elle est véritablement impitoyable, hein, franchement. Alors que là, on va se diriger donc vers une petite descente avant d'entamer les premières difficultés du col de la Cruzille. Et là, il restera bien sûr le grand plat de résistance, le col du Mont du Chat. J'aimerais bien, et je pense que Nicolas Caille est comme moi, donc savoir où se trouve Léo Bizio, ce serait intéressant pour nous tous qui suivons donc avec passion cette classique des Alpes. Il serait intéressant de savoir où se trouve donc le leader de la formation Auvergne-Rhône-Alpes, victime, je le rappelle, d'une chute dans la descente du col du Mont Tournier, la première grande difficulté du jour. Léo Bizio, donc on aimerait tous, Nicolas Caille et moi bien sûr, savoir où il se situe. Ouais, pour l'instant, il ne se situe pas dans les 2 premiers groupes. Alors ça, c'est inquiétant pour la journée, hein, parce que pour revenir devant maintenant... Certes, il y a l'ascension du Mont du Chat, mais voilà, on aura laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de force dans la poursuite, bien entendu, alors que l'écart semble se stabiliser à la minute entre les 8 coureurs de tête. On a vraiment l'impression qu'il y a un petit route d'observation, hein, sur le groupe de tête entre Belges et Français. On se jauge un petit peu, donc on rappelle la composition complète de ce groupe. Donc Duart, Marie Wetcholier, donc le Belge du team Auto Eder. Nous avons Baptiste Grégoire, c'est bien confirmé, coureur de l'AC Bisontine qui s'illustrait sur Olierg et sur la Côte d'Or Classique Junior cette saison. Nous avons la présence de Paul Sexas,
l'ancien champion de France décadé, Aubin Sparfel, le coureur de la formation Grand Est qui s'est révélé sur Liège-Bastogne-Liège Junior cette saison en terminant quatrième. Milan Donnier, Alex Debock, Niels Dressen pour Cycle Vlaam des Rennes. Donc c'est la formation belge surreprésentée dans ce groupe de tête. Et Jarno Villard, donc du team Wallonie Junior. Alors que les voitures de direction sportive ont été autorisées à monter derrière le deuxième groupe. Là aussi, c'est pas bon signe, Jean-Claude. Ça veut dire que derrière, on doit être très loin désormais et qu'il y aura désormais une course pour rentrer à la bridoire et une course pour jouer la victoire ou les places d'honneur. On peut penser que le vainqueur de la Classique des Alpes 2023 se trouve dans le groupe de 8 à l'avant. Oui, c'est probable. Voire dans le deuxième groupe. Mais ce sera compliqué, surtout pour ces coureurs qui ont été décrochés du groupe de tête pour reprendre leur place donc dans le groupe qui anime cette épreuve que vous avez sur la gauche de l'écran. Les 8 coureurs qui sont en tête à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Et je regarde nos écrans de contrôle et j'ai beau vainement écouter dans le casque nos informations. Nous n'avons pas de nouvelles de Léo Bizio, victime, si vous nous rejoignez, d'une chute dans le Mont-Tournier après avoir attaqué sur le côté montant, victime d'une chute sur le côté descendant. Et qui aura bien du mal à revenir et reprendre sa place en tête de course. Descente, Nicolas, qui se faisait quand même à très vive allure, ouais. Hein, sur une route, sur une bonne route, on va dire, avec des virages qui s'enchaînent donc les uns après les autres. Ce ne sont pas des virages, j'allais dire, trop techniques. Hein, c'est effectivement la faute à pas de chance. L'important, c'est que Léo ait pu quand même remonter sur le vélo. Même si, et c'est vraiment dommage pour lui, la première place lui semble, à l'heure actuelle en tout cas, inaccessible. C'est compromis. Voilà, notre groupe à l'avant. Dans la descente qui précède donc les premiers lacets du col de la Cruzille. Paul Sexas qui est à l'avant, les directeurs sportifs autorisés à monter. Ah là, c'est vraiment le type de circuit toboggan que propose le département de la Savoie à tous ses coureurs. On monte, on descend et c'est sans répit jusqu'à la ligne d'arrivée finalement. Hein, parce que là, donc après la Cruzille, il y aura une courte descente. Et tout de suite, on va attaquer donc les premières rampes du col du Mont du Chat, des rampes très difficiles, hein, notamment au début, parce que si l'on dit que la moyenne donc de cette ascension du Mont du Chat est à 8,5 de mémoire, je crois que les premiers kilomètres sont à au-delà de 10%. Et c'est vrai que ça va faire très très mal. Ça, c'est à n'en point douter. Ensuite, donc longue descente. Alors là, c'est une descente technique et dangereuse. La descente du col du Mont du Chat, donc route étroite avec beaucoup de gravillons que les orages de la nuit dernière d'ailleurs ont ramené sur la route. Là, il faudrait être particulièrement vigilant dans cette longue descente du col du Mont du Chat avant de reprendre la dernière ascension du jour, le col du Banchet, et de redescendre donc vers la Bridoire. On voyait Aubin Sparfel qui prenait le relais et qui était également ravitaillé. Les voitures de direction sportive donc autorisées à monter, ce qui confirme bien donc l'écart qui nous est annoncé, 1 minute 20. Dorian Doubremel, le directeur sportif de cette sélection Grand Est, est monté donc au niveau de l'homme de tête et on retrouve le groupe de chasse. On voit que les coureurs regardent beaucoup derrière plutôt qu'à l'avant. C'est pas forcément bon signe à l'entrée de Rochefort pour ce groupe, Jean-Claude. Oui, tout à fait, oui. C'est pas bon signe, effectivement. Plus à se ravitailler qu'à mener la poursuite. Tout à fait. Le groupe est déjà un groupe conséquent. Donc, c'est vrai, quand on est une quinzaine, voire plus, c'est pas facile d'organiser une poursuite. Et là, effectivement, Nicolas Caille le disait avec juste raison, c'est vrai qu'on est plus attentif à ce qui se passe derrière. C'est effectivement délicat d'avoir effectivement un groupe comme ça et trop nombreux peut-être pour lancer une véritable poursuite sur les hommes de tête. Il y aura peut-être un écrémage dans la Cruzille. Ou dans le col du Mont du Chat. Je pense que c'est
toujours pareil, alors que le directeur sportif d'Auto Eder, donc la formation allemande, ravitaille et donne des dernières informations à son coureur, donc Duarte Marivaux, le dossard numéro 166, le seul représentant, je crois, du team Auto Eder. Oui, Christian Schrott, le directeur sportif, j'ai envie de dire emblématique de cette formation, qui avait notamment Emil Herzog dans son sein l'année dernière. Et Sian Utrobroche aussi était dans le vainqueur de l'année dernière. Il est passé par Auto Eder également. Quelle belle structure, hein. C'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui, Nicolas Caille le disait à juste titre d'ailleurs, beaucoup de formations étrangères qui recrutent des grands talents. Hein. Franchement, chapeau à ces formations qui dénichent des hommes capables de rivaliser avec des coureurs pro tour. Ça, c'est assez étonnant de voir le niveau proposé, alors que nous passons au panneau indiquant les deux derniers kilomètres donc de la troisième difficulté du jour, le col de la Cruzille, qui se situe à 573 mètres d'altitude. Il est classé en troisième catégorie et il est au 90e kilomètre de course. Tu parlais, Jean-Claude, de cette formation. Rappelez que Mathieu Kokelman, qui était chez eux, est passé chez la Lotto. Emil Herzog, donc, est dans la formation d'Axel Merz, Hagen Berman, Axéon. Remède Pajur, qui avait gagné sur le Valromé, qu'on avait déjà vu également sur la classique des Alpes, est passé au team Lotto. Donc bref, tous les ans ils passent des coureurs donc à l'échelon supérieur. Si l'on regarde un petit peu sur les dernières années dans ce team Auto Eder, rappeler également que c'est une structure qui est ancienne à maintenant, puisqu'elle a plus de 10 ans, et c'est une structure donc qui passe de plus en plus de coureurs chez les professionnels. Oui, j'allais dire que c'est presque pour les coureurs donc juniors un passage obligé. Ouais, c'est le dernier échelon pour tous les coureurs venus d'Europe centrale, donc pour rejoindre les pros. Alors que nous retrouvons le groupe de tête, ça monte encore très fort hein, sur le groupe. Alors, j'en ai 7. Est-ce qu'on n'en aurait pas perdu un dans le début de l'ascension? Non, elle voici. Voilà, le troisième Belge de la formation Cycling Vanderen. Alors, la formation Cycling Vanderen qu'on a beaucoup vu en début de course. Alors, on les voit un petit peu moins depuis quelques minutes. Alors que c'est Paul Sexas et Baptiste Grégoire qui donnent le tempo dans ce col de la Cruzille. Cette formation a beaucoup donné et on les voit peut-être bluffer un petit peu, laisser faire les autres. Nos Belges. Tout à fait, oui. Ça commence quand même à devenir dur. On en a encore perdu hein, l'image. Cette fois-ci, c'est Alex De Bock qui semble avoir disparu de l'image. Alors, est-ce qu'il est descendu à sa voiture ou tout simplement en moment de faiblesse? On va avoir la confirmation dans quelques instants. Car oui, 3, 4, 7 coureurs seraient à l'avant. Alex De Bock ne fait plus partie du groupe de tête alors que nous sommes à 1 km du sommet de cette troisième difficulté. Pour l'instant, ceux qui nous font la plus forte impression, eh bien, ce sont les... Ouais, alors qu'on nous confirme la mauvaise nouvelle, l'abandon de Léo Bizio à l'instant même, qui est confirmé. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en plus, ce n'est pas une bonne nouvelle, puisqu'apparemment, ce serait une clavicule pour Léo, à qui on va d'ores et déjà souhaiter un prompt rétablissement. Léo, bien entendu, qui avait l'ambition de gagner cette classique des Alpes, lui qui avait terminé deuxième l'année dernière. C'était le grand favori. Avec malheureusement, donc la descente du Mont-Tournier, on a décidé autrement avec cette mauvaise chute pour Léo, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On sait qu'il y a de sacrées échéances qui attendent le jeune coureur. J'ai envie de dire que c'est le premier gros coup dur dans sa carrière, parce que jusque-là, c'était un sans faute. Chaque fois qu'il sortait de sa boîte, c'était pour marquer les esprits. Il l'a fait tout au long de la saison de cyclocross, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Il l'avait fait à chaque fois également qu'il sortait sur la route. Et bien malheureusement, aujourd'hui, le destin en a décidé autrement. Voilà, on va revenir à la course, prendre rétablissement à Léo. Alors, touché à la clavicule, je pense qu'il va y avoir des examens complémentaires pour savoir la gravité de la blessure du champion du collectif Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, collectif Auvergne-Rhône-Alpes, dont les espoirs maintenant reposent sur Paul Sexas. Hein, ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'un pion en tête de course. Et c'est vrai que c'est pas facile hein, face à, par exemple, à trois coureurs de la formation Vlaanderen. Paul Sexas donc aura vraiment
les pires difficultés. Hein, Alex Debord est rentré, donc je pense qu'il avait été à la voiture chercher du ravitaillement. Il y en a un qui fait forte impression, c'est notre champion de Belgique, Jarnaud Villard, ouais. En tête de groupe, voilà, qui prend un ravitaillement. Baptiste Grégoire, le cuissard de l'AC Byzantine. Le voici, Paul Sexas à l'image avec le maillot blanc du collectif Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes au sommet, là, bientôt, déjà. Du col, hein, ouais, du col de la Cruzille. Beaucoup de monde, hein, sur les bords de la route, effectivement, beaucoup de supporters de ces jeunes et talentueux coureurs. Donc au sommet du col de la Cruzille, vous le verrez, donc les coureurs vont virer à gauche. Il n'y aura pas de véritable descente dans l'immédiat, il faudra attendre encore un espèce de faux plat descendant d'abord, faux plat montant ensuite, pour entamer la véritable mais courte descente de ce col de la Cruzille, pour retrouver donc les premières difficultés de la terrible ascension du col du Mont du Chat. Voilà, 8 coureurs à l'avant. Si vous nous rejoignez, bienvenue donc sur cette classique des Alpes, 4e manche de la Coupe de France, l'une des plus belles épreuves du calendrier international junior. Nous le disions en ouverture, 27 éditions sur les 71 coureurs qui sont montés sur le podium, 56 ont rejoint les rangs professionnels. C'est quasiment 2 coureurs sur les 3 du podium qui chaque année sont dans les rangs professionnels. Et puis si l'on regarde les autres vainqueurs, ce sont souvent des coureurs qui ont fait une très belle carrière chez les amateurs, qui n'ont pas eu leur chance chez les professionnels, mais qu'on a ensuite vu sur les plus belles épreuves du calendrier français. Nous retrouvons nos hommes de tête qui vont se diriger, donc Jean-Claude vous le disait il y a quelques instants, vers l'ascension mythique de cette classique des Alpes. Juge de paix, c'est le Mont du Chat. Jean-Claude, on voit vraiment la différence entre le groupe de tête et le groupe de chasse. Ce sont les Occitans, hein, avec Fabriez, Baudet ou encore Domas qui sont en train de... Rémi Domas qui sont en train de hausser le ton en tête de groupe. Mais on voit que ce sera très difficile de revenir sur les hommes de tête. Oui, tout à fait. Alors que ce groupe donc de poursuivants se trouve dans les 300 derniers mètres, hein, très précisément, de l'ascension du col de la Cruzille. Col qui a été franchi, bien sûr, par les coureurs de tête. Oui, Mehdi Fayol, Jean-Loup Fayol, pardon, qui est en train d'accélérer. Alors Jean-Loup, sans doute, a eu l'information comme quoi Léo Bizio avait abandonné. Donc peut-être qu'il était en réserve dans ce groupe au cas où Léo serait retombé sur ce groupe. Là maintenant, carte blanche pour Jean-Loup Fayol, qui va tenter donc de faire le jump, de rentrer sur la tête de course. Lui qui était rentré dans les 5 premiers de la Coupe de France l'année dernière, qui avait gagné au Ségala, qui avait brillé alors qu'il était junior première année sur tout le calendrier. Là aussi, début de saison un petit peu compliqué pour Jean-Loup, mais qui est en train de retrouver son coup de pénal. Il y a des accélérations dans ce groupe de contre, mon cher Jean-Claude. Sans doute les dernières minutes avant de laisser partir les 8 premiers dans le monde du chat. C'est maintenant qu'il faut réagir. Oui, tout à fait. C'est maintenant ou jamais, effectivement, parce qu'après, ça sera vraiment trop tard. Les coureurs donc sont dans ce faux plat montant qui suit le passage au sommet du col de la Cruzille. Vous voyez que dans la contre-attaque, donc ça s'accélère un peu et que le groupe là est en train de s'étirer sur plus de 150 mètres, à mon avis. Toujours Jean-Loup Fayol en tête de ce groupe, le dossard numéro 13, le coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a 2 représentants quand même de la formation Auvergne-Rhône-Alpes. Un en tête de course, je le rappelle, c'est Paul Sexas, et l'autre donc dans la contre-attaque, c'est Jean-Loup Fayol. On aurait bien sûr aimé avoir le leader de la formation. Le sort en a décidé autrement. Léo Bizio, on le disait tout à l'heure, victime d'une chute. C'est surprenant parce que c'est vrai que Léo Bizio est un talentueux cyclo-crossman, dès que les cyclo-crossman sont à l'aise en descente. J'ai été le chat noir pour Léo, parce que je disais, regardez le talent du descendeur, ouais. Qui beaucoup d'agilité au moment où je disais ça. Alors pour tout vous dire, on est avec le papa de Léo au téléphone, justement, qui lui n'est pas au courant. Il était au sommet de la 2e difficulté et il vient de nous envoyer un message en nous disant, salut les gars, vous avez des nouvelles de Léo, je ne l'ai pas vu passer. Et malheureusement, on était en train de faire jouer les téléphones et de lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Voilà, Jean-Loup Fayol a accéléré dans le groupe de chasse pour peut-être essayer de casser ce groupe et essayer de s'isoler maintenant pour revenir à l'avant. Les 8 sont dans cette partie de transition, ce qui va me permettre de m'absenter 2 petites minutes.
Jean-Claude, je vais te laisser la main donc, au niveau du direct. Parce que nous, ça dure 4 heures aussi, donc on a besoin de se poser deux petites secondes. Voilà, groupe de 15 qu'on voit avec le maillot de champion de France du coureur donc des Hauts-de-France, Antoine Lotte. On a Maxime Decomble également qui est dans ce groupe. Groupe de 15, repoussé à plus d'une minute 20. Et on va voir l'explication avec les 8 dans quelques instants, donc dans le monde du chat. On se retrouve dans quelques instants. Je vous laisse avec Jean-Claude. Et nous allons avoir la quatrième difficulté, la principale, qui va intervenir dans quelques instants. Oui, tout à fait. En vous rappelant donc cette avant-dernière difficulté, le col du Mont du Chat, c'est une côte qui est relativement longue, mais surtout donc qui est à plus de 8,5% de déclivité moyenne. C'est dire donc ce col du Mont du Chat, 9 km d'ascension à plus de 8% de moyenne, classé en première catégorie, sera le véritable juge de paix de cette 28e édition de la Classique des Alpes. Là, nous sommes donc sur le groupe de tête. Pour ce qui est donc des parents supporters de Léo Bizio, on va les rassurer, bien sûr, puisque Léo était remonté apparemment sur le vélo, alors que là, ici, on a un coureur belge de la Vlaanderen qui a effectué un tout droit. Vous voyez que ce sont des jeunes coureurs qui découvrent la montagne et, je dirais, toutes les difficultés engendrées par ces descentes répétées. C'est vrai que là, il faut être de véritables artistes hein, pour assurer la sécurité de tout le monde. Et on s'aperçoit que quand on manque de lucidité, parfois, ça peut être dangereux. Voilà donc le coureur belge qui va essayer de revenir sur les 7 hommes qui le précèdent. Apparemment donc les coureurs de tête sont pratiquement dans l'attente du retour du coureur belge donc, qui a fait un tout droit, je le rappelle, dans la descente du Mont Cruzy. Une descente courte mais très rapide quand même. Les coureurs donc dans l'une des rares parties planes de cette deuxième moitié de l'Alpizère Tour avant l'attaque du col du Mont du Chat. Oui, descente relativement courte, tu le disais. Alors j'ai loupé donc un incident de course apparemment donc pour Duart Marivouet, coureur du Team LR. Tout à fait, donc il a fait un tout droit. Hein. Donc heureusement, sans gravité, il a pu rester sur le vélo. J'en vois plus que 6. Ils sont passés nos deux Belges du Team Vlaanderen. Les voici. Ouais. Voilà le retour de Milan Denier. Et on le dit depuis le départ, hein, c'est vraiment un match franco-belge qui va avoir lieu cet après-midi. Alors Alex De Bock, c'est lui qui apparemment a pris un virage trop large. C'est le troisième de la Vlaanderen. Oui, on se retourne pour prendre des nouvelles. Décidément, les descentes aujourd'hui piégeuses. Et, alors c'est le cyclisme moderne aussi. Hein, beaucoup de courses se gagnent côté descendant. Tout à fait. Et on n'a pas fait le pire, hein, ouais, Nicolas. Ouais, le pire est à venir. Ouais. Hein. Le pire est à venir. Je sais que nombreux sont les coureurs qui sont revenus pour reconnaître cette descente très technique hein, du col du Mont du Chat. Descente étroite sur une route gravillonneuse, dangereuse. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir effectivement être très fort hein, dans cette ascension et dans cette descente du col du Mont du Chat. Vraiment beaucoup de lucidité nécessaire pour assurer donc cette descente en direction du pied du col du Banchet, dernière difficulté du jour. Là, les coureurs vont bientôt virer sur la droite et connaître les premières rampes de cette difficile ascension. Les premières rampes, je le rappelle, sont 11-12%, donc ça va faire très mal. Ça va faire très mal, mais c'est vrai que on y croit, je pense, du côté de cette échappée qui compte maintenant 1 minute 30 d'avance sur le groupe de contre-attaque.
Est-ce que c'est suffisant, Nicolas, pour toi, donc ? La question qu'on se pose, que elle est là. Ce sont quand même les hommes forts qui sont à l'avant, surtout les quatre qui sont rentrés, hein, Sexas, Vidar, notamment Sparfel, donc qui vraiment confirme tout le bien qu'on pense de lui. Et puis Baptiste Grégoire qui confirme lui aussi sa bonne forme. Et puis on voit ce groupe de 15 quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un groupe de 15 qui pense plus à se ravitailler, à récupérer. On a eu Jean-Loup Fayol qui a essayé de relancer, mais j'ai presque envie de dire c'était peut-être pour inciter les autres à rouler, parce qu'il a Sexas devant, donc Jean-Loup se dit, bon, après tout, j'ai peut-être fait mon travail et je vais attendre le mont du chat pour pouvoir m'exprimer. On n'a pas l'air de s'entendre très bien dans le groupe. On parlait du mont du chat, on se rappelle, tu parlais de descente, on se rappelle d'une chute mémorable de Richie Porte sur les routes du Tour. On n'est pas sur les mêmes pentes, hein, c'est pas exactement le mont du chat où on bascule du côté de Chambéry. Il y a plusieurs routes qui amènent donc vers le mont du chat. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu moins la région, on est situé pas très loin du lac d'Aiguebelette, alors qu'on a les hommes de tête qui sont à l'image sur la gauche et qui entament l'ascension 9 km. On n'est pas loin du lac d'Aiguebelette, on n'est pas loin du col de l'Épine. Et puis de l'autre côté, sur l'autre versant, c'est plutôt Aix-les-Bains et le Bourget. Bien sûr, tout à fait. Formidable région pour faire du vélo, surtout quand vous êtes grimpeur. Si vous êtes comme moi avec quelques kilos en trop, ben, préparez-vous et abstenez-vous de venir tout de suite en Savoie. Et la technique nous le confirme, bien entendu. Le mont du chat est une magnifique ascension, sauf pour les réseaux téléphoniques et images, puisqu'on a le dernier kilomètre où on perd complètement l'image sur le sommet. Et on en profitera d'ailleurs pour avoir l'interview du maire de la Bridoire qui accueille cette arrivée comme chaque année. Voilà, on retrouve la tête de course et ce sont les Flandriens, le team Flandéren encore une fois, qui est en train de donner le tempo. Les grandes manœuvres vont sans doute commencer. Ouh, ça devient dur. Oui, on l'a bien vu, ça devient très dur du côté de deux coureurs. Il me semble que c'est Omas Parfell qui a été décroché. Et puis, c'est un des coureurs du team Flandéren, Niels Driessen, qui rentre, hein, voilà, qui fait la jonction avec le groupe de tête. Dis-moi, Jean-Claude, les Belges sont très forts aujourd'hui. Nous n'avons plus que deux petits Français devant avec Paul Sexas et Baptiste Grégoire. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que là, j'ai peur que nos amis belges fassent le ménage dans l'ascension du Mont du Chat. Ce ne sont pas nos deux plus mauvais Français que nous avons, quand même, avec Sexas et Grégoire. Heureusement, parce que c'est vrai qu'on aura vraiment besoin d'eux dans cette difficile ascension. Je rappelle, il y a plus de 9 km hein, quand même. Mais c'est vrai que là, on peut avoir peur quand même. Hein. On peut avoir peur. Ouais, Sparfel a craqué d'un coup. Hein, Aubin, d'un seul coup, on l'a vu vraiment baisser de rythme. Alors que c'est Jarno Vidar, hein, le champion de Belgique, qui donne le tempo. Paul Sexas est en troisième position du groupe. Baptiste Grégoire, marche fermée par Niels Driessen. Alors Alex de Broc, a été victime d'un tout droit dans la descente, n'est pas rentré. Et Aubin Sparfel a été décroché. Donc on va vous redonner la composition désormais du groupe de tête. Ils ne sont plus que 6 à l'avant, donc avec la présence de Duart Marivoet Chollier. C'est le coureur du team Auto-Eder, alors que nous voyons Martine Barta être décroché du groupe de contre. Alors pour le dossard, pour Duart Marivoet, c'est le dossard 166. Nous avons Niels Driessen pour la Vlaanderen, dossard 95. Il ferme la marche. Les deux coureurs, je viens de vous énoncer, sont en 5e et 6e position. Si l'on remonte, on a Baptiste Grégoire, maillot jaune et noir de la Bourgogne-Franche-Comté et cuissard de la CB Byzantine, maillot tout blanc pour Paul Sexas, l'ancien champion de France cadet, maillot tout noir en deuxième position du groupe pour Milan Denier du Cycling Vlaanderen. Et puis celui qui est en train de donner le tempo dans cette échappée, c'est nous allons retrouver à l'avant le champion de Belgique en personne, vainqueur du Tour des Flandres Junior, Jarno Vidar. Voilà, en ce qui concerne les 6 hommes de tête, ça devient dur dans le deuxième groupe pour le champion de France qui est en train d'être décroché. Antoine Lotte qui est en train de perdre le contact avec les hommes du groupe de contre-attaque. Jean-Claude, la lessivase est en route, ça y est, pour le mont du chat, ça va être du chacun pour soi et on va perdre du terrain du côté de notre champion de France. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai que la pente est très dure alors que les coureurs s'approchent de Vertemex.
l'un des derniers villages donc traversés dans cette ascension. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus qu'un deuxième, un deuxième coureur de la Vlaanderen en train d'être décroché. Ouais, ça devient dur pour Niels Driessen qui était dans la première échappée du jour. Oui, ils ne sont plus que 5, 3 Belges, 2 Français désormais à l'avant. Ça se rééquilibre. Oui, ça se rééquilibre un petit peu. En tout cas, là. Et c'est Paul Sexas qui est en train de hausser le ton à l'avant, vous le voyez avec le maillot donc, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors attention, on connaît la fougue de Paul, ouais. De ne pas trop en faire hein, dans cette ascension du Mont du Chat, mais il a envie de s'isoler vraiment. Et désormais, c'est lui qui fait le tempo. Et regardez nos deux Français en première et deuxième position, même si Baptiste Grégoire se retourne. Et on va peut-être perdre un nouveau Belge. On va être à 2-2 dans quelques instants, car ça devient difficile. Premier signe de lassitude pour Duart Marivoet. Ah, Baptiste Grégoire, ça va être du 2-1. C'est en train de sauter de partout sous l'impulsion de Paul Sexas. Impressionnant, hein, Paul Sexas, dans cette ascension. Mais nous ne sommes qu'au début. Attention, oui. Nous ne sommes qu'au début de l'ascension donc, de ce terrible col du Mont du Chat. Derrière, il restera encore une longue descente. Et je pense que Paul aurait tout intérêt effectivement à se montrer vigilant alors que nous sommes encore à 7 km. Ça fait seulement 2 km qu'on a attaqué cette ascension. Exactement, hein, encore à 7 km du sommet du col du Mont du Chat. Donc c'est vrai qu'il va se passer encore beaucoup de choses, je pense, Nico. Ouais, et le champion de Belgique est là, hein, Jarno Villard. On regrette bien entendu cette. Alors que regardez, Paul Sexas en remet une encore une fois. Il est en train de mettre au supplice les deux Belges hein, avec Denier et Villard. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à se débarrasser des changements de rythme incessants. Hein. On connaît un petit peu le tempérament de Paul Sexas qui souvent, comme cela, en pur puncher, pur grimpeur, eh bien, fait des changements de rythme très violents. Et nous retrouvons désormais, vous regardez Villard, lui, plutôt a envie de lisser et vraiment de monter au tempo. Paul a essayé plusieurs fois. A déjà fait un gros ménage puisqu'ils ne sont plus que 3 désormais dans ce groupe. Ouais, et 3 sérieux candidats au titre ça, hein, quand même, franchement. Team Wallonie, impressionnant. Alors peut-être pas un gabarit de grimpeur comme cela. On voit qu'il est assez ramassé sur sa machine. Mais quelle efficacité pour ce jeune coureur du Team Wallonie. Alors des infos pour les autres qui étaient dans ce groupe. Donc Marivoet, Chollier et Grégoire sont à quelques secondes. Alors que pour Darmini, pour Tom Darmini, ça semble compliqué. Ça semble compliqué également pour Rémi Domas, pour Hugo Fabriès qui ne rééditera pas sa performance de quatrième de l'année dernière. Mmh. C'est terminé également pour Maxime Decomble. Décroché également Clément Sanchez. On perd beaucoup de monde hein, dans le groupe de contre. Là aussi, ils étaient une quinzaine, mais ils ne sont plus que 5 ou 6 désormais. Alors les écarts, on a Niels Driessen qui a été décroché, qui serait quasiment à la minute maintenant, alors que les coureurs rentrent dans Vertemé. Il y en a de partout hein, maintenant. Je crois que c'est là le point le plus oui, dur, c'est ça, j'ai le souvenir d'un grand virage à droite. Le virage à droite qui précède l'entrée dans la forêt en fait, la traversée de ce village, le voilà, là, on voit effectivement le dénivelé, ouais, les spectateurs nombreux. La route, donc, ils ne sont pas trompés les spectateurs. Tout à fait, c'est là où effectivement on a un point de vue assez intéressant sur ce qui se passe dans la course. C'est vrai qu'il y a énormément de monde dans cette ascension du col du Mont du Chat. Voilà donc les coureurs qui sont, je le rappelle, dans les 7 derniers kilomètres de cette avant-dernière difficulté, l'ascension du col du Mont du Chat. C'est vrai que là. C'est pas étonnant que Paul remette une accélération. Il a ramené une petite couche, mais bon, il faut veiller au grain et ne pas trop en faire, ne pas, je dirais, se montrer finalement le plus fort parce qu'on risque souvent de le payer. On a vu des coureurs comme ça à l'aise dans des ascensions qui se faisaient battre. Hein. À l'accélération, encore une fois. Et voilà, accélération par contre du coureur belge qui vient de contrer Paul Sexas. Ah là, ça va. Là, regardez l'explication entre les deux. Quelle accélération, hein, ouais. Le jump de Villard et tout de suite Paul Sexas a sauté dans la roue. Mylène Denier, lui, n'a pu suivre et cette fois-ci, Jean-Claude,
Ouais, soit il revient au train, soit un Belge c'est et un fini. Français. Là, il y a l'équilibre. Et Paul qui prend le relais du champion de Belgique. Et vainqueur du Tour des Flandres, je crois. Oui, c'est ça. L'un des hommes forts du peloton junior. Et regardez notre deuxième Belge qui est en train de se faire la peau, comme on dit. Qui revient. Lui a un petit peu amorti cette accélération, sentant qu'il était vraiment à la limite. Il a attendu et est revenu au train. C'est très bien joué. On salue vraiment ces juniors. Là, Jean-Claude, on parlait de maturité de plus en plus précoce. Mais comme un vieux briscard, alors qu'on voit l'accélération de Vidard, très sèche. Paul Sexas, il va tout de suite, alors que Donnier lui dit, attendez, moi je vais monter à mon rythme et je vous récupérerai un petit peu plus haut. Il a vraiment amorti cette accélération. C'est deux tempéraments différents et deux façons de courir différentes. On sait que certains coureurs ne supportent pas ces changements de rythme incessants. C'est le cas un petit peu de Donnier qui lui a repris sa place désormais. Ils sont toujours trois et regardez les deux Belges. Les deux Belges en discussion. Ça discute fort. Le champion de Belgique qui doit lui dire, dis donc, tu le connais celui-là? Est-ce que tu as déjà couru avec lui? Parce que Parle flamand ou ça parle français? Je pense que ça doit parler flamand un petit peu. Ouais. Ils doivent se dire, on est tombé sur un os avec Paul Sexas, on n'arrivera pas à le sortir. Alors que c'est compliqué pour Vincent Baudet, le coureur de l'Occitanie. Et on aperçoit les premiers arbres. On va rentrer dans la forêt. Donc les coureurs vont trouver des conditions, disons, moins difficiles, bien sûr, parce qu'il y a de l'ombre. Beaucoup de monde dans cette ascension. Et Paul Sexas, très intelligemment, s'est mis en troisième position du groupe. Peut-être pour mieux observer ce qu'il se passe avec ces deux coureurs belges. Alors on sait que Paul a une belle pointe de vitesse. Il avait été titré chez les cadets au championnat de France en gagnant un sprint comme cela à 3. Mais il reste encore 31 km avant l'arrivée ici à la Bridoire où nous nous trouvons. 31 km qui ne sont pas faciles. Et c'est vrai que... encore une sortie de route. Là, je me demande si ce n'est pas, Alès de Bock qui est là. Non, ce n'est pas Alès de Bock. C'est Arthur Thierry, le quatrième larron de cette formation qui aura... était omniprésente aujourd'hui alors que Jean-Loup Fayolle est en train de partir avec, je pense, un coureur hollandais. Ça doit être Zomermand, encore une fois, ou Ingar van de Bock qui est présent. Mais Jean-Loup Fayolle, lui, est en train de faire un beau rapproché. Là, on joue les places d'honneur du côté de Jean-Loup. Sachant que l'écart est quand même monté à 1,55 apparemment. Oui. Alors après, il y a des coureurs qui sont un petit peu partout sur le Mont du Chat, 1,55 sur le trio, mais on risque de retomber sur des coureurs intercalés. C'est William Graff, encore un Belge du Team Wallonie qui est présent. À côté européen, ce sera Belge qu'on aura beaucoup vu. Oui, tout à fait. Belge, néerlandais, français. On a eu des équipes qu'on n'a pas vues du tout. Je pense aux deux équipes italiennes. L'équipe espagnole également, qu'on n'a pas vu, la Catalogne, donc l'équipe catalane, donc nous n'avons pas vu. Les Suisses aussi. Un seul moment pesé sur la course. Alors il reste encore 30 km, mais il serait quand même étonnant maintenant, alors que nous sommes à 5 km du sommet du Mont du Chat, avec nos trois hommes de tête, ce serait étonnant de voir revenir des coureurs de l'arrière, tant la bataille a été intense et tant ça a commencé très tôt. Je suis un peu déçu. Et belle remarque, Nicolas. Il y a Nicolas qui vient de nous faire une très belle remarque sur Paul Sexas et Milan Doni qui ont couru tous les deux dans la formation AG2R U19. Donc ils se connaissent bien. Tout à fait. Merci à Nicolas de cette remarque très pertinente qui a été donnée il y a quelques instants. Parmi les déceptions aussi, je le disais tout à l'heure, donc l'équipe romande, l'équipe suisse, avec des garçons comme Lucas Bovet, on aurait pu voir, membre de l'équipe nationale suisse. C'est vrai qu'on les a peu vus dans cette classique des Alpes qui, il faut quand même le reconnaître, Nicolas, regroupe quand même les futurs talents de demain. Oui, tout à fait, avec trois coureurs qui sont à l'avant, on se dirige vers un beau podium avec deux Belges et un Français. Paul Sexas promet un bel avenir quand on sait que c'est
junior première année, alors qu'on a, on a Jean-Loup Fayol qui fait parler son, son rapport poids-puissance tout à fait exceptionnel, l'un des plus petits gabarits du peloton. Garçon qui est hyper bon contre la montre malgré ce petit gabarit et qui est un formidable grimpeur. Alors il s'est retrouvé dans, dans le deuxième groupe après avoir beaucoup travaillé pour ses leaders, et puis maintenant eh bien, il est en train d'essayer de, eh bien, de ramasser entre guillemets tous les coureurs qui ont été décrochés. Voilà Paul Sexas à l'image avec le maillot d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on s'aperçoit là aussi aujourd'hui que des petits gabarits finalement sont pas mauvais contre la montre. Ouais, ouais. C'est un peu aussi une sorte de nouveauté dans le cyclisme moderne. D'une part donc des écarts qui se jouent en fait à poignée de secondes, et puis d'autre part effectivement dans les contre-la-montre on s'aperçoit que les petits gabarits finalement sont pas autant désavantagés ouais. qu'ils ne l'étaient. C'est dur pour Driessen qui a été décroché ouais. Regarde le petit duo de Jean-Loup Fayol et de d'Arthur Thierry qui est en train de revenir sur les coureurs intercalés, donc ce sera compliqué pour aller chercher le podium, à moins que cela se regarde dans les derniers kilomètres, qui préfèrent deux coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'avant dans le final, mais Jean-Loup Fayol est en train de faire un gros numéro pour aller chercher une belle place d'honneur sur cette classique des Alpes, parce que certes, on a dit Jean-Claude que 56 des 71 coureurs qui étaient montés sur le podium sont passés pro. Mais on n'a pas compté ceux qui ont terminé 4e, 5e ou dans le top 10 bien de sûr. La classique, parce que là aussi, il y en a bien un sûr. Paquet qui ont rejoint les rangs professionnels. C'est évident, oui, c'est sûr que si on fait l'analyse des top 10, par exemple, de la classique des Alpes, on serait effectivement étonné de voir le pourcentage de coureurs, d'une part aptes à franchir le Rubicon et d'autre part donc ayant franchi ce fameux Rubicon. C'est sûr que beaucoup de participants à la classique s'illustrent ensuite à l'échelon supérieur, et c'est vrai qu'on les retrouve avec grand plaisir sur les épreuves de classe 1. Juste un exemple, Alexis Fort-Prost, 8e l'année dernière, formé au vélo club de Tournu, qui gagnait un mois plus tard étape sur le Val-Romé et qui est désormais dans l'équipe réserve de Wanty Intermarché. Voilà l'un des exemples des coureurs juniors qui donc, profitent de ce... Le cyclisme a changé aussi, Jean-Claude, on le disait, avec ses équipes continentales, ses équipes réserves qui souvent viennent chercher donc, les coureurs à 19 ans pour les former donc, sur les premières courses professionnelles, ce qu'on appelle les 2.2 et les 1.2, c'est-à-dire les premières courses dans l'échelon du calendrier. Et on a souvent ces équipes réserves donc des World Tour qui enrôlent de jeunes coureurs espoirs. Sur la gauche de l'image, nous avons notre trio de tête. Vidar, le champion de Belgique en mène, Sexas en deuxième position. Milan Denier donc en troisième position. Et sur la droite de l'image, le groupe Jean-Loup Fayol en compagnie d'un coureur de la formation du Team Wallonie, William Graff. Voilà en ce qui concerne les deux échelons de course. Et nous retrouvons la tête de course, ouais. Jean-Claude. On retrouve la tête de course et effectivement, on s'aperçoit qu'il n'y en a peut-être pas un pour partir actuellement dans ce trio de tête. Les tout prochains kilomètres vont peut-être me faire mentir, mais c'est vrai qu'entre Denis Vidar et Sexas, pour l'instant, on roule de concert et on attend peut-être effectivement les derniers kilomètres de cette difficile ascension du col du Mont-du-Chat avant d'entamer la non moins difficile descente qui va nous permettre de découvrir une nouvelle fois donc le col du Banchet, la dernière difficulté du jour. Ça peut très bien effectivement se jouer au sprint, hein, cette classique des Alpes 2023, 28e édition. Si effectivement donc il n'y en a pas un pour faire la différence, on peut très bien voir une arrivée au sprint ici à la Bridoire. Alors, catégorie, on vient de nous poser une question, à quoi correspond la catégorie U19? Donc, c'est tout simplement donc la nouvelle dénomination de la catégorie junior. C'est pour coller à toutes les autres fédérations où vous avez des U15, des U17. Donc, U17, nous sommes en cadet. U19, ce sont les coureurs âgés de 17 et 18 ans. Donc, si je ne dis pas de bêtises, naissant en 2004 et 2005. Junior, première et deuxième année. Donc. Et puis ensuite, il y a 4 années espoir. Mais en espoir, vous pouvez courir en,
en senior sans aucun problème. Mais donc ce dernier échelon, donc l'ancienne catégorie junior, est désormais appelé les U19 coureurs, donc âgés de 17 et 18 ans. C'était pour répondre à la question qui nous a été posée sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre donc cette retransmission. Et puis j'en profite pour vous rappeler que nous serons ensemble, Jean-Claude, encore demain pour la Grise Yvaudan Classique. Mm-hmm. Ce sera les filles cette fois-ci. Donc on a le panel complet du côté du comité d'organisation du Tour Nord-Isère, donc le Cotny de Michel Beau. Donc l'Alpes-Isère Tour avec les professionnels la semaine dernière. Les coureurs juniors U19, c'est aujourd'hui pour cette classique des Alpes. Et demain, donc une course UCI, la Grise Yvaudan Classique avec un peloton féminin. D'ailleurs, si du côté de la régie, on peut nous présenter rapidement donc non pas les forces en présence, mais le profil qui sera proposé donc pour la Grise Yvaudan Classique demain. Ça devrait apparaître dans quelques secondes sur nos écrans. Là aussi, hein, le cyclisme féminin terriblement évolué dans ces dernières années. Quel bonheur de commenter une course féminine. Et toi qui arpentes beaucoup les podiums également, en ma compagnie et avec Lilian également, quel bonheur le matin de présenter ces différentes formations au public. Elles sont toujours souriantes sur le podium, contentes d'être là finalement et de participer aux plus belles épreuves du monde. Ça, c'est pour le week-end. Et puis vous qui nous suivez sur Black Hole Live, on vous rappelle le week-end prochain, il va falloir me supporter 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, le Tour de Ré-Loire avec les professionnels. Et puis ensuite, on enchaînera avec le mois de juillet. On reviendra dans cette catégorie 19 absolument passionnante avec l'Imbugé-Valromey Tour, l'une des plus belles courses à étapes du monde pour cette catégorie 17-18 ans qui avait vu la victoire d'Emile Herzog l'année dernière, passé depuis professionnel. Tout à fait, oui. Là aussi, on s'aperçoit donc au niveau des organisations que maintenant, effectivement, il y a plusieurs échelons dans les catégories, notamment seniors, que l'Alpes-Isère Tour donc, est en 2.2. Je crois que le Tour de Ré-Loire que tu vas commenter 2.2. Est aussi en 2.2. Ouais. La Mirabelle devait être aussi en 2.2, comme le Tour de Bretagne. Il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves donc, en 2.2. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'au niveau des structures professionnelles, il y a bien sûr 3 niveaux. Le plus haut niveau, c'est le Pro Tour. Le 3e et dernier niveau, ce sont les équipes continentales que fréquentent d'ailleurs beaucoup de nos coureurs présents ici. Ces équipes continentales, il y en a pratiquement 200 aujourd'hui. C'est énorme. Et c'est vrai que c'est, je dirais, le véritable vivier du cyclisme professionnel, avec notamment pour la Chine, par exemple, 19 équipes continentales. Quoi. Et c'est vraiment le vivier du cyclisme. Et plus de 100 demandes du côté des équipes pour l'Alpes-Isère Tour. Sélection a été compliquée à faire. Tout à fait. On me demande des nouvelles de Maxime Decomble. On parlait de l'Imbugé Valromey Tour, ça avait été la révélation l'année dernière sur cette course internationale où il avait pris la 2e place. Il avait même failli faire basculer le général le dernier jour. Pas de bonnes nouvelles pour Gabin, puisque Maxime Decomble a été décroché du groupe de contre et doit naviguer désormais en 15e position de la course. Voilà, c'était pour répondre à Gabin qui demandait des nouvelles du champion marseillais qui a été décroché. Nous retrouvons notre trio de tête, toujours Vidar, le champion de Belgique, Dossard 85 qui emmène avec en 2e position Paul Sexas. Ça devient de plus en plus dur pour Milan. Ouais, peut-être un moment très important puisque Donny est en train d'être décroché du groupe de tête et on nous annonce que Baptiste Grégoire serait intercalé, serait en train de faire une très belle montée, peut-être en train de revenir. Ils ne sont plus que 2. Vidar est en train d'accélérer. Sexas dans la roue. Et ce coup-ci, je crois que Milan Doni, alors que nous sommes à 2 ou 3 km du sommet, vient d'être décroché, peut-être définitivement. Il va falloir, à 2 km du sommet, il va falloir basculer le plus proche possible du duo de tête et faire une super descente. Vidar et Sexas, explication au sommet entre 2 des meilleurs juniors donc, de cette génération. 2005 et 2006, Paul Sexas donc dans la roue du champion de Belgique. Explication au sommet. Et Jean-Claude, cette fois-ci, la parité entre Belges et Français est respectée, 1-1 désormais. Oui, tout à fait. Parité respectée, j'allais dire à l'avant, mais aussi
à l'arrière, puisque Donny est peut-être sur le point d'être repris par Baptiste Grégoire, le coureur de Bourgogne-Franche-Comté. Ce serait bien finalement de retrouver deux groupes de deux, un Belge et un Français dans chacun des deux groupes, alors que les coureurs de tête sont, comme vous le voyez, dans la forêt tout simplement. Ça explique le rapprocher maintenant du sommet. C'est toujours bon d'ailleurs de voir les sapins arriver, parce qu'on se dit finalement on se rapproche du sommet de ce col du Mont du Chat. Le sommet est d'ailleurs un peu moins difficile que le pied du col. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, des coureurs comme Vidar et Sexas sont particulièrement à l'aise dans ce genre d'effort. Ici, donc, la présence du Fayol. Coureur Fayol, le coureur d'Auvergne-Franche-Comté, donc Jean-Louis Fayol, le dossard numéro 13. C'est vraiment l'archétype même du grimpeur, hein. C'est le petit gabarit s'il en est, donc qui emmène dans sa roue peut-être Matteo Gilbert, non c'est pas cela. Non c'est Graff qui est là, William Graff encore, pardon. Un coureur belge du team Wallonie, coéquipier donc de Vidar qui est là, mais les deux font forte impression dans l'ascension. Alors sans doute pas assez pour revenir sur le groupe de devant, mais ils sont en train vraiment de ramasser entre guillemets tous les coureurs de l'échappée initiale désormais pour aller chercher une place d'honneur, alors que nous avons toujours notre duo de tête et la bataille désormais entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le team Wallonie Junior, puisqu'à l'avant vous avez Vidar pour la Wallonie et vous avez Paul Sexas pour Auvergne-Rhône-Alpes, et là dans ce deuxième groupe donc pour l'Auvergne-Rhône-Alpes Jean-Loup Fayol et William Graff pour le team Wallonie. On a petit et grand gabarit là. Ouais, deux gabarits complètement différents. Oh là là. C'est impressionnant hein, de voir la différence. Et on a Jean-Loup Fayol me fait penser à un coureur exceptionnel des années 80, petit gabarit aussi, le dos très plat, c'est un peu Charlie Mottet. Oui. On sent vraiment qu'un rapport poids-puissance impressionnant. Et malheureusement, on sait que dans le dernier kilomètre du Mont du Chat, on va perdre les images. Donc, et c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage parce que ouais, ça y est, c'est fait. On va perdre les images. Alors, bien entendu, on va faire de la radio du mieux possible, alors que vous avez une vue sur la Bridoire, donc la commune qui accueille l'arrivée de cette classique des Alpes. Petite commune nichée à quelques kilomètres du célèbre lac d'Aigbelette. Bien connu pour l'aviron du côté d'Aigbelette. Tout à fait. La baignade en eau fraîche également l'été. Ce lac a été retenu par la Fédération française d'aviron. Oui, je crois qu'il y avait eu les championnats du monde. Il y a eu des championnats du monde, et en plus de cela, donc le lac a été retenu pour la préparation donc des équipes de France aux Jeux Olympiques, ce qui prouve donc la qualité donc des eaux de ce lac d'Aigbelette. En tout cas, on est dans un cadre vraiment bucolique et charmant tout autour de cette belle commune de Labridoire, dans l'avant-pays savoyard, hein, il faut le rappeler, puisque Labridoire fait partie de ces communautés de communes, l'avant-pays savoyard. Alors, juste quelques informations. Duarte Marie Wetchelier serait à 40 secondes du duo de tête, donc ferait également une belle ascension en deuxième échelon de course. Alors comme tu l'as dit, s'il y a des garçons qui ont le tempérament pour se jeter à fond dans la descente, ils peuvent encore rentrer. Le bancher sera moins pentu, hein, le dernier col, on se rappelle l'année dernière, c'était assez roulant. Le bancher donc un peu moins difficile, alors que nous retrouvons la tête de course, ils sont toujours de Vidar et Sexas. Le Sexas apparemment qui remonte un petit peu son maillot pour préparer la descente désormais, à moins qu'on ait déjà plongé dans la descente. Non, ça semble encore monter hein, sur ce Mont du Chat. Voilà, on a eu les images. Alors un point complet, une quinzaine de secondes sur Mylène Dounier. Duarte Marie Wetchelier serait à 40 secondes, à 1:35. Baptiste Grégoire qui vient d'être raccroché par Jean-Loup Fayol et William Graff. Belle performance du Français et du Belge qui sont en train de revenir sur tous les garçons qui les précédaient. Voilà donc les positions désormais, et on va saluer bien entendu l'ensemble des partenaires hein, de cette classique des Alpes, de cette Alpes-Isère Tour et puis de cette Grésivaudan classique, car toutes les courses finalement sont liées avec le Cotny de Michel Beau. On va saluer Christelle Rey, la directrice générale de cette classique des Alpes Juniors. Petite pause de publicité avant de retrouver les images et le final de cette classique 2023.
Waouh. Oh merde. À Walibi, laissez-vous surprendre par vos émotions. Walibi, à chacun son waouh. Vous retrouvez ? Retour sur les lignes d'arrivée, un peu moins de 3 heures de course. Bon, nous, Jean-Claude Ancier, où nous partons en vacances l'été prochain, hein, dans quelques jours, ce sera l'Isère. On a vu Jazz à Vienne, un des grands festivals en images. On a vu de formidables images de montagne naturelle avec l'eau et la montagne. On parlait du lac d'Aigbelette, mais on est du côté Savoie, mais il y a également de magnifiques lacs. Du côté de l'Isère, je crois que le lac de Paladru, c'est bien isérois. Effectivement. On a vu les maisons suspendues de Pont-en-Royan. Il y a tellement de belles choses à faire et puis de nombreux massifs à découvrir pour les amoureux du vélo, de la marche et du VTT notamment. Alors, les dernières informations. Les deux hommes de tête ont basculé au sommet du Mont du Chat ensemble. On n'a pas l'écart avec Milan Donnier qui était annoncé à 15 secondes, mais on n'a pas de nouvelles situations. Et on va retrouver les coureurs dans quelques instants. Alors bien sûr, nous, on n'a pas les images. Et du côté de Radio Tour, voilà. Alors les premières images qui sont en train de nous parvenir des motos avec le duo de tête lancé dans la descente désormais en direction de la Bridoire. Il reste une dernière ascension pour se départager entre le champion de Belgique, Jarno Vidar, et l'ancien champion de France. Alors, j'aime pas dire ancien parce que quand on est champion de France, on est champion de France à vie. Lui a été champion de France chez les U17. Paul Sexas, coureur brillant, promis un très bel avenir. Il va y avoir la dernière explication sur le col du Bonchet, 5 km 300 d'ascension avec un pourcentage moyen de 4,4%. Pas le plus dur. Oui, et puis si mes souvenirs ne me trompent pas, je crois que le pied est un petit peu plus compliqué, le haut et surtout un long faux plat pour basculer en direction de la Bridoire. La seule difficulté de ce col, j'ai envie de dire, c'est les 3 heures de course, c'est les 115 km qui ont précédé. Oui, c'est l'accumulation, en fait, on va dire, d'efforts. C'est l'usure. D'efforts très violents, hein, parce que c'est vrai que il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 60 km de difficultés. On disait tout à l'heure, donc 31 km d'ascension et pratiquement autant de descente dans cette deuxième partie de course. Ce qui prouve d'ailleurs toute la difficulté de cette classique. La chaleur n'est pas étrangère aussi à une difficulté, on va dire, accrue pour les coureurs et Nicolas Caille le disait très justement d'ailleurs, découvre des nouvelles conditions de course depuis quelques jours, conditions auxquelles donc il n'était pas habitué forcément. Et je te coupe, c'est la première journée assez lourde, hein, avec 30 degrés. Les écarts température dus à l'altitude aussi, hein, quand on monte le Mont du Chat. Juste, je te coupe également pour te donner des infos concernant Léo. Léo Bizio donc, a été transporté à l'hôpital de Chambéry. Ce serait malheureusement une clavicule pour Léo, à qui on va souhaiter un prompt rétablissement. Et ça va être compliqué pour aller faire le Valromey maintenant, si c'est malheureusement une fracture qui est confirmée. Pour l'instant, on sait juste que c'est une clavicule, mais en principe, Jean-Claude, par expérience, c'est souvent cassé, une clavicule. Hein. Souvent, hélas. C'est effectivement la... C'est un peu la chute du cycliste, par excellence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est effectivement ce genre de chute qu'on retrouve le plus souvent. Les coureurs donc, sont casqués, donc c'est vrai qu'ils sont protégés de ce côté-là. Il est clair que c'est la clavicule qui amortit le plus souvent les chutes, mais qui en tout cas se fracture malheureusement le plus souvent. Alors nous retrouvons à l'image Jean-Loup Fayol et la présence de William Graff. Donc ça doit être le troisième ou quatrième échelon de course. Il doit y avoir toujours Donnier intercalé. Baptiste Grégoire doit être également dans ce groupe. Alors Graff a du mal, hein. Alors est-ce que Donnier a été repris également, ce qui voudrait dire que pour Fayol, on jouerait pourquoi pas la troisième place. Moi, j'ai l'impression que ça s'est regroupé. Non, ouais, dans ouais, la... ah, Donnier était quand même plus proche de la tête de course que du groupe Jean-Loup Fayol. Alors après, peut-être s'est-il mis vraiment dans le rouge dans les derniers kilomètres de l'ascension, alors qu'on voit que cette descente
du Mont du Chat est très spectaculaire et même si la route est en parfait état, elle est hyper technique. Tout à fait, oui. On voit même que le moteur a de la difficulté à suivre les coureurs. Hein. Ça prouve toute la, je dirais, le talent de ces garçons. On va saluer nos caméramans hein, qui font un gros travail aussi. Tout à fait, oui. Alors que on est à plus de 70 km/h dans cette descente hyper technique va nous amener très précisément donc au pied du col du Banchet. C'est Paul Sexas hein, qui fait la descente. Ouais. Alors, on connaît aussi ce garçon très méticuleux. N'en doutons pas, je pense qu'on le rend en interview à l'arrivée. N'en doutons pas, Paul Sexas est venu et revenu reconnaître, bien entendu, cette classique des Alpes. Il connaît par cœur la descente. Pour l'avoir côtoyé sur une épreuve que nous avions retransmis et commenté le Tour du Pays d'Auliergue au mois de mai dernier. Mmh. Il était venu voir la descente du col du Béal. Il avait monté à plusieurs reprises le col des Super donc, et le col du Béal qui étaient les deux principales difficultés de ces deux journées au Tour d'Auliergue dans la région d'Ambert. Et Paul était venu voir les cols, les monter, mais aussi le côté descendant parce qu'on le disait tout à l'heure, le cyclisme moderne permet aujourd'hui de faire de gros écarts côté montant, mais également côté descendant. Et si on n'est pas bon grimpeur et bon descendeur, c'est souvent rédhibitoire pour aller chercher une victoire. Oui, tout à fait. En tout cas, Paul Sexas a pris la direction des opérations. Il fait la course en tête, hein, tout simplement. C'est quelquefois intéressant d'être en tête comme ça dans une longue descente parce qu'on aperçoit effectivement mieux les difficultés, les motos qui précèdent aussi et on évite quelquefois la chute du coureur qui nous précède. Donc c'est une bonne orientation prise par le coureur donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aurait encore deux coureurs intercalés, Milan Denier, Duarte Marivaux, Chollier. Et derrière, le groupe Fayol qui aurait repris donc Grégoire avec William Graff, on a vu décrocher. Pour Duarte Marivaux et Chollier, ce n'est pas sûr. Hein. On n'a pas encore la confirmation alors que nous sommes au plus près de la descente des deux hommes de tête. Et Paul Sexas qui met la pression sur le champion de Belgique, Jarno Vidar, victime d'une chute à l'entraînement hier. Ça peut avoir son importance dans le final. Oui, tout à fait. On s'aperçoit que Jarno Vidar est moins à l'aise. Hein. Donc, il est obligé à la sortie des virages, on le voit là à l'instant, donc il est obligé de relancer. Hein. Ça use aussi à la fin. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, voilà. Donc, Jarno Vidar qui va peut-être prendre la direction des opérations après un court ravitaillement au bidon. Voilà. Jarno Vidar qui fait sa part de travail. Et Paul Sexas, donc, qui s'est replacé derrière le coureur belge, le champion de Belgique d'ailleurs, vainqueur du Tour des Flandres. Là, on est sur un autre terrain, hein, mais en tout cas, Jarno est vraiment à l'aise, j'allais dire, sur pratiquement tous les terrains, que ce soit les terrains du Tour des Flandres avec les monts des Flandres, et puis ici, donc, les monts de Savoie qui... Ouais. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et j'en profite aussi pour saluer la présence des représentants du département de la Savoie sur la ligne d'arrivée qui est donc partenaire avec le département de l'Isère. Il y a un match aussi sur les réseaux, hein, sur notre live entre Belges et Français. Oui, Emilien Bouchat qui dit quel avenir nous avons en Belgique. C'est vrai qu'avec trois vainqueurs parmi les cinq derniers, c'est un bel avenir. Encore aujourd'hui, vous avez... la Belgique a fait très fort. Mais attention à Paul Sexas, dans le dernier kilomètre, il a pas dit son dernier mot. Il a une belle pointe de vitesse. Heureusement. Il y a vraiment eu match entre Belgique et Français aujourd'hui, mais il y a match également entre les supporters. Chacun défend son bout de territoire. En tout cas, ça nous promet donc un beau suspense, finalement, ce final de cette classique des Alpes, alors que les coureurs vont, je pense, traverser Novalaise. On va les retrouver parce qu'ils sont à 16 km de l'arrivée. Ils viennent de terminer la descente Novalaise. De ce Mont du Chat. Voilà alors que là, c'est le deuxième groupe que nous avons. Voilà, Novalaise, tu lui en parlais. 3h05 de course, le duo de tête Paul Sexas en première position, gabarit un peu plus longiligne, gabarit ramassé pour Jarno Vidar, le champion de Belgique qui prend le relais. Ils sont deux pour inscrire leur nom donc au palmarès de cette classique des Alpes pour succéder à Max van der Meulen, à Sian Uytvanbroeck, à Valentin Paripin qui sont les trois derniers vainqueurs. Dossard 85, le champion de Belgique, et Dossard 16, Paul Sexas, celui qui avait été champion de France chez les U17.
et qui fait une entrée fracassante chez les juniors, puisqu'il est junior première année, on le rappelle. Comme Vidard d'ailleurs, hein, je crois que... Non, Vidard deuxième année. Deuxième année. 2005 pour Jarno et 2006 pour Paul Sexas. Et là, les coureurs sont au pied du banchet. Voilà, on va tout remonter à fait, ouais. Sans tarder. Dernière difficulté donc du jour pour les hommes de tête, bien sûr. Le banchet, donc le banchet doit être classé en troisième catégorie, si ma mémoire est bonne. C'est un peu plus de 5 km d'ascension à 4,4%. Vous voyez que c'est pas énorme, hein. c'est pas un raidard, loin de là. Mais avec près de 130 km de course, si on tient compte bien sûr en plus des 5 km séparant le départ fictif du départ réel, ça fait vraiment une belle et longue journée de vélo pour ces jeunes mais talentueux coureurs. Oui, Jarno Vidard, je te confirme, 2005, il est de fin d'année 2005 puisqu'il est du mois de novembre. Et Paul est de 2006 et lui est de septembre 2006. Donc c'est un, j'ai envie de dire, presque un jeune première année. Oui, c'est un garçon très précoce qu'on avait déjà découvert dans les écoles de vélo au tout début de sa carrière. Il a également un jeune frère qui brille dans les catégories des jeunes. En tout cas, Paul Sexas fait un très très beau début de saison. Ouais, franchement, super début de saison. On l'a vu gagner donc à Olière. Ouais. Nous l'avons vu briller sur le Tour de Gironde, où il a pris une deuxième place d'étape. Nous l'avons vu sur l'Heroica Junior. C'est l'une des manches de la Coupe des Nations U19, où il est venu chercher la troisième place. Course qui a lieu en Italie. On va dire que là aussi, aujourd'hui, il est un peu le régional de l'étape, ouais, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était... Alors, beaucoup comptaient sur Léo Bisio, bien entendu, mais il y avait cette doublette qui était annoncée, Sexas-Bisio. Et on peut regretter, bien entendu, la chute de Léo. Et n'en doutons pas qu'il aurait sans doute pesé dans le final. Et certainement. Ils auraient sans doute pu manœuvrer différemment avec Jarno Vidard, qui va être bien compliqué à battre. Tant le coureur belge fait forte impression, qui lui aussi fait une saison remarquable. Déjà 6 victoires depuis l'ouverture de la saison. Il a gagné le championnat de Belgique. Il a gagné en France sur le Tour du Bocage et de l'Ernée. Nous sommes dans la région de Navailles. Il a gagné Kurne-Bruxelles-Kurne, le Tour des Flandres junior. Il s'est illustré l'année dernière sur une des plus belles épreuves junior qui a lieu au Luxembourg, le prix du général Patton. Oui, ça fait effectivement... Ouais, il avait gagné sur la Philippe Gilbert. Il a un des plus beaux palmarès de cette catégorie junior, sinon le plus bien beau. Sûr. Bien sûr, il a vraiment de très très belles références, hein, Jarno Vidard, c'est évident. Peut-être au-dessus, quand on parle de victoire, bien sûr, au-dessus d'un Paul Sexas, oui, certainement. Bien entendu, avec une année de plus. Mais c'est la fraîcheur qui va jouer sans doute dans les derniers kilomètres. Alors que nous attendons, bien entendu, avec impatience le retour des images. Dounier, donc, toujours annoncé en troisième position. Alors, nous n'avons pas d'infos concernant... voilà, ça y est, on a de nouvelles infos. Donc, Dounier est annoncé à 50 secondes. Fayol, Graff et Grégoire seraient à un peu plus de 2 minutes. Alors, Duarte, Marie-Bouette, Chollier seraient à 3 minutes. Ouais, donc, la descente, Grégoire et Fayol... aurait décroché Duarte et William Graff et aurait pris 30 secondes. Donc, ce qui veut dire que Grégoire et Fayol joueraient la quatrième place, mais ils sont en train de rentrer sur Milan Daunier. Donc, alors que nous avons les deux hommes dans le banchet et Paul Sexas qui fait le forcing pour essayer de s'isoler. Et Jean-Loup Fayol est en train de faire un final de feu. Le coureur donc de la formation Auvergne-Rhône-Alpes qui est en train vraiment d'être le plus impressionnant dans les derniers kilomètres. C'est bien dommage qu'il n'ait pas pu intégrer cette échappée lorsqu'elle a pris corps. Alors peut-être qu'il a été lui aussi retardé par la chute de Léo Bisio. On le saura à l'arrivée quand nous aurons le petit gabarit de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais qu'on nous regarde dans les voitures. Soit retardé, soit peut-être perturbé. Oui, aussi. Oui, voilà. Oui, oui. Sait-on jamais. Hein. Gêné, perturbé ou retardé. Ouais. Ou est-ce qu'il a eu les consignes d'attente pour savoir si Léo Bisio allait pouvoir repartir. Toujours est-il qu'il a... On sentait bien qu'il avait, sa place dans cette échappée. Vidard en compagnie de Paul Sexas pour la victoire.
Il est certain que la chute de Léo Bizio a dû désorganiser quand même l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes, parce que quand on a vu effectivement le travail engagé par Léo Bizio donc dans l'ascension du col du Motourny, il faut quand même rappeler qu'ils ont bouché un trou de plus d'une minute sur les 5 derniers kilomètres de l'ascension du Motourny, ça prouve qu'effectivement il y avait une stratégie en place au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes, stratégie qui a été complètement mise à mal dans la descente avec cette chute malencontreuse bien sûr et malheureuse de Léo Bizio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui et à l'instant où on vous parle, cette formation donc retrouve effectivement des couleurs grâce bien sûr à Paul Seixas, grâce à Jean-Loup Fayol qui fait vraiment un numéro, c'est vraiment le grimpeur, l'archétype du grimpeur de poche, hein, Jean-Loup Fayol. Alors on voit, je me demande si c'est pas Donnier qui est juste devant là-bas, c'est on a possible, vu une voiture neutre, donc Fayol joue la troisième place. Oui, confirmation, donc Donnier serait sur le haut du dernier col du Bancher et on fait le forcing alors que du devant, on va dire ascension où on est plus en train de s'observer, on n'est vraiment pas à fond du côté de Vidar et Seixas. Alors certes ça va toujours aussi vite, mais on a vraiment la sensation que Paul Seixas en garde un petit peu et essaie de jauger Vidar. On a vu qu'il y a eu une attaque de Paul Seixas dans l'ascension. Vidar qui demande le relais. Ouais, Vidar a demandé le relais. Paul qui passe. Et regardez, Vidar qui à son tour regarde un petit peu Paul Seixas, voir son coup de pédale. Oui, on sent bien que les deux hommes sont désormais en train de réfléchir comment devancer l'autre sur la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si les deux hommes de tête sont au courant du rapproché de Jean-Loup Fayol, mais je pense que ça serait une information intéressante. Tu me devances, parce que c'est vrai que du côté de Seixas, on pourrait peut-être dire à Vidar, attends, mais moi j'ai un coéquipier qui est en train de rentrer à l'arrière. Exactement. Mais je pense que l'écart est vraiment trop grand. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, en début de... il y aura une 40. Comme tu le disais, en début de retransmission, nous sommes chez les U19. Il n'y a pas d'oreillette. Eh oui. Donc, ça veut dire que le directeur sportif doit monter d'abord dans un premier temps, voir Fayol, discuter avec lui, remonter devant vers Paul Seixas. Et puis, ça semble quand même compliqué de dire à Paul Seixas, arrête de rouler, car Jean-Loup est derrière, mais quand même à plus de 2 minutes. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Autant dire que pour moi, effectivement... Le vainqueur est là. Les carottes sont cuites, ouais, je pense. Le vainqueur est dans le groupe de deux. Les carottes sont cuites et... C'est vrai que ça va se... On va jurer de rien parce qu'on a déjà vu des garçons revenir de l'arrière quand ça se regardait, mais c'est pas parti pour. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est vrai que chez les coureurs, donc U19, c'est vrai que les courses sont quand même différentes des courses professionnelles. Hein. Des coureurs professionnels joueraient peut-être la remontada pour Jean-Loup Fayol, mais là, il n'en est pas le cas. Il n'en est pas question. Et Jean-Loup, j'ai l'impression qu'il bute un petit peu dans le Bancher. Il avait tout à l'heure en point de mire Donnier pour la troisième place. Ça semble un petit peu plus compliqué pour Jean-Loup qui s'était révélé, je le disais, chez les cadets, qui s'est distingué, qui a toujours un gabarit de cadet. Hein. On a du mal à croire qu'il est junior. Un garçon adorable en dehors du vélo. C'est un sacré battant par contre sur un vélo, sacré caractère. Et qui avait gagné l'année dernière sur le Carmozin Ségala. C'était une manche de Coupe de France. Il avait gagné une belle étape. Alors que nous sommes à 12 km hein, de l'arrivée ici à La Bridoire, terme donc de cette classique des Alpes. Et que nous nous rapprochons donc maintenant, nous sommes à 1 km seulement du sommet de la dernière difficulté du jour, donc le col du Bancher. Après, donc pratiquement, c'est de la descente et du plat finalement. Ouais, ouais. Le plus dur sera fait au sommet de cette dernière difficulté, 5e ascension. Et pour terminer avec Jean-Loup Fayol, on va dire qu'il court après la victoire depuis le début de l'année, 2 à Aubenas, 3 à Olliergues, 4 et 5e d'étape, lui qui avait gagné Olliergues l'année dernière. Et on va saluer un club de l'Isère, un coup de chapeau, puisque Jean-Loup est désormais à Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme. Charvieux qui a gagné une étape la semaine dernière sur l'Alpes-Isère Tour au moment où Vidar est en train de tester Paul Seixas alors que nous sommes au sommet du Bancher. L'attaque est franche, mais Paul Seixas répond parfaitement aux champions belges qui sont en train, alors que nous sommes à 10 km de l'arrivée.
Jean-Claude, ils sont en train, donc, comme on dit dans le jargon, de se mettre une sacrée plumée, les deux devant. Oui, tout à fait. Et c'est pas pour les points du Grand Prix de la Montagne. Non. Je pense pas, là. Franchement, donc, c'était... Vidard voulait sortir Sexas. Sexas a répondu, qui revient à sa hauteur, qui prend le relais, l'air de dire non, mais t'inquiète pas, je suis là. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on risque d'assister à un mano à mano. Est-ce que Vidard apporte de Paul Sexas en cas d'arrivée au sprint, c'est possible. Hein. S'il tente ce genre d'opération et de manœuvre, c'est qu'il a peut-être peur du coureur caladois. Oui. En tout cas, donc une attaque très très franche du champion de Belgique et vainqueur du Tour des Flandres, comme on le disait tout à l'heure. Et il en remet une couche. Oui, et puis on rappelle et que... Il en remet une couche. Alors on rappelle que Paul est un nouveau venu dans la catégorie U19. Hein. Il était encore dans les U17 l'année dernière. Ouais. Alors, ils ont dû se croiser, je pense, sur la Côte d'Or cette année, sur la classique junior de la Côte d'Or. Si je regarde un petit peu le résumé de la saison, oui, puisque Jarnot avait gagné sur la Côte d'Or une étape. Donc, ils se sont croisés là. Et je pense que c'est sans doute la seule fois de la saison où les deux hommes se sont croisés. Donc, les deux hommes qui ne se connaissent pas forcément. Donc, ça peut avoir son importance, comme tu le disais. Vidard peut-être un petit peu nerveux, qui veut essayer de terminer en solitaire ou tout simplement sûr de sa force et qui a décidé de faire le forcing pour essayer d'user Paul Sexas et d'essayer de le lâcher. Les derniers mètres du bancher sont compliqués pour Jean-Loup Fayol. Je finissais sur ce que je disais, coup de chapeau à Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme, qui est la formation de l'Isère, qui a gagné une étape la semaine dernière sur l'Alpe Isère Tour avec les professionnels, alors que les deux hommes sont en train de plonger en direction de la Bridoire. Tout à fait, oui. Et pour en venir à Charvieux Chavagneux Isère Cyclisme, c'était leur première victoire d'étape sur les routes de l'Alpe Isère Tour en 32 éditions. Ils avaient gagné donc grâce à David Panier ce qui s'appelait à l'époque le Rhône-Alpes Isère Tour, mais David Panier n'avait pas remporté de victoire d'étape et c'est effectivement donc une belle satisfaction pour les Charviolans de voir cette victoire d'étape et ponctuée aussi d'un très beau maillot jaune, faut-il le rappeler. Les deux hommes sont dans la descente, c'est Paul Sexas qui a repris les commandes. Là aussi, descente très technique, même si on est dans une ligne droite, mais on voit les épingles là, qui sont présentes. Paul, excellent descendeur. Je vais me taire un petit peu au niveau de la descente parce que j'ai pas aidé Léo tout à l'heure en disant que c'était un formidable descendeur, donc je vais laisser les coureurs descendre. Et Jean-Loup Fayol, lui aussi, vient de basculer, me semble-t-il, dans la descente. Je ne pense pas qu'il ait repris Donnier, donc peut-être... On n'a pas d'informations sur Donnier. Non, je pense que Donnier est toujours intercalé en troisième position. Il doit être à 1,45 des deux hommes de tête. Et Jean-Loup qui a buté un petit peu sur le haut du banchier. On l'a vu revenir à 20 secondes du coureur belge. Jean-Loup, ça fait de nombreux kilomètres qu'il est comme cela en chasse, en train de reprendre tous les coureurs qui le précédaient. Il y en a deux qui lui ont résisté aujourd'hui. Alors, non pas comme l'année dernière, parce qu'ils avaient pris de l'avance, mais tout simplement parce que c'était les deux plus forts du jour. Donc, en première position, le champion de Belgique, Jarnot Vidard, dans la roue, le maillot blanc et bleu de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Paul Sexas. En tout cas, donc, pour ce qui est de Jean-Loup Fayol, il a vraiment réalisé un très, très beau final, se permettant quand même de lâcher un Baptiste Grégoire, un William Graff, dans la dernière ascension du jour, ou l'avant-dernière ascension du jour. Très, très beau final, effectivement, pour ce garçon. Jean-Loup Fayol, vraiment, était impressionnant de facilité. Alors, peut-être qu'il pêche maintenant, donc, et qu'il paye aussi ses efforts, ça c'est fort possible et je dirais que c'est presque naturel bien entendu. Voilà donc les coureurs qui vont retrouver donc une partie beaucoup plus plane sur ces derniers kilomètres de course. Nous en avons pratiquement terminé avec cette descente. Tu as eu peur là dans la descente, ouais, il y avait Nicolas. Il y avait deux trois virages assez techniques, c'est vrai, des épingles à cheveux notamment. Ouais. Et les deux hommes voilà qui se retrouvent côte à côte. Hey, regarde Paul qui vient au niveau de Jarnot, qui reprend le relais. C'est un moment fort pour les deux garçons qui sont désormais dans le final. Nous sommes à Vérel. Vérel-Montbel, là, exactement. Vérel-Montbel, donc si tu regardes ton livre de route, Jean-Claude, nous sommes
à 6 km. 6 km du dénouement, donc dans un petit peu plus de 7 minutes maintenant, nous connaîtrons le successeur à Max van der Meulen. Est-ce que les Belges vont réaliser la passe de 3 ? Ouais. Jamais 203, dit-on souvent. C'est un dicton qu'on, qu'on retrouve alors, parfois. Pour nous, Français, on n'aimerait pas, mais bon, voilà, on va pas être chauvin. Les deux hommes méritent la victoire aujourd'hui. Vidar a répondu présent. Paul Sexas, lui aussi, était parmi les favoris. Il faisait partie de cette équipe qui faisait figure de favorite avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec Léo Bizio. Il a parfaitement répondu présent. La dernière victoire française, c'est Valentin Paré-Peintre, c'est ça, hein, c'est ça. 2019. Victoire de Valentin Paré-Peintre, lui qui avait terminé deuxième en 2018. Valentin Paré-Peintre qui maintenant est dans une équipe Pro Tour. Et qui a fait son premier Tour d'Italie. Exactement, avec son frère Aurélien. Et c'est vrai que depuis donc, cette victoire française, alors que les coureurs sortent de Verrelles de Montbel, 5 km avant l'arrivée. Mais depuis cette victoire française, les Belges l'ont remporté avec Sian Uzebroit en 2021, Max van der Meulen en 2022. Oula. Voilà, différence de trajectoire entre Paul et Jarno. Paul a fait l'intérieur du virage. Jarno se fait peur là. Hein. Franchement, c'est limite quand même. Alors il y a certainement aussi la fatigue hein, qu'on a, disons, moins de... On est moins vigilant peut-être, on manque peut-être de lucidité. Attaque de Jarno dans la descente, attaque. Là, Paul Sexas qui revient dans la roue. Donc le coureur belge, ça fait deux fois donc qu'il tente sa chance. Ah, on se parle là entre les deux hommes de tête. J'ai l'impression que Paul Sexas n'apprécie pas trop donc les démarrages sauvages du coureur belge. Et c'est vrai que l'explication, on va peut-être l'avoir dans 3 km là maintenant. Donc nous rentrons dans les derniers kilomètres de cette épreuve, cette classique des Alpes, 28e édition, faut-il le rappeler, organisée par le comité d'organisation du Tour Nord-Isère. On va saluer une nouvelle fois donc le travail de Christelle Rey, la directrice générale, présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération française de cyclisme. Je te coupe deux petites secondes parce qu'on a fait une erreur. Et il y a une erreur sur le guide de route depuis le début de l'après-midi. Alors qu'on nous annonce que Jarno Vidar sera le meilleur grimpeur de cette classique des Alpes, Max van der Meulen est néerlandais, hein, pas belge. Ah, oui. On se rappelle que c'était un néerlandais. Et c'est vrai que sur le guide de route, il y a le drapeau belge en face de Max. Mais c'est bien un néerlandais qui a gagné l'année dernière. Enfin, toujours est-il que les Belges ont gagné 2 des 5 dernières éditions et que les Français n'ont plus gagné depuis 2019 cette classique des Alpes. Jarno Vidar en première position, Paul Sexas en deuxième position. Est-ce qu'il va en mettre encore une troisième petite couche, là, notre ami Et on retrouve Jean-Loup Fayol, alors troisième ou quatrième. Jarno Vidar, vainqueur du Grand Prix de la Montagne. Oui, c'est ça. Milan Donnier est toujours intercalé avec quelques secondes d'avance. Jean-Loup Fayol aura fait un beau final, mais... Ouais. Il faudra en discuter avec lui, mais je pense que les circonstances de course, alors que nous sommes à 3 km de l'arrivée, Milan Donnier est toujours en troisième position, 1:45, il y a une quinzaine de secondes. Fayol va quand même avoir du mal à rentrer pour aller chercher cette troisième place, mais quelle finale. On invitera peut-être d'ailleurs nos assistants du côté des caméramans et du côté de la régie, peut-être à essayer d'avoir Jean-Loup Fayol à nos côtés pour une interview. On aura bien entendu les deux premiers, Paul Sexas, Jarno Vidar, dans quel ordre. Nous allons le savoir dans un petit peu plus de 3 minutes. Jean-Claude, aurais-tu un avantage au sprint sans être chauvin? C'est compliqué d'aller, c'est vraiment compliqué. Du 50-50. Je dirais que sur la base, j'allais dire, des résultats de Jarno Vidar, donc le coureur belge, je miserai une petite pièce sur lui. Alors je vais faire le contraire, je vais dire que comme ça on sera 50-50, on sera raccord. Paul Sexas a une belle pointe de vitesse, oui, il s'est gagné. C'est vrai. Il se loupe rarement.
Donc, attention, c'est sans doute l'une de ses plus belles victoires, sinon la plus belle victoire qui peut se profiler. Et on sait que, eh bien, on peut trembler un petit peu, hein, comme un footballeur sur un penalty. Et puis, encore une fois, on connaît le talent de Jarnaud Vidard. Toujours est-il que nous allons nous offrir un beau vainqueur aujourd'hui sur cette classique des Alpes 2023. Français ou belge ? Ouais. 1,35 d'écart, on ne reviendra plus, même si, même si on commence quand même à ralentir un petit peu. Et Lou Fayolle ne ralentit pas. Hein. 3 km de l'arrivée, il est en train de tout donner, Jean-Lou Fayolle, pour essayer d'aller chercher une troisième place. Il est motivé en tout cas, franchement. Ouais. Il a une motivation extraordinaire, ce garçon. Il est étonnant. Étonnant parce que seul, bien entendu, j'allais dire presque contre tous, non, mais contre des coureurs donc, qui sont devant lui, c'est vrai qu'il a vraiment, vraiment envie de monter, je pense, sur le podium de cette classique. Et si du côté de la régie, on peut nous mettre les deux images simultanées, celle de Jean-Loup qui est en train de voir au fond de la ligne droite Mylène Denier pour la troisième place. Et si on peut avoir les deux premiers en même temps, voilà les deux premiers. Et. L'impression que le rythme n'est pas le même. Hein. On commence vraiment à penser au tout dernier kilomètre. Tempête sous les casques entre les deux coureurs désormais qui vont se disputer la victoire au terme de cette journée. Ouais, Jarnaud Vidard qui se retourne, mais il n'y a rien à craindre. Hein. 1,35. Ah, c'est bon. Ouais, je pense que c'est plié, comme on dit. C'est plié, à moins vraiment de revivre. Alors, eux ne l'ont pas connu, mais un certain Liège-Bastogne-Liège. En 87, quand Roche et Criquelion s'étaient regardés et avaient vu Argentine revenir de nulle part. Mais là, je pense qu'on a beaucoup de marge. Paul Sexas en première position. Et Jarnaud Vidard est idéalement placé dans la roue de Paul Sexas. Attention au dernier virage. Hein, la ligne droite d'arrivée est extrêmement courte. Peu moins de 300 mètres pour venir chercher la ligne. Donc peut-être que le dernier virage situé, allez, on va dire à moins de 200, 250 mètres peut être intéressant de prendre en première position. Et on commence vraiment à s'observer. Paul Sexas en danseuse, le maillot Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'a pas la meilleure place, j'allais dire, Paul Sexas. Oui. Jarnaud Vidard, en bon sprinter, on a envie de dire. Fait de la patinette. Qui se laisse décoller un petit peu pour pouvoir tout de suite réagir. C'est vrai qu'il voudrait bien que le coureur belge puisse prendre la tête des opérations, mais Jarnaud est un garçon très talentueux, mais surtout malin. Ouais. Et c'est vrai que là, actuellement, il est bien à l'abri derrière le coureur de la formation Auvergne-Rhône-Alpes. On rentre dans l'abridoir 500 mètres, donc nous, on va retrouver les caméras fixes dans quelques instants. Paul Sexas emmène le sprint, il reste un virage dans quelques instants. Le coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est toujours en première position. Vous le savez, il y a un tout petit décalage d'une ou deux secondes. Donc, on va retrouver les images en caméra fixe dès que les coureurs vont basculer. Donc, dans cette dernière ligne droite, Paul Sexas en première position. Les voici, Paul qui a lancé le sprint. Vidard a pris les commandes désormais. Voilà donc le coureur belge bien parti. Ah oui, on se relève du côté de Paul. C'est Jarnaud Vidard qui va s'imposer, le champion de Belgique. Bravo Jean-Claude, tu avais raison. Champion de Belgique qui s'impose. Paul Sexas qui a reconnu être tombé sur une os. Deuxième place pour Paul qui est devancé donc par Jarnaud Vidard. La troisième place, ce sera encore un Belge qui va venir compléter le podium dans quelques instants. Denis donc, devrait prendre la troisième place de l'épreuve et Jean-Loup Fayolle qui va venir chercher la quatrième place, à moins qu'on soit rentré. Non, on est aux 500 mètres, c'est terminé. Donc Vidard s'impose, Sexas deuxième et regardez celui qui va terminer troisième. Il était dans la première échappée, le coureur de Cycle Vlaanderen, Mylène Denis, qui prend la troisième place de la Classique des Alpes au terme de 130 km. Puis Jean-Claude, il va bien dormir ce soir. Plus de 110 km à l'avant pour venir chercher la troisième place. Et regardez, Jean-Loup Fayolle va venir échouer au pied du podium pour quelques petites secondes. Mais belle performance pour le coureur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Quatrième aujourd'hui de la Classique des Alpes. Deux coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai envie de dire, aux pires places. Deuxième c'est ce que je et quatrième. Aussi. Je partage ton avis, c'est vrai que deuxième et quatrième, il y avait vraiment un match Belgique contre Auvergne-Rhône-Alpes. Et Vidard semblait sacrément sûr de lui dans les derniers kilomètres. Tout à fait, oui, tout à fait. Il est quand même assez impressionnant pour un junior, sûr de son coup en tout cas, très talentueux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait parler la poudre, ça, il n'y a pas
de problème. Voilà, nos caméramans qui sont avec, avec le vainqueur, qu'on va retrouver dans quelques minutes. Alors, on va demander également à Jean-Loup Fayol et Paul Sexas. On va essayer d'avoir nos assistants qui vont récupérer les deux jeunes coureurs français, respectivement deuxième et quatrième de cette classique des Alpes, alors que nous revoyons l'arrivée en image de drone, donc avec la victoire sans aucune contestation possible pour Jarno Vidar, le coureur belge qui complète son palmarès. Palmarès sacrément complet, Jean-Claude, désormais dans cette catégorie junior. Il aura presque tout gagné, finalement. Je pense qu'il a gagné des classiques. Il a gagné la classique des Alpes, mais il a gagné surtout les classiques flandriennes. Et il vient encore s'imposer aujourd'hui. Jarno Vidar s'impose. Baptiste Grégoire qui franchit la ligne en cinquième position. Le coureur de Bourgogne-Franche-Comté réalise lui aussi une belle performance. Cinquième place donc pour Baptiste. Le sixième devrait être William Graff, deuxième coureur du team Wallonie Junior qui font premier sixième. Là aussi, sacré collectif. Voilà, Paul qui doit être bien entendu déçu. On sait que c'est il a un tempérament de gagneur. Hein. Certainement. C'est pas la deuxième place qu'il était venu chercher. Ou alors la deuxième place derrière un certain Léo Bizio, si ça avait bien voulu sourire pour les coureurs Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi pas. Mais il sera, j'en doute, pas très satisfait de sa deuxième place, même s'il réalise une sacrée perf. Alors que nous avons Duarte Mariové qui vient de franchir une, lui aussi, faisait partie de cette échappée initiale. Et il doit prendre, je pense, là... 7e place de l'épreuve. Voilà en ce qui concerne les 7 premiers. Salut Nicolas Gachet qui est à l'image de Direct Vélo, qui est en train de recueillir les impressions et les sensations du vainqueur de l'épreuve du jour. Qui a toujours le coup de droit, donc enrubané. Ouais, hein. Ouais, on lui posera la question à Jarno. Je ne sais pas si c'est dans la descente du Mont du Chat qu'il est tombé, en tout cas. Heureusement pour lui, donc, et contrairement à Léo Bizio, lui il s'en est tiré avec quelques égratignures, mais il s'en est tiré puisqu'il a plus disputé l'épreuve aujourd'hui et l'a gagné. Ce qui est dommage pour les Rhône-Alpins, c'est vraiment le fait que Bizio soit tombé. Ouais. Parce que quand on voit la force collective de cette formation qui place quand même, en l'absence de Léo, donc deux coureurs dans les quatre premiers, deux dans le top 4. Ça doit être, je te coupe, Max Beau qui franchit la ligne, le coureur du Zappi Junior Team, formation britannique qu'on a vu. En tout cas, les écarts sont là pour... prouver toute la difficulté de cette épreuve. Oui, on sait que... Il n'y a pas besoin là de caméra. Tu n'as jamais dû commenter un sprint à l'arrivée de la classique des Alpes. Du moins un sprint massif. Jamais. Si, alors pour le groupe Eto, quoi. Ouais. c'est la seule façon de voir. Mais pour avoir couru à très petit niveau, quoi. Quand tu es dans le groupe Eto, tu n'as pas forcément l'envie d'aller sprinter pour la 85e place. C'est clair. Il te tarde une seule chose, c'est de retrouver la douche et de rentrer à l'hôtel. Nouveau coureur à l'arrivée, c'est la formation Vlaanderen. On doit voir, je pense, Niels Driessen qui rentre dans le top 10. Lui aussi aura été omniprésent à l'avant de la course. Voilà, c'était le match franco-belge aujourd'hui sur la classique des Alpes. Ça tournait à l'avantage de la Belgique avec ce junior, donc champion de Belgique, Jarno Vidar. Alors junior deuxième année, ça compte également par rapport à Paul Sexas qui est J1. Même si on a vu des J1 gagner sans aucun problème la classique des Alpes. Mais je pense que Paul Sexas est promis quand même un bel avenir. Hein. Franchement, faire ce qu'il a fait là aujourd'hui. Des garçons comme Léo, comme Paul, comme Jean-Loup Fayol ou même Baptiste Grégoire sont promis un très très bel avenir. Retenez bien les noms et les prénoms pour certains, parce que Baptiste, il va falloir se faire un prénom derrière le grand frère Romain. Mais alors que là, nous avons un groupe, ce sera peut-être le plus gros sprint de la journée, puisque nous avons 5-6 coureurs qui vont venir jouer le top 10 du jour. L'enjeu, c'est quand même
de terminer cette classique. Parce que c'est et le mieux possible. Et le mieux possible. C'est pour ça qu'on voit encore des garçons qui se battent comme des chiens, comme des chiffonniers jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est tout à leur honneur finalement, parce que c'est des garçons qui veulent dire, bah, finalement, la classique, j'y étais, j'ai fait telle place. Et souvent, bah, quand on ouvre les classements, on a les 10 premiers, donc toujours intéressant de terminer 9e, 10e, d'apparaître dans le classement, d'être un petit peu... comme disait un célèbre entraîneur, être dans l'écran, être tout vraiment dans la première feuille de classement, bien c'est sûr. Toujours intéressant. Alors, on le disait bien tout sûr. À l'heure que certes, beaucoup qui sont montés sur les podiums sont passés professionnels derrière, mais c'est également le cas pour d'autres coureurs qui rentrent dans les 10 premiers. Nous, on va passer en plateau, Jean-Claude, le temps de retrouver les coureurs. Et je pense qu'on va avoir l'interview du maire de la Bridoire qui nous accueille aujourd'hui. Puis on va essayer de retrouver tous ces jeunes champions qui ont animé cette formidable épreuve de la Classique des Alpes. Alors c'est vrai, on emploie beaucoup de superlatifs, mais c'est vrai que la Classique des Alpes eh bien, fait partie des courses qui comptent lorsque vous êtes âgé de 17 et 18 ans. C'est la Coupe de France, mais c'est l'une des plus belles épreuves internationales qui comptent lorsqu'on veut réussir et passer professionnel. À tout de suite en plateau, avec, j'espère, les premières interviews et les premiers coureurs à nos côtés. Bienvenue à tout le monde pour la 10e fois, normalement, si ma mémoire est bonne, dans le village de la Bridoire, notre petit village niché au creux des collines, entre la chaîne du Montournier et la montagne du Raz. C'est toujours un plaisir de voir les vélos arriver. C'est aussi un peu la fête dans le village, avec la présence de nos élèves de l'école communale qui viennent faire des dessins et une petite courseton de vélo. C'est toujours un plaisir de voir dans le circuit professionnel les noms et les visages de jeunes coureurs qui se sont illustrés il y a quelques années chez nous. Je pense à la deuxième place de David Goudu. Je pense à Rémi Rochat, qui est un régional de l'étape aussi. Je pense encore plus aux régionaux de l'étape que sont les frères Paré Peintre, puisqu'ils ont de la famille sur notre commune, leur grand-père. Notre territoire de colline nous permet aux sportifs de s'exprimer totalement. Avec la montée du Montournier qui n'est pas facile, et la montée du Mont du Chat qui est encore plus difficile. C'est toujours un exemple aussi pour tous les sportifs amateurs et la vision que l'on peut avoir de cette course qui aujourd'hui est filmée permet de donner envie à certains, je l'espère d'ailleurs, de venir nous trouver dans nos villages. Cette action de filmer la course, c'est aussi c'est valorisant pour les personnes qui sont filmées, leurs familles, de voir leurs exploits. C'est aussi très très intéressant pour les personnes qui sont amoureux du vélo de voir cette course qui est assez original, je crois, dans le circuit junior, c'est-à-dire qu'on commence à se frotter à quelques pourcentages un petit peu forts. Donc c'est pour ces jeunes coureurs une occasion peut-être unique de montrer leur capacité dans les forts pourcentages de nos collines et de nos montagnes. Donc aujourd'hui, tant qu'on aura les moyens d'accueillir cette course magnifique, eh bien nous sommes très heureux de faire perdurer ce rendez-vous. Merci beaucoup. Voilà, nous nous retrouvons en direct. Alors nous avons Jarnaud qui est à nos côtés et Paul le deuxième qui va servir en plus d'interprète qui va faire l'interview en anglais. Paul, tu vas lui demander, il semblait très sûr de lui dans les derniers kilomètres. I was really confident in Spencer, but I wanted to start in the wheel because I wanted to start come first in the first and the last corner. Yeah, and for me it was complicated. I was in pain all the race, all the end of the race. So
Tu peux parler français, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Donc toi, donc il nous disait qu'il était assez confiant donc dans les derniers kilomètres. Toi, Paul, tu as une pointe de déception, bien entendu, quand on arrive pour la gagne, mais tu le disais en off avant qu'on commence l'interview, tu es tombé sur plus fort. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le plus fort a gagné. Donc je pense que c'est comme on l'avait dit, partout, le plus fort, il gagne sur la classique. Et aujourd'hui, le plus fort, c'est Arnaud. J'ai fait de mon mieux pour m'accrocher à sa roue et j'ai essayé de tenter des trucs dans la descente. Je savais que je descendais vraiment bien et donc du coup ça l'a pas fait. Il s'est bien accroché dans les descentes et ensuite j'ai senti que j'étais un peu juste. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas couru et peut-être que à la fin j'ai un peu payé ça sur la longueur et aussi ma première course aussi longue. Donc, et puis il y a eu le problème avec Léo parce que vous auriez pu être tous les deux dans le final. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Ah bien sûr, Léo était un élément très important pour la course. Et je pense que quand on a attaqué au début dans le montagné, enfin quand il a attaqué et que je l'ai aidé à faire exploser le groupe, je pense que quand je voyais comme il était fort, on aurait pu faire quelque chose tous les deux face à Yarno. Et aujourd'hui c'est avec une belle déception de le voir par terre avec une clavicule peut-être cassée, je sais pas trop. Donc je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu faire la course avec lui. Mais c'est comme ça, c'est le vélo. Ouais. Voilà, on va vous libérer parce que je sais que vous avez plein de choses à faire. Vous avez le protocole et tout. Merci à Yarno d'être venu nous rejoindre. Merci à Paul, le deuxième de l'épreuve du jour. Jean-Claude va venir à nos côtés. Alors on espère avoir Jean-Loup Fayol dans quelques instants peut-être à nos côtés également. Jean-Claude, on a eu une édition 2023 de haute volée. Hein. C'est vraiment une très belle édition 2023 pour la Classique des Alpes. Oui, ça, on en point douté, bien entendu. Hein. C'est vrai que Paul Sexas le disait tout à l'heure, à juste titre, les meilleurs sont devant. Et je crois que dans ce type d'épreuve, effectivement, il n'y a pas besoin de caméra, quoi. Il n'y a pas besoin de photo finish. Hein. Il est clair que la sélection, elle se fait dans les ascensions répétées. Il y en avait 5 au menu aujourd'hui. Et effectivement, donc, la confirmation des années passées, on l'a eu en cette année 2023, les meilleurs étaient bien devant. On regarde le top 10, 5 Belges dans les 10 premiers, voilà si on peut nous le remettre à l'image. Voilà donc Jardo Vidar s'impose, Paul Sexas 2e, Ilan Denier 3e. Alors est-ce que nous avons Jean-Loup Fayol à nos côtés? Est-ce qu'on peut, je vais me tourner vers nos assistants, Jean-Loup Fayol le 4e, on aurait bien voulu l'avoir en interview. Baptiste Grégoire excellent 5e, William Graff 6e, Duart Marivolet qui était l'un des rescapés de l'échappée de la matinée a pris la 7e place. 5 Belges, 4 Français, 1 Britannique dans les 10 premiers. On parlait de la mainmise belge sur les dernières saisons avec un Hollandais, donc Van der Meulen, qui avait gagné également la saison dernière. Donc cela fait désormais 4 ans que les Français n'ont pas gagné leur classique des Alpes. Valentin Paré-Pinte reste pour l'instant le dernier vainqueur français. Et juste avant de rendre l'antenne, on va savoir si on a Jean-Loup Fayol à nos côtés, excellent 4e qui a réalisé une fin d'épreuve tout à fait exceptionnelle. Peut-être lui nous en dira un petit peu plus sur la chute de Léo Bizio qui a peut-être empêché le collectif Auvergne-Rhône-Alpin de venir manœuvrer dans le final avec 3 garçons, alors que nous voyons des coureurs qui continuent à arriver avec les superbes images de drone. Il y en a qui vont arriver très loin ce soir, hein, Jean-Claude. Coureurs qui ont été décrochés dans la première ascension, qui vont rentrer très, très loin. Il y aura des écarts, mais j'ai envie de dire qu'une classique des Alpes, ça se termine. On n'abandonne pas une classique comme cela. Oui, et on le voit à l'instant. C'est sûr qu'on a l'habitude de voir des coureurs arriver 20-25 minutes après le vainqueur, bien sûr. Et ça va être encore le cas aujourd'hui. On le disait, donc, et on l'a répété plusieurs fois, La chaleur aussi a dû jouer un rôle important pour les coureurs qui n'étaient pas habitués à découvrir ce climat, bien sûr. La chaleur et la montagne, c'est deux éléments importants qui ont pesé, bien sûr, sur cette course. Victoire belge, ça c'est une évidence, hein, une nouvelle victoire de la Belgique. Donc c'est la patrie du vélo qui triomphe sur la montagne. Hein. Le plat pays est venu gagner cette classique des Alpes. Tant mieux donc aux Belges. Souhaitons à Léo Bizio, bien sûr, un prompt rétablissement. Alors, on va attendre encore quelques instants, savoir si Jean-Loup Fayol nous rejoint pour
la dernière interview. Vous revoyez des images. Voilà, nous étions dans le Mont-Tournier au moment où justement le collectif Auvergne-Rhône-Alpes avait pris les choses en main. La descente avec Léo Bizio, donc qui était en train de faire exploser la course avant cette chute donc dans la descente du Mont-Tournier qui a été le moment, le tournant de la course. Et puis l'attaque de Jarno Vidar, seul Paul Sexas peut l'accompagner. Et puis la victoire au sprint du champion belge, sûr de son fait, sûr de sa force dans les derniers kilomètres, qui a essayé de manœuvrer à plusieurs reprises, Paul Sexas. Mais l'expérience, si on peut parler d'expérience, c'est sa deuxième année junior, Jarno, donc qui vient s'imposer. Tiens, on va essayer d'avoir quand même Christelle Rey, la directrice des opérations sur cette classique des Alpes à nos côtés, qui va venir nous rejoindre. Et Christelle va venir nous rejoindre au micro, voilà, en tant qu'organisatrice de cette classique des Alpes. On rappelle à plusieurs casquettes, présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme. Christelle, on disait avec Jean-Claude, quelle édition 2023. On s'enthousiasme devant la précocité de ces gamins qui sont de plus en plus près, de plus en plus forts et qui nous réservent plein de surprises. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle est la moyenne, mais à mi-course, on avait 10 minutes d'avance sur le meilleur horaire, donc avec après deux cols. Donc c'est, voilà, ça va de plus en plus vite. Ceci dit, cette année était la première édition sans braquet limité chez les juniors, ce qui nous confortait plutôt dans la capacité à piloter dans les descentes. Donc je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais effectivement, on se sentait plus à l'aise avec ça. Mais voilà, moi je suis très contente du déroulement. Évidemment, ça aurait été mieux si Paul avait été deuxième. Il est tellement jeune et puis il a tellement de talent qu'il a la vie devant lui. Et puis je crois qu'on accroche au palmarès de la classique un grand futur monsieur. Et, il va y avoir encore des étoiles sur le palmarès, 57, 58, 59 sans doute. Je ne les ai pas comptés, j'arrête de les compter. Mais oui, il y a de quoi effectivement lui prévoir un très bel avenir, très tôt. Et puis dernière chose, en tant que président du comité Auvergne-Rhône-Alpes, le maillot Auvergne-Rhône-Alpes a brillé toute la journée. Deuxième, quatrième, on aurait pu espérer un petit peu mieux, mais c'est quand même sacrément bien. Non, c'est très bien, on loupe derrière les Flamands le classement par équipe, mais bon, c'est pas très très grave. Mais très contente pour Jean-Louis Fayolle également, qui a eu une première année junior très, très mouvementée, avec des blessures, des chutes. Donc je suis très contente de le voir à ce niveau-là. Voilà, la gestion de cette course est vraiment particulière, parce qu'il y a cet échappé, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. D'habitude, c'est l'échappé qui va au bout. Là, il y a une prise de risque quand même des coureurs, des coureurs les plus forts qui a été faite. Finalement, ils s'en sortent bien. Jean-Loup a peut-être raté le train du coup, mais finalement, en maintenant bien son écart avec le groupe de tête, il a montré qu'il avait les jambes pour être avec. Voilà, donc sans regret, parce que lui aussi a la vie devant lui. Mais voilà, gros talent des coureurs régionaux, on peut vraiment être fiers d'eux. Merci Christelle, et puis rendez-vous demain, donc on va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis, vous étiez encore très nombreux sur cette classique des Alpes. Je vais remercier Jean-Claude Noyer qui m'a accompagné tout au long de la journée. Rendez-vous demain, nous allons basculer du côté féminin avec la Grésivaudan Classique. C'est l'un des beaux rendez-vous ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes Black Hole Live. Vous pouvez nous suivre gratuitement, on le dit, on le répète, il faut le répéter à chaque fois, gratuitement sur les réseaux sociaux. Merci et à demain.